merci pour ton raid! On s'en vient, les amis! Ben, vous les entendez en background en plus. Bon. Oui, et voilà. Wow. Ils vont tout apparaître. Checker, ben ça, c'est beau. Tada! Yes! Oh. Salut, gang! C'est que c'est l'icône de caféine low. Merci pour ton raid, Caro! Ah, oui. Ah, bon, puis je vous ai inversé en plus. Hey, ça n'a pas d'allure. Ah, ma souris est où? Elle est là. Je suis désolée, bon. C'est moi qui ai fait l'overlay, puis je suis même pas foutu d'émettre comme du monde. Check bien ça, m'a réglé le problème. Ah! Qu'adore ça! For the Emperor! Allô, Kaza, comment ça va? Fait que comment vous allez, vous autres? Est-ce que ça va bien? Avez-vous passé une belle semaine? Ben oui, let's go. Qu'est-ce que vous avez fait de bon cette semaine? Des beaux lives? Tu pas travaillé trop fort? Les gars, je suis tout changer. J'ai travaillé trop fort, live de Resident Evil, voilà. Bon. Fait que ce soir, guys, on va jouer à King of Tokyo avec mes trois beaux invités, qui est le lapin méchant, un ours. C'est un ours, une vache? C'est quoi ton costume déjà? C'est un ours. Un ours. Et puis avec notre vampire préféré. Oui, c'est l'ours. Fait... Ça se peut que ça vienne de quelque part, mais j'ai acheté ça à l'aveugle. Ah, OK. Fait, je vais vous laisser présenter vos chaînes. Faire Carnage, t'es le premier. Vas-y, vas-y, mon cher, si tu veux présenter. Ben oui, écoutez, moi, c'est... c'est Hugo de la chaîne de Projet Playsoldeur TV. Sur notre chaîne, ce qui se passe, c'est que ben on est le power couple du Twitch Québec. C'est Hugo et Mimi qui hostent la chaîne. Hugo s'occupe de peindre des miniatures et jouer à des jeux de survie, des jeux tough, des jeux bizarres, pas mal un peu n'importe quoi. Mimi, elle s'occupe de jouer à des jeux qui sont du eye candy, des jeux avec une belle histoire ou des jeux d'horreur. Et on se regroupe aussi le samedi soir pour jouer, pour faire du couch co-op là, ensemble. Ou bien faire des soirées communauté, jouer tout le monde ensemble, animé par nous deux en même temps. On est live pas mal 4 soirs semaine. C'est pas mal ça. Demain soir, c'est une soirée commune ou c'est une soirée couch coop? Demain soir, on va continuer Spiritfarer. D'accord. Et Carozène, à ton tour, ma chère, vas-y fort. Salut! Moi, c'est Carozène. Je stream tout ça. Non, c'est pas vrai, avec plein d'amis. les mardi soir, vendredi soir, samedi après-midi. Souvent, les samedis après-midi, c'est effectivement des jeux avec en bonne compagnie. Souvent avec Mathieu, mais souvent des jeux coop. Puis, je joue à des jeux variés. Ça peut être Elden Ring, Tunic ces temps-ci, Green Hell. Beaucoup de jeux de survie hein, quand c'est le temps du coop. Puis, dimanche soir, souvent, c'est du contenu de fin de jeu là, de Elder Scrolls Online. Non, oh, intéressant. Et, Caffeine Low, qu'est-ce que tu fais de bon? Bonjour. Moi, je stream pas mal de streams de variété. On va dire n'importe quoi, mais en gros, je dirais de l'art des jeux vidéo, surtout horreur, le mardi soir, les mardis chaos, comme on appelle. Je suis toujours en live avec mon ami Quack Nick, qui a une chaîne aussi, mais qui ne stream pas souvent. Et fait que c'est ça, on joue à des jeux d'horreur, il prend le contrôle de mon ordi, ça devient un peu chaotique. Sinon, d'habitude, c'est le vendredi, j'ai fait de l'art, et le dimanche, on a un podcast, moi et mon chum, et c'est un podcast sur la culture, les arts. Donc, OK. Quel type d'art que tu fais, tu dis? Pas mal d'art digital. Là. OK. C'est sur Procreate. Là, fait des dessins. Ben, c'est cool. Là, c'est cool. Fait, et c'est ça. Puis là, ben, évidemment, vous êtes sur la chaîne de Jeux AZD. Ne manquez pas le début de la campagne de Dracotia ce dimanche avec le groupe des pirates. C'est la première partie. Donc, à ne pas manquer. Et sans plus tarder, je pense que mes invités ont très hype, ont très hâte de jouer. Fait que, et voilà le thème des pirates. Let's go. C'est évidemment sur un film que pas mal de monde connaissent. Donc là, dans le fond, j'ai cliqué sur « Jouer à le jeu » et vous devriez... Et voilà.
C'est excellent. Fait que dans le chat, c'est normal que vous entendez la porte cogner. C'est pas dans votre maison, c'est bien dans le stream. Et donc, nous, on va pouvoir commencer comme ça. Là, dans le fond, je connais pas les modes de jeu. Fait que là, on a le mode normal, le mode entraînement pour le mode de jeu. Vitesse normale, je pense que ça va être bon. Ah, ben, crème. Puis il y a l'événement Halloween qu'on pourrait mettre, que c'est avec des cartes costumées. Fait que si vous voulez, on pourra... regardez, je sais pas si vous voyez sur l'écran. J'ai événement Halloween, carte costume, qui est désactivé présentement. Événement combat divin, partie 1, les cultistes. Événement nature contre machine. Fait que j'imagine qu'il existe différents looks de cartes qu'on peut utiliser pendant qu'on joue. Après oui, ça, sûrement, ben dans le fond, j'imagine qu'il doit avoir aussi différents kaiju dans les cartes aussi. Ben ouais, mais regarde, il y a même différentes événements encore plus méchants. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça fait. Power up avec des évolutions. Fait qu'est-ce qu'on pourrait évoluer nos monstres, j'en ai aucune idée. Dark Edition, choisir le monstre automatique ou vous voulez choisir votre monstre que vous jouez. Moi, j'aimerais ça jouer un espèce de gros lapin s'il y en a un. OK. Fait que dans le fond, t'aimerais pouvoir avoir l'option de choisir ton monstre, n'est-ce pas? Au moins une fois. OK. Donc, je l'ai mis choisir son monstre. Monstre bonus, on peut activer ça. Là, sinon, dans le moment, ce sont uniquement les monstres du jeu de base. Et passer les étapes où aucune action n'est possible, qui est désactivée. On découvre le jeu ensemble. Fait que c'est pour moi, c'est tout différent aussi. Je connais pas. Fait que dans le moment, j'aurais tendance à laisser comme ça, à part pour pouvoir choisir le monstre. Puis on pourra, dans les parties, les prochaines parties, on pourra changer. Merci, Caféine, là, pour ton raid! Excuse, je peux pas host. Je suis désolée. C'est bien correct. C'est super fin. Allô, Brad! Donc, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mes amis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on met, qu'on choisit le monstre, puis le reste, on le laisse comme tel? Puis on voit de quoi ça a l'air? Ça a du sens? Ça dérange pas. OK. Parfait. Vous voulez. Qu'on va démarrer la partie. Oui, je le sais, c'est la première partie de mes trois amis. C'est même ma première partie à moi aussi. Là, je crois qu'il faut que vous acceptiez. Je sais pas trop. I guess. Ah. Moi aussi, d'abord. De quoi, toi aussi? Bon, ça y est. Merci, Hugo, pour le raid! Wow. Ah, mais je pense que ça marche pas. C'est ça, je suis allée voir sur la chaîne à CAF, puis je pouvais pas vérifier sur la mienne, puis ça met encore du monde random de nos... C'est pas grave. Ils ont changé ça, je pense. C'est ça, ça a été désactivé, le hosting. Ça marche plus, ça. Fait, il manque juste Kérosine à confirmer sa présence sur la partie. Ouais, j'essaie de voir. Je voulais changer ma face. Parce que je vais continuer à être un gars avec des lunettes, fait comme. Ouais. Alright. Donc là, I guess qu'on choisit notre monstre. Là, on a King of Tokyo Dark Edition. Il me semblait que j'avais... OK, Caffeine-Lo doit choisir un monstre. Donc, c'est toi qui commences. C'est pas moi. Le rose, c'est comme un lapin. Ah, c'est Caff qui choisit. Après, c'est toi, Hugo. Yes, lui. Là, c'est à mon tour. Écoutez, je suis désolée, je vais sur le rouge, moi. Je comprends pas pourquoi. Moi, je prends Cthulhu, c'est clair. Je fais quoi? OK, là, ça, c'est... De ce que j'ai cru comprendre dans le tutoriel, grosso modo, c'est qu'il faut atteindre 20 points de victoire. Chacun de nos monstres a 10 points de vie. Puis on a des dés en haut ici, que dans le fond, les cœurs t'aident à regagner des points de vie, que là, évidemment, dans la première ronde, on n'a pas de besoin. Et l'idée de pour pouvoir gagner des points de vie, pour pouvoir gagner des points. Il faut que tu aies 3 dés du même chiffre. Mettons comme 3-1, 3-2, 3-3.
Puis, les zigzags, c'est que tu gagnes de l'énergie, si j'ai bien compris, pour pouvoir acheter des cartes. Les cartes qui sont là, ouais, là, ça, les éclairs, comme, y a comme des cartes ici avec des éclairs. Fait que on peut acheter des cartes avec de l'énergie. Puis si on voit comme une patte, ça sert pour taper sur la personne qui est dans Tokyo. Ou si toi, t'es dans Tokyo, ça tape sur tout le monde alentour. Grosso modo, c'est ce que j'ai cru comprendre. Puis là, d'ailleurs, dans le fond, on a 3 lancers de dés pour pouvoir... fait que là, mettons, tu décides les dés que tu gardes puis les dés que tu relances. Fait que comme dans le moment, comme on commence la partie, je pense que tu n'as pas besoin de garder le cœur. Puis après ça, ben là, si tu veux, tu pourrais garder comme, mettons, les 2-1 en exemple. Garder peut-être l'énergie. Puis relancer les autres pour essayer d'avoir un autre 1, puis essayer de gagner d'autres éclairs ou d'autres baffes. Mais je pense qu'en ce moment, les baffes servent à rien parce qu'il n'y a personne dans Tokyo. OK. Fait qu'on commence par lancer les dés, voilà. Fait après avoir choisi, c'est lesquels que tu gardes. OK, fait que là, je fais juste... Tu cliques sur ceux que tu veux garder, de ce que j'ai cru comprendre. OK. Fait que les cœurs, ça sert à rien. On va dire ça, ça. Mettons les 2-1 puis l'éclair, je dirais. Là. Parce que l'éclair sert à gagner des points d'énergie. Je sais pas, par contre, s'ils se transmettent de tour en tour. Ah, bon, ben un cœur. Tant pis. OK. Dans le fond, il aurait fallu que tu gardes comme juste les 1. Ah, tu peux acheter une carte. OK. Comprends pas. Non, moi non plus. Il y a pas le tutoriel du jeu, quelque chose? Oui, il y a un tutoriel, mais c'est qu'il faut vraiment que tu choisisses comme les dés que tu gardes, mais l'idée, c'est d'en avoir comme 3 et plus pareils. Ah, OK. OK, okay. C'est un jeu où on cherche les pareils. Ouais, ben un peu, oui. Parce que dans le fond, c'est que si tu fais 3 dés pareils, ben 3-1, 3-2 ou 3-3, ça va te donner des points de victoire. OK. Puis si t'en as, mettons, 4, ben là, comme là, une baffe, c'est qui est dans le milieu? C'est Caffeine. OK. Fait que là, comme là, c'est rendu Hugo qui joue. Si tu gardes la baffe, tu vas être tapé dessus. Ah, il va me taper dessus. Ouais, aïe. Fait que là, gars, ça lui a donné 4 points parce qu'il a réussi à avoir 4 dés, puis là, il t'a enlevé un point de vie. Tabarouette. Hugo. Puis là, tu dois décider. Ouais. Le joueur dans Tokyo doit choisir de rester ou de fuir parce que là, tu as 9 points de vie. Puis si jamais tu réussis à rester dans Tokyo jusqu'au début de ton tour, ouais, ça va te donner des points de victoire aussi. OK. Non, je suis partie. Là, c'est à mon tour. Fait que là, moi, je vais garder les 2 avec la baffe et relancer mes dés. Non, je veux pas des 1, je te remercie. Mais si t'as pas la baffe, ça fait pas mal. C'est que tu fais pas de dégâts à la personne dans le milieu. Parce que dans le fond, le but du jeu, c'est que soit le premier qui atteint 20 points de victoire ou soit qu'il reste juste un monstre de vivant sur la table. OK. Je peux acheter une carte. Non, je n'ai pas d'énergie, fait que je pouvais pas. Là, c'est à toi, Caro. Bon, excusez-moi, là, moi, je comprends rien. OK. Mais c'est quoi, les éclairs? Les éclairs, c'est de l'énergie pour te permettre d'acheter les cartes qui sont juste au-dessus de la plateforme. Je sais pas si tu vois, t'as une carte qui vaut 7 d'énergie. Là, ce que je clique, c'est ce que je flush? Non, ce que tu cliques, c'est ceux que tu gardes. J'en garde combien? T'en gardes comme tu veux. Deux rolls remaining. Ouais, parce que là, t'as 3 shots que tu peux relancer pour tenter d'avoir des pareils. Fait que là, mettons, comme si tu gardes tes 2 énergies, ta baffe. Puis, mettons le 1 ou le 3. Parce que dans le fond, l'idée, comme j'ai, c'était d'essayer d'avoir 3 chiffres pareils pour avoir des points ou avoir assez d'énergie pour acheter les cartes qui sont en bas. Parce que regarde, là, si tu vois, mettons, comme lui, qui coûte 7 énergie. Ça fait rage, puis tu joues un autre tour après celui-ci. Fait que ça te permet de jouer 2 tours d'affilée. Tandis que encore plus grand, il donne plus 2 de vie. Tabarnouche! OK, 5 énergie. Puis là, tu donnes une baffe. J'essaie des affaires. Ça se passe bien. Là, c'est Hugo qui est dans le milieu. C'est quand je les achète, les cartes au milieu? Là, il faut... Ben, techniquement, regarde, comme là, ça te le dit. OK. Fait que là, tu peux acheter une carte.
OK, fait que c'est la fin du tour. Fait que comme là, la petite boutique du coin va te donner un point de victoire, tandis que encore plus grand va te donner 2 points de vie quand tu vas acheter la carte, puis tu peux avoir jusqu'à 12 points de vie tant que tu possèdes la carte. Puis Rage, qui coûte 7, te donnerait un autre tour tout de suite après, mais lui, tu peux pas. T'as aussi l'option de changer les cartes qui sont là en payant 2 énergies. Ah, j'aurais pu les... OK. La seule affaire, là, c'est les autres sur le côté que j'ai aucune idée qu'est-ce que ça fait. Le cyber, cerveau, jouer avec un dé supplémentaire. Mais là, si je prends 2 baffes, moi, ça sert-tu à quelque chose? Ça donne 2 baffes? Ben, dans le fond, c'est que les baffes, tu vas, comme toi, t'es pas dans Tokyo, ça va automatiquement taper sur le monstre qui est dans Tokyo. OK, puis là, il me faudrait 3. Ça va me faire 2 dégâts, dans le fond. Puis ouais, si tu veux, si t'as un autre 3, OK. Là, ça t'aurait donné des points de victoire. Mais là, ça vient de te donner 2 baffes. T'as 2 énergies. Okay. Aïe, c'est le fun, ça. Ah, puis les énergies, ils carry on autour d'après. C'est cool, ça. Parce qu'il y a des choses, même, que je savais pas. Pareil, comme l'autre rond qui est là, ça, c'est pour quand on est 5-6 joueurs. Mais là, on est 4. Je suis pas sûre de tout comprendre, mais je comprends plus. Pour pouvoir te healer, Hugo, il va falloir que tu sortes de Tokyo à un moment donné. Parce que tu peux pas te healer quand t'es dans Tokyo. Ouais, mais si, par exemple, tu donnes des baffes pendant que t'es dans Tokyo, là, c'est tout le monde qui est en dehors de Tokyo qui se mange les baffes. Aïe, aïe! Ouais, fait que là, il va nous faire mal. Il gagne une énergie. Aïe, aïe! Au! Hugo! Il est un lapin méchant! Oh oui! Tout le monde est maintenant égal! Ben ouais! Comment t'as fait pour attaquer tout le monde? C'est parce que lui, il est dans Tokyo. Tant il y a aussi longtemps qu'il est au milieu de Tokyo, lui, quand il pogne des baffes, il tape sur tout le monde. Mais il peut pas se healer. Il est la cible de tout le monde. Okay. Ouais. Comment on se guérit? Faut que tu sortes de Tokyo puis que tu pognes des cœurs ou ben donc comme ta carte t'avais gagné 2 cœurs, ouais c'est ça les dés de cœur. Là moi je vais essayer ça comme ça. Voilà. Ah, encore des baffes. Je suis pas sûre, j'ai vu. Non, je veux des 2 moi. Bon ben j'en aurais pas. Mais si il est de 1. Fait comme là moi je suis dehors, mon cœur m'a donné 1 puis ça m'a donné 3 énergies. Okay. Je peux acheter une carte ou renouveler les cartes pour 2. Mais ça sert à quoi? Je comprends pas comment ça marche, les cartes qui sont à droite, par exemple. On va peut-être comprendre un moment donné, parce que là, on n'est pas sur le jeu de base, je comprends pas. Je pensais qu'on l'avait mis... extension activée. Bon, finir le tour. Je vais finir mon tour. Voilà. Puis, okay. Il faut qu'on arrive à 10 pour gagner, 10 points de victoire pour gagner, c'est ça? 20 points de victoire total. OK, c'est parce que ça a l'air que j'ai activé le Dark Edition, puis le encore plus méchant. OK. Wow. Je pensais que je les avais pas activés, mais bon, ça a l'air que je les ai activés sans savoir. Je suis désolée. Tu peux te faire ça? Je vais faire ça. Je les garde. Si tu veux garder, garde-les. Tu fais juste cliquer dessus. Ouais, Result Dice, OK. J'essaye des affaires. C'est bien correct. Regarde, de toute façon, là, c'est notre première partie. On est là pour apprendre le jeu. Hugo va gagner, mais c'est pas grave. Ben, je sais pas, là, il est rasé à 4 points de vie. Ouais, c'est vrai. Il a décidé de sortir de Tokyo, mais là, comme lui, il sort, toi, t'es obligé de rentrer. Nice. Fait que là, c'est rendu le Kraken qui est dans Tokyo. L'édition Dark est drôle, par exemple. Oui. C'est comme toutes des kaiju. OK, fait que là, je peux avoir bien du fun, moi, là. OK. Ça, puis mettons qu'on fait ça. Puis là, on va faire relancer. Ah, ben là, parfait, ça. Oh. Ah, tu t'es guéri de 3 points. Une énergie de plus, puis... Double claque à Karazhan. Ah ouais! Là, à date, c'est Hugo qui les mène avec 7 points. Puis à chaque fois, je comprends pas comment on gagne les points. Moi, c'est la seule affaire que je comprends pas. Ah, c'est ça, j'ai pas compris qu'il fallait que je quitte Tokyo, là.
Fait que t'étais pas obligé. Là, c'est là. En Tokyo ou bien partir. Ouais, c'est ça. C'est parce. As-tu la carte que j'ai achetée? Je m'en vais de là. Aïe, aïe. Vous pouvez acheter une carte, renouveler les cartes ou finir le tour. Ben, on va finir. On va finir ça là. Hein? Ah, Kef est rendu dans Tokyo. Pas le choix. Puis les cartes sur le côté à droite, là, qui est les petites rouges, là. J'ai quoi, aucune ça? Idée. Pour vrai, on va si vous trouvez la réponse à cette question. Ben, c'est quand on va arriver au numéro 3, si je comprends bien, mais comment on avance jusqu'au numéro 3, c'est ça? Ah, c'est parce que les cartes font que le jeu est différent. Garde comme rayon antimatière, doublez vos baffes. OK. L'autre fait que tu peux avoir jusqu'à 12 points de vie quand que tu gagnes la tuile. OK, okay. C'est des, comme des cartes de plus. Puis... Ouais. Furtif, gagner un point de victoire supplémentaire lorsque vous obtenez au moins triple 1, mais je sais pas comment les gagner. C'est ça l'affaire. Mais là, il y a juste toi qui as avancé de 1, par contre. Hein? C'est pas ta patte, ça, la petite rouge? Non? J'ai aucune idée rouge. Qu'est-ce que ça fait, ça. Oui, ça doit être... Ben, on dirait ta patte. Si tu regardes à droite, là... Il y a le board, ouais. Ouais, mais à droite du board, genre, on a nos trois. Puis on a comme notre vie, notre énergie, puis un truc comme coloré. Puis on voit qu'Artemisia, c'est la seule qui en a. Point de méchanceté. Ouais. Aïe, aïe. Oh, ah, ça a l'air que j'ai gagné un point de méchanceté. I don't understand why. On le sait pas. Cut. À cause que je. Ben ouais. Fait que ça doit être la traque de méchanceté puis les avantages que ça donne. Ah, ça se peut, ça. Fait que quand on monte, on va gagner une affaire de plus, là. Puis tu sais, okay. Ça dit que c'est genre une des extensions actives, fait que ça doit être une extension qui rajoute. Bon, là, je vais garder 2-2 avec une baffe puis un cœur, tiens. Un autre cœur, je vais souhaiter gagner un 2. Non, un autre baffe. Let's go! Hey, mais c'est le fun. Deux points de vie, deux baffes. Je comprends pas toutes, là, mais bon. Ouais, mais ça, ouais, je pense c'est normal. Hey, juste le jeu adulte que j'ai joué plus tôt dans le mois passé, là, ça a pris plusieurs games avant de comprendre ce que je faisais. C'était c'est assez drôle. Bon jeu, ben. Ouais. Hugo, est-ce que tu sors de Tokyo ou est-ce que tu restes? Pour moi, ça va. Pour moi, ça va mal finir. Non, là, c'est moi qui est obligé de rentrer parce que toi, tu sors. Ouais. Je peux acheter une carte. Non, les cartes sont trop chères pour moi. Je voyais un peu flou quand je regardais au travers des yeux, fait que... Ouais, c'est correct. J'avais pas remarqué que j'avais 3. Comment c'est déterminé qui... Je pense que c'est... dans Tokyo? Ben, c'est garde comme là, c'était mon tour à moi. La dernière personne qui a infligé les dégâts. Ouais. À la fin de ton tour, je pense que tu peux décider si tu fuis. Ben, c'est que si tu fuis. Mais c'est plus sort qui de. À la fin de chaque fois, piché. À chaque de chaque tour, je pense. Parce que là, c'est moi qui viens de jouer. Fait qu'il a sorti de Tokyo après que j'aie envoyé les baffes, puis il a décidé de sortir à ce moment-là. Ouais. Ouais, ça a pas bien été. J'aime fait que là, c'est moi qui se fait des baffes. Wow. Aïe, aïe. Ah, comme là, si moi je sors, ça va être toi qui rentre. C'est excellent. Je veux sortir de là, moi. Tiens, mais là, vas-y, le Kraken. Oui, Caro, elle a fait des dégâts parce qu'elle a une carte qui est Fire Breathing. Fait que quand elle roule au moins une baffe, elle crache du feu sur tout le monde. Elle fait bobo. Oui, fait que c'est là que ça devient pratique comme ramasser des cartes pour avoir justement des. Des powers. I got the power! Caféine qui accumule l'énergie. Allô, Eric! Puis comment je fais pour avoir des étoiles, moi? Il faut que je devienne King of Tokyo, genre? C'est avec les duplicats de chiffres dans tes dés, c'est ça, hein? Ouais, il y a ça. Tu roules des triples. Ouais. Okay. Mais j'ai fait des points quand même. Je pense que si tu pognes des chiffres. Quand tu passes comme un tour. Les tours que tu passes en étant comme à Tokyo. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Quand ça, t'es c'est dans quoi, écran, moi, écran de fumée, là? Il est écrit « Placer 3 jetons fumés ». Comment je mets ça, des jetons fumés? Placer 3 jetons fumés, ça va sûrement, comme le jeu va te les donner, ça va te donner l'occasion de comme, pouvoir les utiliser pour faire
pour rouler de plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vas avoir des compteurs, puis I guess que tu vas avoir un piton de plus. Ok. Ça m'intéresse. J'ai pas eu de jetons de fumée, par contre. Oubliez pas que c'est fait par des humains aussi, fait que ça se peut qu'ils émettent pas, là. Mais oui, en effet, il serait censé avoir des jetons dessus, à mon avis. Hein. Ouais. Ah, bon, on a tous les règlements, justement. Attends, on va essayer de voir si je peux trouver notre extension. C'est quoi l'extension? Montrer Clément. Encore plus méchant, puis Dark Edition. Ah. Aïe, aïe, 4 cœurs. Ah ben, ben, c'était soit ça ou bien 4 baffes. Au choix. Ah, c'est moi ça? Oui. Est-ce que tu restes dans Tokyo ou tu sors? Ah, là c'est PPTV qui retourne. Yes. Yes. You can do this. Yes. Okay. J'aimerais ça rouler de l'énergie. Ouais, ben c'est ça. Ben, tes 4 cœurs, ça va quand même te faire du bien. Ben oui, là, un petit peu. J'étais comme, bon, je vais mourir si quelqu'un pige une carte, mais... Ben, ça de l'aider. Bon. Un cœur, une énergie, puis une tape. Une claque. Aïe, aïe. Une claque. Ah, je peux acheter une carte. Qu'est-ce que ça fait? Tous les monstres... ben oui. Bombardement, rien. Tous les monstres perdent 3 cœurs, moi y compris. Oui. Why would I do that? C'est que le tour d'avant, j'avais 3 cœurs, moi. Ça se passe pas bien. Écoute, moi, l'essayer pareil, juste pour le lol. Ouais, le fuck. Juste pour le lol, finir le tour. On s'est tous mangé 3 de dégâts pour vrai? Oui. Ok, ça a été automatique de même. Let's go! Let's go! Ça a fait bobo! C'est une carte événement. Ça s'est bien passé. Ouais. Je suis pas d'accord avec ça. Une carte événement. Ça fait-tu plus de points si je garde les deux? Genre, non, je pense que c'est au hasard, vraiment. Ou oh, ben, t'as comme moins besoin d'en rouler plus parce que, genre, Arte a fait 5 points en ramassant comme 5-1, puis moi j'ai fait comme 6 points en ramassant 3-3. Je sais pas comment ça marche. Ouais. Ok. Avec bombardement à rien. Bon, 3 cœurs de plus. Karazine peut acheter une carte. Non. Okay. Tu peux lancer des dés ou résoudre les dés. Ou résoudre l'énigme. Non. Je vois... L'énigme du perfoura. Encore. Mais là, écran de fumée, moi, là, je peux pas utiliser cette affaire-là. Ben oui, tu peux juste cliquer sur écran de fumée et t'es correct. Non. Ok, bon, m'a trouvé. Non, t'as pas de piton de plus à côté du... Non. Ou bien ça serait peut-être... On explore le jeu. Sur ta carte, là. Ah, attendez. Oui? C'est un lancer... Ah oui, ok, il est écrit lancer supplémentaire. Ah. Oh, ok. Je comprends. Attends, un extra roll. Ok, puis là, ça... Ok, puis là, ça m'a mis... Ça m'a mis... Hein? Ça m'a mis 2 jetons? Mais là, wow, là, j'ai rien fait. C'est-à-dire rouler 2 dés? Non. J'ai juste roulé une fois. Bon. Merde! Oh, Hugo est à veille de... Mais ça dit que Hugo, je pense qu'il faudrait que tu sortes. Ouais. Faudrait que je sorte. Ça dit que c'est à ton tour de savoir si tu sors ou pas. Ouais. Fait que... Reste. Dis que tu restes, ouais. Oh. Reste. S'il te plaît. S'il te plaît, reste. Dure, dure décision. Je pense... Comme ça, là, je pense que ça serait mieux pour toi de rester. Aïe! Hugo, t'as-tu montré à tout le monde que ça fait quand tu souris? Oui. Attends, essaye de le déconcentrer, là. J'ai remarqué ça, moi, là. Non, non, il a pas choisi encore. Il a pas choisi. Tu penses vraiment rester? Tu penses qu'il fait languir? Il nous fait languir, oui, oui. Il sait pas s'il va rester ou quitter Tokyo. Je pense qu'il va rester. Je me demande comment on gagne à ce jeu-là. Faut que tu atteignes 20 points de victoire.
Ah, c'est 20 points. Là, tu oui. vas juste en perdre si tu meurs, c'est pas ça? Mais... Ouais, ben, tu sais, c'est que dans le fond, tant et si longtemps qu'il reste pas juste un monstre sur la table ou que quelqu'un atteint 20, la partie est pas terminée. Okay. Je vois. Fait que si tu meurs, même si t'as 9 points, faut que t'attendes de voir s'il y en a d'autres qui vont mourir. Ah, ok, ouais. Non, tu gardes les trucs énergie. C'est bien ça, faut pas me battre. Je suis une bonne personne. Avec le Gigazor. Mais oui, t'as vraiment pogné le Cyber Bunny en passant. Yup, Cyber Bunny, let's go. Moi, j'ai le Mandragon. C'est ça le même qui s'appelle? Ouais. Mini Dragon. Mini? Je sais pas. Ah, Mini, on serait, ouais, Mini Dragon. C'est pas clair. Non. Ça doit être genre Menzo Dragon ou quelque chose de même, parce qu'il me dit de quoi, celui-là? C'était comme le Mecha Dragon dans... ça me fait penser à comme le Mecha Godzilla. Mecha, M-E-K-A, ça se peut-tu? Ouais, je pense que oui, c'est... Oui, le Mecha Dragon. Mecha Dragon. Il y a le Kraken puis le Gigant. C'est parce que le bizarrement, le... Il doit avoir un background, là. C'est parce que ma mini est-tu en ce moment? Parce que regarde, on a comme une mini qui s'enlève de sur notre carte quand on est dans Tokyo. Hugo, est-ce que tu achètes une carte? C'est ça que je suis en train de me demander. D'accord. Mais non, je pense que ça va être... Ok, c'est à mon tour. Je pensais être le mange-mort, mais considérant que c'est moi qui est à 2, je suis le plus proche de 0, fait que c'est moi qui est comme le moins likely de comme bénéficier de cette carte-là. Ouais. Ah oh non, pas des baffes. Non. Too bad. Sorry. Résolve les dés. Aïe aïe. Aïe. Est-ce que tu restes dans Tokyo? Oui. Non, j'achète rien. J'aurais pas dû faire ça. Non, je vais mourir. Oh non! Non? Non, Caro, elle est en dehors. J'avais pas vu qu'elle avait un bonus. Oui, elle a un bonus. Moi, j'ai renoncé au fait de faire des points. Non, mais prends-le pas, ton bonus. Prends-le pas. I'm gonna kill you all. I'm gonna kill you all. Oups, non, mauvaise chanson. Un de ses voisins. Je ne sais pas, je pense qu'on va le savoir assez vite. On va le savoir, ouais. Vos voisins tapent, ben c'est peut-être moi qui caféine, dans le fond. Ouais, je pense. C'est le fun un peu. Ça. Écoute, vas-y. Je pensais pas gagner, là, mais... C'est correct. Let's go. J'aurais dû m'en aller. Smash-nous tout, vas-y. J'étais greedy là-dessus. Ah, mon Dieu. Hey, 4 baffes. Aïe. Ah ouais. 1, 2, 3, 4. C'est qui est mort? Ah, j'ai plus le droit de jouer. Non, Gigazor est décédé. J'ai plus le droit de jouer. Là, c'est qui d'autre qui est mort? Okay. Moi, j'ai perdu des points aussi. Pas autant. Ok, il perd un. J'ai pas trouvé comment faire des points, fait que j'ai juste trouvé comment vous attaquer. Ok, c'est parce qu'elle t'a tapé de 4, mais moi, elle m'a tapé de 1. Oui, c'est exact. Ça. Fait que c'est okay. Tes voisins mangent. Tes voisins c'est mangent 1 quand tu roules au moins une baffe. C'est ça qui se passe. Ouais, mais quand ils parlent de voisins, c'est ceux qui sont pas dans Tokyo. Je pensais que je vous faisais le nombre de baffes que je faisais. Non, ça, c'est pas Nova pensé. Breath. Ça serait vraiment cassé. Ah, bon. Ben oui, Nova Breath. Mais dans le fond, tu gagnes des points à chaque fois que tu rentres dans Tokyo, c'est ça. Je viens de comprendre. Ben, c'est quand même 7 d'énergie, pareil, hein? Ouais. J'ai-tu gagné des points de méchanceté, au moins? Même pas! Non, je sais pas, comment ça fonctionne. Il faut rouler... Pour monter dans la track, il faut rouler des 2. Ah! Pour rouler un triple 2, tu gagnes plus 1. Pour gagner 2 points dans la track, c'est des triple 1. Ok, ils sont écrits en bas. Ben oui, t'as raison. Oui. Ok. Puis, rentrer dans Tokyo donne un point de victoire. Et quand on est dans Tokyo et qu'on roule un cœur, un dé de cœur, on gagne 2 points de victoire. Ok. Mais je vais essayer de rester à Tokyo, même si je sais que vous allez avoir une vengeance terrible. Là, mais c'est pas grave. T'as quand même comme beaucoup de points de vie. Ouais. Fait que... J'ai misé là-dessus avant de commencer à essayer de vous. Oui, Mario, c'est fou ce qu'on apprend, disant.
On se fait shame un petit peu, là. Je trouve ça bien que le jeu soit pas trop compliqué en termes de règles. C'est bien, ça s'apprend bien. Là, c'est comme notre game un peu, n'importe quoi. Mais... C'est notre partie de départ, là. C'est correct. Ben moi, je vais lire les règlements pendant ce temps. OK. Je vais m'informer sur mes possibilités. Goûter les possibilités. Ouais, quand on lit les règles ou qu'on regarde la carte, fait c'est là, fou ce qu'on parle. Triple 1. Non, mais d'abord, je veux ça avec les 1. Puis je veux devenir méchante. Voilà. Méchante. Mais attends, je veux voir méchante. Comment tu deviens méchante? Résoudre les dés. Puis là, je monte d'une coche dans la... Non, oui, de deux coches. Je suis rendu infatigable. Là, c'est quoi? Je choisis une de ces cartes-là. OK! Infatigable, éternel. Wow, je peux utiliser une tuile méchanceté. Gagner au moins... non. Gagner un lancer supplémentaire à chaque tour. Au début de votre tour, gagner un cœur. Bon, ou au début de votre tour, gagner un... énergie. Ah. Écoute, m'a gagné un d'énergie. OK, je sais que vous me l'avez dit, mais comment on fait pour monter la méchanceté? Triple 1 ou triple 2. OK, c'est bon. 6. Oh, shit. J'ai-tu eu des points, moi, dans tout ça? Ah, j'ai pas de points. Ben, t'as fait un point en rentrant dans ton cas. Mais ouais, comme Mario, il dit, t'es comme Hulk. Plus que t'es méchant, plus que t'es fort. Je vais aller me chercher de l'eau, moi, je reviens. Ah, pas de trouble, vas-y. C'est quelque chose que j'ai complètement pensé, oui, à amener avec moi. Non, il est vide. j'ai fini mon thé. Encore plus méchant, puis Dark Edition. Fait que je pense que c'est ça l'affaire Dark Edition. Dark Edition, c'est qu'on est, on n'est pas les monstres de base. Puis encore plus méchant, c'est les affaires de méchanceté à droite. Fait qu'on était prêt à prendre le jeu de base avec deux expansions, grosso modo. Yep. Je renonce au fait d'avoir des doubles. C'est peine perdue. Oh boy. Oh boy. Un cœur, une énergie, une couple de baffes. Je suis sur le bord de... Ben, regarde. Je vais faire Tokyo, moi. C'est correct. C'est bien correct. Tu peux prendre ma place. Vas-y. Oh non. Hey, wait, t'as peu. J'ai skippé mon tour. Non, c'est au tour à Caro, c'est vrai. Oui, c'est au tour à Caro, mais... puis après, c'est à toi. Là. Ah non, Caro vient de finir. Puis là, elle va s'acheter une carte. Yeah, okay, là, c'est à toi. Ouais, j'ai pas assez d'énergie. T'en veux-tu de l'énergie? Ouais, je voudrais des cœurs aussi. Surtout des cœurs. Une petite ligne de carottes. Yes. Ah, c'est pas pire. Une baffe, deux cœurs, trois énergies. My God. C'est correct, c'est pas moi. Je suis pas dans le milieu. You must choose us. Mais ça me sert à rien de rester parce que dans le fond, je gagne un point en rentrant. De ce que je comprends. Tu gagnes un point en rentrant. L'affaire, c'est que quand tu pognes des baffes, tu fais ces baffes-là à tout le monde. Ouais. Ouais, je sais, mais tu sais, au moins, j'ai fait comme un peu quand même tout le monde. Presque. Presque, ben en tout cas, avec vos points de vue. Non, là, c'est tout. Il y a juste moi que tu peux taper dessus. Mais je pogne pas de double, fait que j'ai vraiment de la misère à faire ces points. Ben en fait, mais je mise pas tant sur les doubles, fait que. J'essaierai. Prochaine game, ça sera une stratégie différente. Ça va permettre d'explorer le jeu. Mais... Mario dit le jeu, c'est King of Tokyo, faut aller dedans! Oui, oui! Exactement. Mais on en ressort aussi! Ben, c'est pour ça. Tu peux pas backseater, là. Tiens. On va essayer de pogner 3. Hey, c'est bon ça. Résoudre les dés. Nice. 2 énergies. Je peux-tu acheter? C'est quoi ça? Si vous obtenez 1, 2, 3, cœur, baf, éclair. Hey, je vais l'essayer. Oui, hein, c'est juste c'est drôle. Une full house. Ouais. Il faut que j'aille, ouais, faut que j'aille un full house. Les probabilités sont pas mauvaises, hein, tu sais, avec 3 rerolls. 1, 2, 3, cœur. Oui. Éclair, puis main. J'ai une chance de me chercher des points. Peut-être. Oh! Ouh! Nice. Quadruple 2, fait que tu vas avoir un plus 1 dans ta méchanceté. Méchant. Puis je pense que ça t'a donné des points et tout.
Ouais, t'as gagné 3 points en plus de devenir une coche de plus méchante. Ah, regarde, on a tous chacun un icône différent. Oui. Moi, j'ai une main. Ben oui, dans elle, c'est la Kraken. Dans la toi, barre t'as des... un Unibeam. Ben oui. Hein? Vas-y, Hugo, tu peux relancer des dés ou résoudre tes dés. Ouais, je vais y aller avec ça. Ouh, quadruple 2, genre... tout. J'ai l'impression... Voyons. C'est drôle, genre, je... Ouais, vas-y. Je pense que je vais juste mourir, moi. Ça se peut. Ça se peut. Ça dépend si Karazhan reste dans Tokyo ou pas. Ben, ici, sûr que Karazhan va genre rouler une main, une claque au moins. Pas ça, mais c'est que j'ai pas intérêt. Vous avez pas assez de points de vie pour que ça vaille la peine de rester à Tokyo. L'affaire, fait que là, que, c'est lui qui est ça, obligé moi, de rentrer. Tokyo, ouais. Meurs, ouais. Ça dépend mais ce que grave, je pointe. Tu vas venir dans le clan des exclus. Ouais. J'espère juste que c'est moi qui va tuer pour avoir des points. Ben regarde, t'es chanceux, regarde à date ce que j'ai pogné. On gagne pas de points en tuant la personne. J'en ai aucune idée. On gagne des points en montant. Sinon, la carte qui est genre mange-mort, c'est fait que tout tu gagnes des points quand un monstre meurt. Oh, pas de raison tu guéris donc bien. Ouais, ben j'ai vu que j'avais une opportunité de me guérir. Fin... Ce qui est une bonne chose. J'ai 3 énergies. Non, je veux pas acheter de carte, merci. Vas-y, K.O. Ça y est à toi. Ouais, fois. Rip. Hey, écoute, Hugo, dans pas long, il t'avait de gagner, mine de rien. Il t'avait de mourir, surtout. Ouais, il était à 17 points. Ouais. Il y a un clou dans sa tombe. Ben là, avec une baffe de plus, c'est sûr, là. J'essaie ce gameplay-là. On verra si c'est une stratégie qui peut permettre de gagner ou si ça marche pas, là. Bon, là, c'est toi qui es rendu dedans. Je peux aller bouder, c'est le fun, ça. Fait que là, comme le jeu je suis fini, dedans, ok. Comme je suis dedans, ouais. J'ai tout avantage à rester maintenant parce que c'est un contre un, right? Mm-hmm. Ben, je sais pas. Ben, je sais pas, là. Ben, on, quasiment, ouais. On réfléchit à haute voix, là. On apprend ensemble. Ouais, c'est ben, ça. Techniquement, les cœurs que tu vas rouler, vont te donner 2 points, de victoire. Ouais. Ah, oh, excusez-moi, j'ai pas fait un turn, désolé. I am the king of Tokyo. On va voir si ça marche. C'est parce que j'écoutais Game of Thrones avant de venir à la game. Là. Je suis comme... dans un élan. The Lannister sends their regards. Bon, une couple d'énergie. Là, je suis rendu à 7 énergie. Quand on meurt, nos points de victoire tombent à 0, hein? Fait que ça change à rien que j'étais à 17. Ouais. Ah non! Ouais, ça donne rien. Oh. Sorry. On perd tout quand que on meurt. Je t'ai fait perdre 5 points. Tu m'as fait perdre 5 points? Ouais, à cause d'une carte. Non, 5 points de. 5 points de. Victoire? Ouais. Oh. À ton tour. Je pensais même pas que j'en avais 6. C'est à mon tour! Oui, non, c'est t'en à ton tour. 11. Ouais, ok, t'en la partie 11. Finit juste, t'élimines tout le monde ou si tu gagnes 20 de points de victoire, c'est sûr. Ouais. C'est ça. Okay. Fait que là, c'est un duel en ce moment. Ok. Caro a décidé d'y aller avec la route le du génocide. Ouais. Et tabarnouche! Ça va faire mal! Ouf, c'est bon. Ça. Oh, polaï! Aïe! Oh! Plus 1 parce que t'es ma voisine. Je suis ta voisine en plus? Plus 1 parce qu'elle crache du feu. Ouais. Un kraken qui crache du feu. Ouais, c'est bizarre, hein? J'ai envie de le garder le même. Mais quasiment, ouais, tu devrais. 3 cœurs, 3. Résoudre-moi ça comme ça. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Tu peux aller. Si t'atteins 20 points, tu sais, ça marche, tu sais. Ouais. Tu gagnes. Fait que c'est 20 points ou que je te tape dessus. Là, mais dans le fond, c'est que si je garde les cœurs, c'est des points, c'est ça, hein? Je pense que oui. C'est ça qu'Hugo disait tantôt, garde. Oui. Plus 2 points pour chaque cœur qui a une barre dessus. Fait que je pense que si tu gardes le cœur avec le rond, ça va te donner des points de plus. Ah, l'affaire, c'est que les 3 claques vont tuer Arte parce que tu fais 4 de dégâts. Ah ouais.
Garde, t'as gagné. Ça t'a donné des points. Ouais. Et voilà! King of Tokyo! Quitter la table de jeu. Bon, fait que là, on sait maintenant que c'est une façon de gagner parmi d'autres. Moi, j'ai un trophée, mais j'ai pas d'accord. Là, j'ai pu vous proposer une revanche. Yes, play again. On peut-tu faire Return to Main Site pour, parce que tu voulais pas essayer d'autres expansions? Hein? Ouais, ben c'est ça, c'est pour ça que j'ai fait proposer une revanche, mais là, ça m'ouvre la table avec toutes les options à nouveau. OK. Comme tantôt. Fait que je là, ça a l'air que j'avais vraiment le Dark Edition activé côté rouge. OK. C'était quoi l'autre affaire? Mais là, on comprend le Dark Edition, tu peux OK, le fait qu'on peut le laisser. Puis de choisir le monstre, comme c'est c'était. C'est quoi que fait ce bruit-là? Toc, 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 c'est quand que vous confirmez votre présence. OK, OK, c'est bon. Je pensais que c'était Caro avec son... Non, son non! Mordre entraînement. Je sais pas c'est quoi la différence. T'es en train de nous troller. Ah, c'est là. Bon, ça! Hey, ça vous tente-tu? Mode entraînement, il y a pas de classement, parce que sur Board Game Arena, il y a un classement, en fait. Pas de limite de temps par tour, aucune pénalité et partie en temps réel. Moi, je pense que c'est parfait pour nous autres, ça. Ça me force à... Ça me force à me créer un account. Oui, après un certain temps, faut que tu te crées un account, mais ça te coûte rien. Non, ah oui, oui, ben je m'excuse, je juste voir. C'est correct, me vas-y. Donner 2 secondes. Pas de trouble. Hey, c'est poulet! Ah non, c'est quoi la dernière fois? C'était le petit gobelin? Kobold. Kobold, c'était le petit kobold. Ouais, ouais. Là, un coup qu'on va être habitué avec ça, ça veut dire qu'on va pouvoir activer d'autres trucs. Ça va être drôle. Ben oui, on pourrait activer Halloween. On l'avait activé? Oui, le mode. Ça a l'air qu'encore plus méchant, on l'avait pas activé. Côté orange, côté vert, mix aléatoire. C'était pas ça qu'on a joué tantôt? Encore plus méchant? Non, je pense que c'était... Monstre bonus, c'est pas ça, non? Les monstres de jeu de base. Non, mais l'affaire qu'on devenait comme de plus en plus fâché puis qu'on gagnait des affaires, là. Ah oui, je pense que c'est ça, c'est encore, encore plus méchant. Bon, mais ben, côté orange activé parce qu'on le connaît, lui, c'est correct. Ça dit que Caro a pas encore confirmé sa présence? Non, t'as après créer son compte officiellement. Parce que après. Allez confirmer dans votre courriel. Oui, mais là. Oui, mais faites le tutoriel. Non, mais. Peur, Hugo. Le tuto. Mon Dieu, Seigneur. Si vous voulez regarder Hugo présentement, il va vous faire peur avec son masque de lapin. Regardez ça. On dirait qu'on voit ses gentils quand tu le fais beaucoup. Ouais, oui. Ouais, on voit qu'il est amer. Il n'y a pas de l'air fin. You must confirm your address. Non. C'est un bel investissement, ce casque-là. Il est cool. Ouais. Tu l'as acheté où? Chez Spirit Halloween. OK. Très cool. Oui. Et il a coûté, c'est quoi, c'est 70$, je pense? Ouais, c'est pas donné, hein? Non. Événement encore plus méchant côté orange. Mix aléatoire. Il y a quelqu'un qui m'a écrit One more of Isol of Cat. Ah non, c'est les messages globaux, ça. Oh. Parce que tu peux littéralement, si mettons, t'as envie de jouer, il y a des fois des gens qui rouvrent des tables de jeux avec qui sont premium puis que tu peux aller jouer avec eux. Fait que ça, tantôt, quand je disais que t'avais des classements puis tout, c'est parce que ça vient déterminer est-ce que t'es bon joueur dans ce sens que est-ce que tu termines tes parties? Est-ce que tu joues dans des temps raisonnables, etc., etc. Fait que ça va afficher ta cote. Fait que c'est ça, comme moi, ma réputation est à 96 parce que je joue juste. Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Hey! C'est-tu parce que t'as créé une game non-privée? Ouais, mais c'est parce que c'est où ce que je vois ça? Chassé est en mode privé, moi. Restreindre l'accès à cette table. Restreindre à mes amis, merci. Excusez pour ça. Voilà. Non. Nice, ça. Fait que si jamais que vous, dans le chat, vous voulez jouer avec des amis uniquement, vous pouvez restreindre votre table. Chose que j'avais pas faite.
Voilà. Pourquoi mon rating est juste à genre good et non pas perfect alors que je n'ai rien fait de méchant? Parce que quand tu commences un nouveau compte, tu commences à 75%. Ok, d'accord. Voilà. Fait qu'on a monté d'un point. Wow. Yeah. Ben, moi, c'est parce que comme ça fait quelques fois que je joue sur la plateforme avec les autres groupes, ben, c'est pour ça que mon rating est plus élevé. Ah, Hugo, lui, est anglophone? Apparemment, oui. Karazin, tu peux choisir ton monstre. Je vais garder le même, c'est une belle fois. Je vais reprendre le même aussi. Enfin, je pense qu'on va tous garder les mêmes. À part ce qui est CAF, elle veut changer. Là. Fiber, garde le choix. Mmh, je l'aime. Je Dick l'aime même. Ouais. Ça me ressemble, ça. C'est beau. Hop, tabarnouche! Oui, elle commencerait dans Titi, elle. Let's go! Oh, mais y a personne à Tokyo. Y a personne à baffer. Je sais ça pas ce pas que mal ça à va tout faire. Le monde, ça? Ouais. Non. Parce qu'elle n'a pas de carte pour ça faire ça. Ça fait pas mal monde. À personne, en fait. Mmh. Ah, ben là. Fait que ce que je pourrais faire, c'est essayer d'être méchante. De devenir méchante, ouais. D'être méchante. J'ai dit, il faut que j'aie une autre stratégie qui a juste tous vous attaquer, là. Mmh. Ah, ben tu vas devenir méchante, regarde. Méchante. Ah, là, t'es rendu en dessous de moi. Fait que l'ordre des tours n'est pas la même. Ouais. C'est bien, ça shuffle. Ouais. Moi, je vais y aller avec 2-2-2. Ça, pis ça. Tiens. Non, je veux pas de 3. Bon. Résoudre les dés. D'avis. Plus 3. Une petite énergie, puis une petite baffe. Une petite claque sur carré. Une petite claque. Tu restes-tu là? Une petite claque. Pourquoi je suis à Tokyo? Parce que moi, j'ai commencé? Oui. Ouais, t'as commencé, t'as pas le choix. À la fin de ton tour, t'as embarqué dedans. Je pense en fait que t'as juste décidé d'aller sur Tokyo, dans Tokyo après. Non, c'est parce que quand Tokyo est libre, t'es obligé d'y aller. Non. Ah, comme là, regarde, là, elle a libéré Tokyo, fait que c'est moi qui est obligé d'y aller. De quoi? Eh boy. Mais ça m'a même pas donné de point de victoire gratuit. Mais non, parce que t'es pas resté. Quand t'as embarqué dedans, oui. Ça t'a donné un point en rentrant dedans? Je pense quand même. Oui! Entre dans Tokyo City et gagne un point de victoire. Ah oui, ok, je pensais que c'était un. Je voulais pas ramasser les baffes. Comment? Je voulais pas ramasser de baffes, puis il a juste fait ah ouais, tu veux pas genre garder tes baffes? N'en voulais deux, mon sale. Tu voulais à tout prix me donner des baffes, essaye pas. Tu veux croquer les gens, espèce. Moi de l'énergie ou des points. Tu veux croquer les gens, espèce de lapin vilain. T'as pas l'air d'une carotte, je veux pas croquer ça. Je sais pas quel genre de carotte que ton cyber bunny mangerait, moi. Ah, mais là, ça sert à rien, ça. Oui, ça t'a monté dans la traque de Evil. Hugo, non, c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que le cœur servait à rien. Est-ce que tu restes dans Tokyo, Hugo? Ah oui, je vais rester dans Tokyo. Tu vas rester dans Tokyo? God. Non, je suis même. Karazin, tu peux relancer les dés ou résoudre tes dés. Je ne vais pas sacrer 3 baffes. Non? À Hugo. Bon. Non, pas cette fois-ci, j'ai décidé de changer. Je vais m'orienter à la place vers la voie de la méchanceté. Ouais, tu en es déjà. Oh God, Les dieux ont décidé que je te sacrais quand même une tape pareil. Oui, c'est ça. Une tape gentille. C'est une petite tape, en arrière de la tête, non? Une petite baffe, oui, c'est ça. Une petite claque. Puis, où est-ce que je m'en vais? Il me reste 8 points de vie déjà. Hey, j'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Énergie. Oui, mais là, j'aurais pas 3-1 sinon. Mystère. Ben, sais-tu quoi? Tiens, on va enlever ça. Puis, garde, quand vous êtes plus d'accord, vous pouvez enlever ceux que vous avez déjà lockés. Ah, ok. Je viens de l'essayer pour le fun, là. Donc, 2 cœurs, 2 énergies, une petite claque en arrière de la tête encore. Donc. Puis, non, merci. Hey, tabarnouche, Hugo, ça te l'est presque donné en direct comme ça, hein? C'est excellent.
Une claque ou... Une petite claque. Si tu fais une claque, tu fais une claque à tout le monde. Ouais, c'est au moins ça, là. Ça vous apprendra. Bon, ça y est. Oh là là. Aïe! Aïe! Allô! Warkless! Comment ça va? Salut Warkless! Warkless! Hello! Bienvenue dans la salle de jeu. Nous sommes présentement en pleine partie de King of Tokyo, en fait, notre deuxième! Ça, j'en ai pas besoin. Une petite baffe, ça fait pas mal à personne. Ben, sauf à moi. Hein. Ouais, juste à bon, lui. Bah, deux petites baffes. Deux petites baffes. Un petit cœur, deux petites tapes. Ah oui. Est-ce que tu restes? Non, il va sortir ce coup-là. Bon, Kat, c'est à ton tour. Une petite baffe, ça va juste faire mal à elle à ce temps. Karazhan, elle s'amuse avec son deck, là. Oui. C'est un stream de qualité supérieure. Il y a plein de sons. C'est excellent. Il faut qu'elle cash in tout cet argent-là. Ouais. C'est drôle parce qu'on dirait quasiment le même son identique du jeu, tu sais. Oui. Ouais. Effectivement. Ça fit. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Je sais pas, c'est quoi tu veux dans la vie? Je veux être méchant. Ça fait quoi d'avoir plein de trois? Ça sert à rien d'avoir des triples trois. Je pense que ça fait juste donner beaucoup plus de points. Ça donne beaucoup de points. Je pense, ouais. Ça donne plus de points. Mettons double trois, ça donne plus que double deux. Non, ça fait un triple. C'est un triple quand même que ça prend. Ouais. Toujours un triple. Sinon, t'as pas de points. Ouais. Mais allô, mamie. Triple 3, ça donne plus que triple 2? Oui. Ou comme triple 1. J'imagine. Okay, je vais vivre dangereusement, puis je vais essayer ça, OK? Je suis pas satisfaite. OK. Eh ben, regarde, t'as un triple 3 gratos, drette là. Ah, ben, ouais. Je pense que... On est drôle, mais le jeu décide à notre place. Il dit, non, c'est ça que tu vas avoir. Ah, ouais, c'est ça. Exactement. Fait que là, okay, qu'est-ce que ça t'a donné? Regarde, tu vois, là, ça t'a donné 3 points pour le triple 3. Mais je sais pas si, mettons, quand on fait un triple 1 ou triple 2, ça donne des points en plus. Je vais le noter pour qu'on s'en rappelle. OK, c'est bon. Non, t'as déjà fait pipi. Karazhan, tu peux acheter une carte. Ouais, désolé. C'est bon. Et ta boire! Ben non! Ben, je suis désolée, le jeu a décidé à ma place, là. Ah, je m'excuse. I'm so sorry. Ça, c'est... M'excuse, apparemment j'ai roulé un monk. Aïe aïe. Bon là, j'ai pas le goût de finir première comme tantôt. Ben dernière. Quatre. Ah. Vous pouvez relancer. Non, je veux ça. C'est quoi t'as pris? C'est une carte qui me donne 2 points de victoire. Hugo! Alright! Oh, je peux fonctionner à l'énergie lunaire. C'est pas ça? À l'énergie lunaire? Ah ben oui, toi! À la fin de votre tour, gagnez une énergie si vous n'en aviez pas! Faut pas que t'en ailles à la fin de ton tour si tu veux gagner ton énergie. Vous pouvez toujours relancer les 3 que vous obtenez. Puis, gagnez 1 point de victoire si vous obtenez au moins une baffe. Oh, il est pas pire, celle-là. Le monstre alpha. Oui, hein. Je sais pas. Est-ce que je me transforme-tu en comme la version diabolique du lapin énergisant? Ben, écoute. On est déjà à ce niveau-là avec ton casque. Donc, t'es-tu prêt? On dirait que ça. T'es après manger tes doigts avec ton lapin, toi, là? Non? Oui, ben, je suis stressé. OK. T'as pas d'allure. Tu peux quand même acheter une carte. Est-ce que tu as acheté la carte? Non. Non, ben oui, j'ai acheté la carte. J'ai juste pas rirolé le reste. OK. Caféine peut relancer des dés ou résoudre les dés. C'est drôle, ta voix de commentatrice. Ouais. Comment? Est-ce que, Arte, tu t'es fait proposer de quitter Tokyo? Non. Ah, c'est ça, parce que tu t'es pas mangé de baffe, je t'ai pas tapé. Ouais, je pense que tant il y a si longtemps que tu te manges pas de baffe, tu peux rester. Hein. Ben, ouais. Non, tu restes si tu te manges pas de baffe. C'est ça. Ah, ouais. Oh, elle veut pas me donner de baffe. OK. Non, elle a dit tantôt, elle veut devenir méchante. Yes! Evil! Evil! Evil Kraken!
Oh, un petit peu d'énergie? Quelques énergies. Je me demande, Antiti, c'est quoi tu vas aller chercher comme carte, man? At the start of your turn, if you have fewer than 3, gain 2. Non. Je veux vraiment essayer ça, là. Je suis contente que tu... Alpha, il y a l'air... Monstre Alpha! Ouais, le Alpha, il y a l'air vraiment cool. C'est comme le compromis de ma stratégie du tour d'avant, puis... Moi, j'ai un triple 2 qui m'a été donné gratos. Ouf. Quatre triple 2. Je gagne 2 énergies et je suis montée dans le rang de la méchanceté. Oui, en effet, Pat, c'est assez contre-intuitif de dire que tu veux pas frapper des gens pour devenir méchant. Ouais, mais! C'est parce qu'on peut pas devenir méchant si on pogne pas de 1 ou de 2. Ouais. Fait que là, si on pogne des 1 ou des 2, on peut devenir méchant. Puis après ça, on va plus les taper. Parce que ça donne des cartes supplémentaires aussi pour ceux qui réussissent. Ça sera ouch! Mais j'ai pas eu le choix, j'ai rirolé, pis il y avait un ballon qui m'a donné une tape. Non, sais-tu, j'ai envie de rester dedans ce coup-ci. Mais t'as vraiment beaucoup de points, là, t'es à 12. Mais ouais, tu fais bien vers le 20, là. Ouais, j'ai encore 8 points de vie, fait je pense que je suis pas si pire encore, là. Maintenant, j'ai des nanobots. Pis je fonctionne à l'énergie lunaire. Je suis un vrai robot. Je suis un vrai petit robot. Ah, oh, c'est cool. Tu peux mettre un truc automatique sur à droite de des dés. Oui, fuir Tokyo, hein. Si ta vie est à 10, continue de même. Là. Tant que je suis pas en bas de 8, j'ignore les besoins. Toujours rester dans Tokyo tant que la vie est au minimum à, puis fuir automatique Tokyo quand la vie atteint ou descend sous. Fait que tu peux mettre un truc automatique. Mais là, regarde, on va jouer comme si on était sur table. Là, c'est juste plus fun. Hein? Ouais. C'est ben trop automatisé, ça. On n'est pas des robots, malgré ce que nos bonhommes laissent sous-entendre. T'as atteint la méchanceté niveau 3. Et niveau 1 de méchanceté, allez, déjà. Ouais. Qu'est-ce que t'as le méchant? Elle a pris sa première carte. Elle a un roulet de plus. Oh, okay. À chaque tour. À chaque tour, un roulet de plus. Okay. Fait que lui, on le garde. Qu'est-ce que tu gardes là? J'aimerais ça être méchant. Mais comme toi, les cœurs, ça te donne pas grand-chose en ce moment parce que t'es déjà à 10. Tant que j'ai une baffe, ça me donne un point. Un point par à chaque fois que tu donnes des tapes. J'ai le goût de... Non, c'est pas chaque fois, c'est ça? Quand c'est... Je gagne un point quand je roule au moins une tape. Fait que t'sais... Okay. Ah, fait que ça m'a pas donné grand-chose, finalement. Non, ouais, ça t'a donné 2 points pour avoir essentiellement juste donné une tâche. J'ai donné une tape. Non, je reste en tape. Ça m'a donné 1 point. 1 point, ouais, pour avoir donné une tâche. Fait que là, moi, si je fais ça comme ça, ça me donne des points de plus. C'est ça qu'on a compris tantôt? Oui, si tu gardes les cœurs, tu vas gagner 4 points essentiellement à ce moment-là. Ah, c'est 2 par... Ben là, on va gagner, là. Ouais. On a perdu. On est poche. C'est la stratégie Queen of Tokyo, c'est bon. Queen, ouais. Fait que tu restes à Tokyo, tu roules plein de cœur, pis t'es comme... Attends, je veux voir si ça m'en a redonné tant que ça. J'étais à combien? T'es à 14. Ça te guérit pas. Non. Ah, tu veux dire les points? Ah, ça t'a donné 2 points, fait que c'était 1 chaque, right? C'est soit ça, ou soit que c'est 2 pour 1, pis c'est tout. Play in Tokyo. Ah, ça doit être écrit dans le truc? Ah, ok. Commence son tour, nanana, lance... Ouais, c'est écrit en bas du board. Quand tu te déplaces dans Tokyo, tu gagnes 1. Quand tu commences ton tour dans Tokyo, tu gagnes 2 étoiles. Ah, ok. Fait que les cœurs me donnent pas de plus. Les cœurs me donnent... Ouais, c'est ça. Ok, les cœurs sont annulés. J'avais mal compris. My bad. On va aller chercher à la boutique d'abord. Ah, non. Mon corner store. Eh oui. Okay, fait que les cœurs, ça a rien donné pantoute que je les garde, c'est ça l'affaire. Effectivement. J'ai mal compris. Je m'excuse de t'avoir induit en erreur. Mais non, mais non, c'est correct. On apprend toute la gang en même temps, je l'ai dit tantôt. C'était voulu, moi, je pense. Il voulait que tu perdes. Moi, je pense qu'il faudrait créer un inconfort, puis là, la sortir de Tokyo, guys, parce que là, elle est à 5 points. Ouais, elle est un peu trop. Hein? Je commence à avoir chaud, voilà. Je suis très bien dans ma chaise, je te remercie.
dans mon trône. C'est le temps qu'il pleuve des claques à Tokyo. Non, non, c'est correct. Ben là, là. Clac. C'est correct. Ah ouais. On peut pas lui faire perdre des points aussi, là, tant qu'à ça. Ah, on n'a pas de. On ça prend une carte spéciale. Hey, c'est. Non, c'est presque la carte que j'avais tantôt. 1, 2, 3, baf étoile. Oui, hein. Pas pire, on était comme. Genre, au début de la game, on était comme, on veut pas vraiment donner de baf, puis on avait juste des baf tout le temps. Puis là, c'est comme, ouais, faudrait peut-être en donner. Puis là, les dés font comme, non. Ben, pas de nope. Négatif. Oh, ouais, plein d'énergie. Non. Ah. Et le... Oh, oh, ben, deux le 2 baf. Ah, oui. Ah, wait, oui. Plein d'énergie et 2 taloches. Ok, ok, c'est beau, char. Regarde, vas-y dans Tokyo. Vas-y, t'en manger des tapes, ça me dérange pas, là. Ah, c'est chiant. Caffeine, tu peux acheter une card. C'était-tu bon, finalement, le souffle de feu? Souffle de feu? Ça m'a, je pense que ça m'a fait gagner. Oui, pas mal. Bon, si tu l'achètes pas, là, je vais l'acheter. Bombardement à rien, je te dirais que lui, il faisait mal, par exemple. Ouais, mais ça fait mal à moi aussi. Je suis ouais, dans le non, c'est ça. C'est tous les monstres qui perdent 3. Oui, c'est Karazhan. Je vais donner moi une claque. Ça, c'est bon. Gagnez un point de un point victoire supplémentaire lorsque vous commencez votre tour dans Tokyo. Si vous êtes dans Tokyo et que vous obtenez au moins une baffe, ajoutez une baffe à votre résultat. Tabarnouche. Urbavore. Ouais. Oui, hein, c'est. Il est pas pire. Le pour moi, ce que Urbavore. Oh, mais je pense que mon destin, c'est écrit dans les étoiles. Aïe, okay, non, t'as eu juste 2 baffes. Une baffe. Ah, bon, c'est Caro qui y va maintenant. Mon destin, c'est écrit dans les étoiles. Mm-hmm. c'est tout. Shaman Tour, ben là, écoute, c'est, tu sais, il veut dire, je suis pas ouais, vraiment... Ouais, bien rendu là, elle va gagner la game, c'est tout. Hein? Ben là, il m'édonne. Ben oui, exactement. Il m'est a donné. 19. Comment t'es eu? Que t'as... Ah, oh, t'as des tripes. Oh. Puis t'as eu 3, t'as eu 3-3? Oui, mm-hmm. J'avais 3-3 en commençant. Quel point ça donne, j'essaie elle a roulé de... 4-3. Ben, dans le fond, c'est marqué juste en bas. Quand tu roules des dés, quand tu roules des triples, c'est tu gagnes le nombre de points que ces triples-là sont, plus un point par numéro additionnel. Fait que 3-1 va te donner... Où est-ce que c'est écrit, excuse-moi? Tu descends, tu scroll down, là, puis tu vois victory point, D1, 2, 3... Quand tu roules un triple 1, ça va donner 1 point, mais si c'est un quadruple 1, ça va donner 2 points. Si tu roules un triple 2, ça va donner 2 points. Ben oui. Quadruple 2. Victory points. Point. Entrée dans Tokyo, carte d'énergie. Excuse-moi, je suis très visuel. Je te comprends à 100%, mais j'ai besoin de me baigner dans les mots écrits. Ah, victory points. Ok, ok. Bon. De me baigner. Ah. J'ai besoin de se baigner. Ben là, là. Ben là, là. Oh, quadruple 3, toi aussi? Ça donne 4 points, ça. Ouais. Bon. Aïe, il y a Karazhan. J'ai pas pogné d'énergie. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est difficile de pogner de l'énergie, pareil. Je me demande comment ma carte elle fonctionne vraiment. Je suspecte si j'ai comme... que ça soit une chance sur 6. Je me demande si c'est parce que je suis à 0 ou ben si... Ben, à la fin de ton tour, tu gagnes une énergie si t'en as pas. Ouais. OK. C'est vraiment si j'ai zéro énergie dans mon pool et non pas genre si j'en roule zéro. Okay, non, ouais, ça a l'air d'être ça. C'est moins le fun que ce que je pensais. Bon, écoute, je pense qu'on va finir par avoir nos cartes préférées. Hein? Oui. Ah, oh, Caro, elle est partie pour la gloire dans Tokyo, là. Ben. Dans son c'est celle qui a 19 points. Je pourrais jamais tester là. Oh, ça m'a fait 4 de mal. Yes. 4 dégâts. Stay Tokyo. Stay in Tokyo. Stay. Pour 3 points. 2. Si tu commences le tour avec, tu non, à cause que je suis un urbavore. Ah. Ouais, mais Kaf, tu pourrais faire comme Niuke pour faire perdre 3 HP. Ouais, j'ai pensé. Après ça, Caro pourrait
se débarrasser d'Arte parce que Arte ouais, gagne, okay. C'est sûr. Ah, oh, vous voulez me tuer, vous vous mettez tout contre moi, mais c'est non, quoi ça? Non, je vois pas de quoi tu parles. Ben non. Cette partie dure plus longtemps. Ouais. Oui, c'est... oui. Je m'excuse. On a trop de plaisir. Ben ouais. Merci mon cœur. Ah wow. J'ai juste 19 points, y'a rien God, là. God, ils veulent pas que je vous attaque de plus que deux. Non? Ouais, c'est correct, là. Oh! Continuez à regarder la partie. Ah, t'es allé chercher au bavard. Ah oui. Sauf que là, il me reste pas beaucoup de points de vie, j'ai mal. T'as mal? Ouais! Il te reste un beau 3 points de vie. J'ai mal à la nuit. Vous allez tous vous tuer simultanément. Mais là, là. Allez, tes petites baffes! Des petites claques gentilles. Une petite claque de meurtre! I'm dead. Mais c'est correct parce que si c'était, tu sais, prochain tour, comme j'ai plus 5 dégâts, tu sais. 1, 2, 3, tu fais tout. Ouais, vous tuez toutes. Oui, 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 absolument. Bon. C'était très agressif. Caro aussi est décédée, et voilà. I'm dead. Y'a dead, hein? C'est quoi, là, que je dois faire, moi? Je vais juste garder ça. Ça. Oh non. Ça. Ah ouais! Réseau. Ah, chenou. Ah ouais! Bam, bam, bam! Fait que tu fais 4. Ouais, c'est ça. Et okay. C'est bam, bam, bam. Caf qui a gagné! Ouais! Yeah. GG, Caf! Bravo! Merci, merci. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que vous alliez gagner, mais bon. Ça a l'air que tout est possible. Tout est possible! C'est possible, hein? Quand on est un monstre géant à Tokyo. Ouais, ouais, c'est oui. Ça. Est-ce que là, il faut faire rejouer, quitter la table de jeu? Ou moi, j'ai déjà envoyé... Je suis déjà à rejouer. OK, lève là. Et je suis maintenant estimé. Je pourrais mettre en français. C'est comme tu veux. Moi, je le mets en français pour le stream. En français, s'il vous plaît! OK. Dans le moment, est-ce que vous voulez refaire une partie identique ou vous souhaitez changer quelques cartes? Mais est-ce qu'on essaye... d'autres add-ons, genre d'autres extensions, je sais pas trop. Tu sais, il me semble tantôt il y avait des options, des events ou je sais pas trop, là. Événements, je pense que c'est juste que dans le fond, comme là, j'ai événements Halloween, que c'est des cartes de costumes. Après ça, j'ai événements combat divin partie 1 avec des cultistes. J'ai aucune idée de qu'est-ce que ça fait. Événement nature contre machine partie 1. Événement combat divin la revanche. Événement nature contre machine, le retour, variante évolution mutante, carte transformation, événement encore plus méchant, lui on le fait, power up évolution, dark edition on joue, choisir le monstre on le fait, puis monstre bonus on l'a de désactiver. Fait qu'on a même pas tous les monstres au complet, on a juste ceux du jeu de base. Oui, ça je trouvais qu'il y en avait pas beaucoup. Donc là, si vous voulez, je peux activer les monstres bonus et promos. Bien sûr. OK. Hein? Enfin, oui. On va déjà en mettre un petit peu plus. Puis si vous voulez, on pourrait commencer par... Mais est-ce que le on n'a pas la carte d'Halloween encore, hein? Comment? Est-ce qu'on n'a pas encore activé l'événement d'Halloween? Oui. Ah, j'ai des cartes de doigts dans les mains. Ah ouais? Ah. Ça a l'air qu'au magasin, les monstres promos, le monde se battait pour les avoir. Ben là, tu voudrais qu'on active carte costume? Oui. Ben, on va activer ça. Voyons voir. Là, j'ai activé les monstres bonus, puis j'ai activé événement Halloween. Est-ce qu'on reste comme ça? Je pense que oui. OK. On y va. Après ça, si on checkera pour... Je sais pas si on peut toutes les activer one-shot, il me semble que ça serait énorme. Oui. On pourrait. Voyons voir. Non, je préfère les activer à la fois si ça stack tout pour vrai, là, mais il me semble que ça fait beaucoup. Caro, faut que tu rejoignes. Je m'excuse. C'est correct.
j'écoutais. Et tabarnouche! Oh! En voulez-vous quelques-uns? Ah! Fait que là... Oh, oh mon Dieu! King of Tokyo! C'est juste cosmétique, ça, ces monstres-là? Ou c'est comme... Ben, je pense que oui. Fait que t'as le pack de monstres que t'as comme King Kong, une espèce de patente avec des ailes, un Anubis... Ben oui, ouais. Non, là, c'est le petit Cthulhu. T'as le bébé dragon. Ils sont cute. T'as Bastet, t'as Anubis. T'as deux versions pour extension Halloween, puis t'as un espèce de panda. Ça me fait tellement penser à. Le King of Pandaria. Ben oui. Ben oui. Et bébé dragon. Oh, il est tout cute. Il est vraiment mignon. Bon, fait que Karazhan, qu'est-ce que tu vas choisir? Hein? C'est toi qui choisis en premier? Le bébé dragon. Oink! Bébé dragon, ça va être le roi de Tokyo, le bébé dragon. Bon. PPTV. Ça se ferait. Don't do it. Qu'est-ce que tu vas choisir, Hugo? Hugo a choisi le monstre Halloween. Oogie Boogie. Moi, j'ai envie d'y aller avec. Ah, c'est vraiment Oogie Boogie? Ben oui. Ouais, oui. Moi, y aller avec le panda. C'est-tu drôle? Putain. Moi, je suis très singe dans ma vie, fait que... King Kong! Mais qui voilà? Je suis King Kong. Il s'appelle Boogie Woogie, celui-là, bien sûr. Boogie Woogie. Toi, c'est le Baby Gigazor que t'as pogné, Caro. Baby Gigazor. King Kong, c'est vraiment lui. Panda, je sais pas quoi, puis Boogie Woogie. OK. OK. Ça va être très, très drôle. Pandamonium. Caro, tu dois choisir une carte. Ah oui! Costume. Je costume. Peux déjà costumer. À la fin du tour, il y a deux. Non, si vous avez perdu moins un cœur, gagnez un cœur. Vous avez un lancer supplémentaire. Oh, que c'est bon! Les puis deux, la statue c'est de la liberté. Fait, choisis une des deux cartes. Ouais, c'était un dur choix, là. OK. Fait qu'à la place de. Oh my Pépé, god. Pépé, toi, on en choisit toute une. Fait que Hugo, toi aussi, tu dois choisir une carte de costume. On est en costume costumé. On est déjà costumé qui joue à un monstre qui est costumé. C'est... Oh my god. Mind-blowing. Shit. Je peux changer le résultat de chacun de tes dés avec Clown. Si je pogne la full house, c'est quand même dégueulasse. Mais ça se peut que tu l'aies pas. Oui, absolument. Je vais y aller avec lui. Ah, ça t'a pris le diable. Moi, j'ai la princesse. Ou le zombie. Princesse, c'est quand même bon. Un point de victoire à tous les tours. T'es comme, OK. Vous n'êtes pas éliminé. Si vous atteignez zéro, vous ne pouvez pas perdre de vie tant que vous avez zéro. Si vous perdez cette carte alors que vous avez zéro, vous êtes éliminé. On va prendre la princesse. Oh, wow. Oh my god. Fait qu'on peut changer de costume. Wow, voler un à chaque monstre à qui vous faites perdre au moins un. Ah, oh, ben là. Tu prends autre, tu gagnes plus vite que les autres. Ah, oh, mais là, je sais pas quoi prendre. C'est bien OK, voler bon. Un d'énergie parce que si t'atteins 17, là, c'est pas si bon, parce que c'est juste, tu pars avec 3 points de succès. C'est pas, tu sais... Voilà, la force, c'est qu'au lieu de prendre 20, là. Ça t'en prend 17. On est revenu avec les cartes régulières. C'est bon. Bon, c'est moi qui commence. Yeah, c'est toi qui nous lance ça, Caro. On va commencer avec de l'énergie. Ou je devrais plutôt dire Baby Gigazor. You can call me baby! Je peux pas attaquer personne. Je pourrais faire un petit peu de points. Je pourrais essayer de faire des points au lieu de juste essayer de tuer tout le monde toutes mes games. Est-ce que Baby Gigazor va devenir super méchant? Je sais pas. Oh, t'as déjà gagné 3 points. Avec les D3. Lore-wise, c'est moi qui ai saccagé Tokyo. Si c'est brisé, c'est à cause de moi. Est-ce que je vais gagner? Je sais pas, là. Mais je comprends pas, si tu voles une carte costume, il se passe quoi? J'en l'autre, ai... L'autre, il vole une carte costume? Mais tantôt, il t'écrit « voler une carte costume ». What? Non, ça, c'est inacceptable. Tu peux pas mettre un bébé tout nu. C'est contre les normes de Twitch. Not okay. Not okay. T'as-tu vu Alain Chaton comme shot compagnie sur sa carte? Oh, il est cute. Hugo?
What are you doing, my friend? Quand on roule 3 Smash ou plus, on peut voler la custom card d'un personnage à qui on fait des dégâts. Où en payant le prix. Voyez ça? Ils peuvent voler plusieurs cartes de différents joueurs dans le même tour. C'est possible d'avoir plusieurs costumes. Ok, t'es après lire les règlements du costume, toi. Je viens de voir, ouais, c'est ça, j'ai scrollé en bas, je vais dire, ah, okay. Ensemble à ça, ok, cool. Variante, ok, ils sont écrits en bas, ah, oh, c'est vraiment cool, ça. Il y a la variante aussi avec des cultistes. On n'aura pas essayé encore. Non, en effet. Version Halloween. Mais il faut que tu payes le coût de la carte, par exemple, en la volant. C'est vrai. Je peux juste en faire 3 de dégâts aussi. Fait que là. Ouais, ben c'est ça. Ok. Mais t'as qu'à le faire, tu planifies ta shot. Si tu donnes 3 claques à quelqu'un, tu peux voler les cartes costumes. Oui. Ah, c'est juste que. Tu peux donner 3 claques. Ouais, c'est ça. Là, c'est comme j'allais donner 3 claques, mais je sais comment. Fais-tu vraiment ça? Ah, wow. Yeah, on va y aller avec ça, ouais. Ah ouais. 2 claques, 2 énergies. Au. Pauvre bébé dragon! Plus 1 dégât? Ouais, parce qu'il fait perdre 1 dégât. Ah oui, c'est vrai, je fais perdre 1 dégât parce que je suis un diable, c'est vrai. Je vais fuir Tokyo. Fuck ma vie. Hey, tu peux voler une carte, là. C'est ça qui est écrit. Ouais, en payant une carte. Pour acheter les cartes. Ok. Oui, bonjour. C'est à mon tour de lancer ou relancer les dés. Ouais, moi, je suis en sur un. Tiens. Relancer les dés. Ah, bon, j'aurais pas montré plein 1. 2 énergies et une tape. Est-ce que tu restes dans Tokyo? Vous pouvez voler une carte costume. Why? Non, je pense que c'est vraiment juste comme le tour se passe. C'est juste parce que t'as la possibilité de le. Si t'as la possibilité de le faire, mais il le skip automatiquement. Ok. Ouais. J'ai l'impression aussi. Bon, Hugo est encore après se manger les doigts avec son lapin. Là. Oui. Ça va pas parce du tout. Parce que c'est, je vois mieux comme ça finalement. Ah, pour vrai? Oui. Fait que tu y rouvres la bouche pour être capable de mieux voir, mais ça donne l'impression que tu te manges les doigts. Oui, c'est ça, je vois bien comme ça. C'est bon. Au, je vais rester à Tokyo. Mais c'est un très beau masque, par exemple. Oui, je trouve il est vraiment très, très beau. Cool. C'est juste pas très bien fait pour comme jouer à l'ordinateur. Non. Faudrait que je mette mon ordi en high contrast mode pour que ça aille bien. Ok. Ah, parce que t'es capable de voir sinon au travers des yeux, quoi? Oui. Oui, oui. Ok. Mais pas un écran d'ordi. Non, c'est ça. Ben, je vois pas comme les petits détails. Ok. Ouh! Hey, 3 cœurs! Je pense que le jeu veut que tu regagnes des cœurs, moi. Ouais, hein? 3 cœurs, 2 baffes. Voyons. Aïe. Ah, tu veux voler des costumes, hein, c'est ça? Not yet. Not yet. Peu baffe. Tout tranquille. Tu peux voler une carte costume? Bien, bien. Non, techniquement, tu peux pas. Hey, t'as 4 secondes pour le voler. C'est bizarre. Je voyais un décompte. Lire le tour. Je retourne en bas, c'est quoi l'affaire? Comme là, prends pas les cœurs avec un rond dessus, on sait que ça non, donne rien. Non, je ferai pas la même erreur 2 fois. C'est bon. Je me demande si c'est parce que la personne au centre, dans un tour, reçoit plus de 3 baffes et donc tout le monde peut lui voler son costume. Je me demande si c'est à cause de ça qu'on se le fait tout offrir. Ouais. Qu'une idée. Je pense que c'est comme automatique, mais c'est juste s'il y a 3 baffes que tu peux. Thank you.
Oh. Aïe aïe! Ah, pis là, c'est comme si t'avais donné 3 baffes. Oh non. Non, non. Non, c'est que si un joueur reçoit. Oh mon dieu, oh, Seigneur! Je veux se faire voler. C'est beaucoup de points, ça. J'ai envie de le laisser de même. C'est quand qu'il l'obtient. Ben oui. Hein. Mais tu devrais quasiment. Tu fais 4 points, pis tu montes de 2 niveaux de méchant. Ouais, exact. Ouais. La méchante. Passer, ok, t'es obligé de peser sur passer. Ouais. Ou tu peux attendre 4 secondes. Ouais. Ok, fait que là, on est 2 au niveau 2. Non, pas full. Oui. Oh. Est-ce que tu restes dans Tokyo ou tu t'en vas? C'est vrai. Je suis pas sûr qu'il fallait que je fasse. Non, t'as décidé de rester. Visiblement. Visiblement. Et c'est toi qui a pesé sur l'hôpital, là. Oui, c'est ça. J'ai pas cliqué sur le bon. Ah! Ben écoute, prochain tour. Colin, ouais. Caf, là, est après se raquer des cartes, là. On n'écoute pas, ça, là. Caf, mais... elle a comme aucun point, mais à toutes les parts. Ouais. Ça sert à rien, ce que je fais. Encore de pas avoir! Okay. Une fois par tour, gagnez 2 points de victoire si vous obtenez 1, 2, 3. Ouais. Vous pouvez également utiliser ces dés dans d'autres combinaisons. 3, 2, 1. Et tabarnouche, ça en fait des claques, ça? Oui, hein. Hugo, I'm sorry, ben oui, but... je vais juste arrêter de jouer. Ben, c'est bon. C'est ça. Ok, bye. Allez, ciao. Ben, j'ai pas pensé à être aussi sadique. J'ai comme... J'ai Non, il est mort! Ça t'abradera de tuer. C'est karma. Je suis désolée, si j'étais là. Puis là, j'étais comme, ah, ben j'ai une autre griffe tant qu'à attaquer, tu sais, puis là, je veux pas avoir de doublon. Puis là, j'étais comme, ah, mais ça me tue, je suis je peux plus reroller, il y a trop de temps. Ben oui. Il, avait, il restait 4 points de vie. C'était pas très fair play. C'était pas très fair play. En même temps, je suis resté trop longtemps dans Tokyo. Il était greedy, là. Oh là là! Bon. Je pense que j'aime avec Karma. Ma barbe a repoussé quand même vite. Allô, White! Hey, voulez-vous qu'on le fasse ensemble? Devinez qui dort pas encore? C'est White! C'est White! Non, on t'a fait ça vocal, nous autres, direct. Live. Ok, regarde, tu veux lui donner des claques? Moi aussi, m'en donner des claques. Ouais, je sais bien, je vois ça. Je veux de l'énergie aussi, mais un peu de... Il va même pouvoir te voler ta carte costume à toi. Ben oui, c'est vrai, hein? Est-ce que tu restes dans Tokyo ou tu t'enfuis? Je m'en vais. Tu t'en vas? Pandakai. Pourquoi je peux pas? Ah oui, j'ai pu, là! Non! Fait que c'est pour ça la carte zombie. Que genre, tu peux pas mourir même à zéro. Fait qu'il faut qu'il te vole le costume. Ouais, c'est ça. Faut qu'il te vole le costume avant de mourir. Coucou Mario! Eh oui! Ah, il nous a fait plein de cœurs. Café et l'eau doit résoudre les dés. Un petit... Merci pour la claque. Petite claque. Pardon, un petit peu. Une claque. Fallait réveiller. Écoute, à la fin du tour de chaque monstre, si vous avez perdu au moins un cœur, ce tour-ci, gagnez un cœur. Ouais. Okay. Ah, ben là, Moi, je fuis, t'es. Ah ouais, viens, t'as. Vas-y, dans Tokyo. King Kong à Tokyo. Ah ouais, c'est King Kong à Tokyo maintenant. Ouh, une couple de cœurs? Do you need that? Ah non, mais avec... Genre, CAF, avec la carte régénération, puis la carte fantôme, ouais. Tu t'es juste brisé, là. Tu manges un dégât, tu te soignes de 1, puis quand tu te soignes de 1, tu te soignes de 1 de plus. C'est comme, je me fais taper de 1, je me soigne de 2. Faut pas qu'elle me vole de cartes, c'est ça que ça veut dire. C'est ouais, exactement. C'est pas mal ça que ça veut dire. Arc. Quelle raison il doit résoudre là, les dés? Moi, t'es méchant avec moi.
J'en veux plus d'éclairs! Tabarnouche, t'en as-tu des éclairs? Ouais, ben oui, je peux te voler ma carte. Ah, mais ils sont pas bons. Ben, tu peux reroller les. Ouais, les tu peux payer mais... deux. Oui, mais j'attends de voir un peu, là. Ok, je pensais ben, juste also... attaquer. Also, Jet, c'est quand même cool, là. T'es dans Tokyo, tu fais comme... Ah oui, réacteur. Je vais manger des dégâts. Non. Là, tu t'en vas, là. Ne perdez pas de vie si vous fuyez Tokyo. Ouais. Oui. Ça m'aurait un petit peu sauvé le cul de la taloche à carreau de tantôt. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mon chat a touché à quelque chose. Qu'est-ce que... Ah, c'est ça, ton chat a marché sur le clavier. Oups. Ouais. Ben, de notre bord, t'es encore là, là. Ok. Tu dois choisir elle si tu quitté. Restes ou quittes. Ok, je pense que ça arrive. Attendez, j'ai quitté? Oui, ça dit que t'as quitté Tokyo. Ok, j'ai quitté Tokyo. Ok, je pense que c'est le jeu. Caro, Caro, non, est en nounours. Qui a tué sanguignolant. Oui. C'est Danganronpa, l'anime auquel je pensais. Non, mais le chat va t'en... Karazen, tu peux acheter une carte. Ah, excusez. Ou rerouler, j'imagine. Ah, c'est là que j'essaie. Ok, renouveler les cartes pour deux. Yes, I'm gonna do that. J'allais me déguiser en licorne parce que mon masque m'empêche si de voir des choses. Au moins un. Vous pouvez jouer un autre tour en lançant un dé de moins jusqu'à ce. Ok. Mon Dieu, les gros textes amplifiés. Okay. Ben ouais. Si vous atteignez la mort pour la première fois de la partie, défaussez toutes vos cartes et vos tuiles, retirez votre pion de la jauge de méchanceté. Mais là, tu sais, perds la game, mais continue à jouer, yeah, right. Ben, c'est techniquement, bon. tu gagnes 12 HP, puis tu pour commencer, tu sais. Puis, tu sais, perdre la game, entre guillemets, si tu tues les autres, t'es correct. Oui, oui, mais faut toujours cette stratégie-là, je pense. Ce qui est pas mauvais, ouais. Mais je sais pas, j'en ai essayé un autre. On va essayer des affaires. Mais là, moi, c'est comme si j'avais skip mon tour. Are you dead? C'est mon tour. Non, mais t'avais terminé ton tour quand t'as mis. T'avais terminé ton quand tour. J'ai mon chat sur mon clavier. Ah. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. C'était juste le. Pendant que le chat était sur le clavier, c'était juste comme le moment en carreau d'agir. Ok, c'est bon. Avec de l'énergie. Tiens, let's go. Oh, c'est bon ça. Ouais, je veux une autre énergie. Ça arrêtait bien. Là, je vois plus rien. Non, c'est ça. J'essaie, mais il faut que je joue aussi. Quand ce sera plus mon tour, OK? Parce que là, Hugo, présentement, parce qu'il est mort, il peut plus jouer. Ouais. Donc, il faut essayer d'avancer la partie. Là, il faut que je gagne une carte comme ça. Gagner un lancer supplémentaire à chaque tour. Gagner un point lorsqu'on obtient au moins 3-1. Au début de ton tour, gagne un énergie. Celle-là. Merci. Villa. Fait que là, je peux résoudre la chose et la passer le tour au suivant. Hugo, il ment. Oui, il s'est fait sauvagement attaquer. Tiens, regarde. 1-3. Ça, c'est pas nécessaire. Ça, peut-être. Ça va rien faire. Ready pour le 20. 2. Pas de game, le 20? Oui. Ah, ben oui. Voilà. Ouais, il y a la première partie en fin de semaine, le 30. Puis après ça, il y a les deux autres. Que moi, puis les dates, là, ça le fait pas du tout. Bon, où est-ce qu'on en est? Rendu? Là, c'est Karazen qui est encore la queen de Tokyo. La partie est finie pour ce joueur. Come on! Vas-y. Ah. Oh, t'es eu. Tu vas pouvoir gagner une autre carte, je pense. Rejouer. T'es-tu rendu? Rejouer. De quoi rejouer? J'ai T'as un autre tour à cause de ta barnouche. Hey, c'est quand même pratique, ça. Mine de rien. Papy. C'est mon deuil de la carte costume.
Ben ouais. Ah, Hugo est allé... Il est allé se coucher. Ouais. On est trop longue. No! Mais c'est vrai que quand tu perds plus tôt... Ouais, non, c'est ça. C'est long. Là, c'était... un malencontreux hasard, malheureusement. Parce qu'il voulait sortir de Tokyo, mais il s'est trompé de bouton, puis... Ouais. Ça a pas de... Voilà, ah, j'ai essayé pas trop à faire durer. Ouais. Donc ça, c'est rendu à mon tour. J'aurais pas dû le tuer aussi tôt dans la partie. Ouais. Avoir réfléchi à mon affaire, j'y aurais fait un coup de moins, j'aurais pris son costume. Tout le monde aurait été content. Ouais. Ok, 3 énergie. De quoi je peux voler une carte costume? Pourquoi ça? Je peux pas voler? Bon. Non, tu peux pas. Acheter une carte. Bon, qu'est-ce que là? Si vous devez perdre au moins un cœur à cause d'un autre monstre, vous pouvez relancer un de ces dés. Métamorphose. À la fin de ton tour, vous pouvez défausser les cartes. C'est quoi? Pouvoir de votre choix pour récupérer leur prix en énergie. Gagnez une énergie supplémentaire chaque fois que vous gagnez au moins une énergie. Hey, en voulez-vous de l'énergie? Je vais commencer à en gagner une coupe. J'ai encore 3 d'énergie. Bon. Non, ça, je l'ai pas. Non. Tiens, on finit l'auto. À force d'avoir de l'énergie. Non, non, non. Et pour vrai, on apprend le jeu ensemble, White. T'sais, c'est notre, quoi, 3e partie, je pense? Ouais. Puis on a ajouté une expansion en plus, fait on apprend l'expansion en même temps. Hein. L'expansion étant qu'on est rendu maintenant qu'on a des costumes. Il y avait pas ça tantôt. Je relance tous les dés. Je vais en prendre un. Bon, je relance les dés. Yes, bon, ben, t'as 2 cœurs quand même. Ouais, c'est ce que je voulais. Là, tu vas pouvoir aller chercher une petite carte rouge. Expansion ou extension. C'est la même affaire. Expansion non, ou extension. Valez-vous des cartes. Costume. Moi, acheter une carte. Ah, ben non, je m'en s'attaque pas. On est full pacifique. Kérosène, tu peux relancer des dés ou résoudre les dés. Hey, c'est une musique dedans. World of Warcraft, ça. Is it? J'aime ça que tu sois revenu en licorne. Ah non! Ça y est, Hugo est rendu... Hugo, je sais pas t'es si... T'es mute, Hugo. Ouais, ouais, il est muté. Je ne suis pas une licorne. J'ai des ailes. Ah, c'est une pégase! Non, une pégase, ça n'a pas de cornes. Qu'est-ce que je fais? Je suis un peu comme embêté. C'est pas, ouais, c'était vraiment plus ça. C'est ça, une question d'exécution, en effet. Oh, ça va faire de l'énergie, ça? I got the power! Wow. Tu peux acheter une carte. Ah, oh, tu t'es trouvé un nouveau costume. Vous pouvez choisir de perdre de l'énergie à place de perdre des cœurs. Oui, c'est un costume. Tu l'as nettoyé, putain? Hey, merci, Mathieu. Je peux pas fuir Tokyo? 1, 2... Non, tu t'es pas mangé de baf. Hein, regarde, on va essayer une autre technique. Relancer les dés. Je trouve que vous mangez pas assez de baf, là. Tiens, on va résoudre mes dés. Je gagne un peu de points. Je monte de 2 couches dans la méchanceté. Aïe, elle monte en méchanceté. Ouais, puis là, je peux acheter une autre carte. Il est passé des choses pendant que je me transforme en la licorne, moi. Oui. Gagnez un point de victoire si vous obtenez au moins un truc à la... Non. Si vous devez perdre au moins un cœur à cause d'une baffe, je peux relancer... Eh oui. Let's go. Moi, je suis une sorcière en plus. Oh, moi, wow. Je suis un fantôme princesse sorcière. Wow. Yes. Dépenser une énergie pour avoir un lancer supplémentaire. Eh, c'est cool, ça. Le fantôme d'une princesse qui est devenue une sorcière. OK, c'est beau. Ouais, la princesse fantôme sorcière. Écoute, je suis toute. T'as commencé à faire de la carte aussi. Un petit peu. T'as 5 points de méchanceté aussi, c'est quand même... Ouais, mais je m'en viens tranquillement pas vite sur le 6 pour avoir une deuxième carte méchanceté, là. Je peux pas... je peux acheter une carte, armure de plaque... Oh, t'es rendu une licorne!
Non, pas une Pégase. J'ai une corne. Je suis une alicorne. Tabarnouche, c'est compliqué. Je vais m'enlever l'ours, je commence à chaud. Des costumes, souvent, t'as besoin d'avoir une fan inclus. J'étais un polar. Bonne nuit, White. Des bisous à toi aussi. Bonne nuit, White. Désolé, j'étais distraite. Mathieu vient de nous imprimer notre premier... Ben, c'est cool. Première impression. C'est quoi? Okay. On peut-tu voir? C'est un... ben, j'ai pas le... Moi, j'ai pas l'autofocus pour pas que ça soit pas mal. C'est un... c'est juste comme un stress test. Oui, c'est un test d'impression, là, voir le niveau de qualité pour comme gager les niveaux de qualité différents ou ben c'est... Exact, c'est ça. Court. C'est pas celui différent. C'est ça, c'est... ça se trouve sur un site qui fait que ça, là. C'est pas celui de base du truc. Puis selon... il y a toutes sortes de machins dedans, là. On dirait un parc d'attractions miniature, là, mais selon les défauts, puis selon les détails qui sortent pas bien, ça te dit quel paramètre n'est pas adéquat. Okay. Ça permet d'ajuster, ça permet d'ajuster comme ah, ton exposition était trop haute, ton temps de lever était trop fort, et tout ce genre de détails-là. Ah oh, mon Dieu, ça a l'air compliqué. Recours, hein. Oui, ça l'est. si t'en cherches un, je vais te l'envoyer, là, apparemment, qui est très bien. Karazine, c'est à ton tour. Ben oui, c'est correct. Ouais, puis écoute, je l'ai tiré encore plus, ça tient rien que moi. J'ai comme 3-4 questions de plus qui vont là-dessus. Après la stream, on aura une petite discussion. relancer les dés. Moi, je veux juste des 1 puis des attaques. Ah, peut-être que t'as peu. Qu'est-ce qu'on a là? Action. C'est quoi ça, action plus 1? Ça veut dire que si je fais quelque chose, j'ai plus un nom. De quoi? Je sais pas. Je me pose des questions. On va relancer. Ah ben non. Il faudrait que je prenne 2-1. Les chances sont petites, mais... On essaye les affaires. Je peux relancer un dé. OK. Tiens. Ah, parce que je t'ai attaqué? Ouais. Parce que c'était me faire mal. C'est bon, ça. Je ne... Puis là... C'est tout. Bon, là, ça m'entoure. OK. Ouais, je pense qu'on va y aller comme ça. Non, je veux un 1, s'il vous plaît. Thank you! Let's go, batteur! Hey, c'est incroyable! On se voit pas depuis tantôt, là. C'est genre la game la plus pacifique ever. Non, mais j'ai quand même... vous pouvez prendre une tuile méchanceté, avoir jusqu'à 12 points de vie, récupérer tous nos points de vie quand on gagne cette tuile. Non, pas besoin. Tous les autres monstres perdent 4 points. Le prix des cartes énergie que vous avez acheté... Que vous achetez est diminué de 1 et jouez avec un dé... Moi, jouer avec un dé supplémentaire. Ils m'ont tué. Ils ont fait. Faudrait que la game finisse vite. C'est ça. Ah, écoute, si je me fais plus de baffes, ça va aller plus vite. C'est correct. Mm-hmm. Oh, si j'ai 7 débaffes, ça va aller. Est-ce que je pourrais voler 7 points de victoire. Ça va se régler dans pas long. Bon, finir. Ben. À chaque tour, je gagne un point. Je gagne une énergie, pas un point. Oui, à cause du costume de princesse. Oui, tu gagnes un point de victoire à chaque tour aussi. Je suis une princesse. Une princesse Jedi fantôme sorcière. Avec une boisson énergisante. Oh, cool. Qui est l'ami des enfants. Karazin peut réduire les dégâts. Ah, c'est parce que tu peux utiliser ton énergie à la place de perdre tes cœurs. Je peux acheter une carte. Mais non, je peux pas acheter une carte. Pourquoi tu dis ça? Je pense que c'est juste à cause de l'ordre des tours. Oui. Let's go, bataille! Oh, inquiète-toi pas, on est avec... La partie est avec de terminer, mine de rien. Ouais. Vous avez 17 points. Un petit peu d'énergie. Je peux relancer un dé. C'est qui ça? C'est Karazin ça? Ouais. Non, j'avais pas ta baf. On sait. Gagne ton énergie.
C'est correct parce que comme c'est un robot, l'énergie, elle peut s'en servir comme point, comme HP. Y a plus de robot, yep. Pas en tout. Bon, ok, lancez les deux dés. Alors, un déguisement de robot. Un, deux. Moi, je m'en viens très méchante, là, dans pas long, là. Ouais. Ah, là, on va commencer à donner des baffes. Fresh. Mais oui, mais faut pas lui donner une baffe parce qu'elle perd rien si on lui donne une baffe. C'est chiant. À toi. Non, c'est des supplémentaires avec un énergie. Écoute, let's. Non, pas celle-là. Celle-là. Je perds de quoi si je perds juste une. Ah, je peux le relancer forever. Ah, mon Dieu. Ah, mais non, tu l'as plus, ton affaire. Hein? Ouais. Non, c'est ça. Ok, c'est un autre. Non, j'en veux pas de ton 3. Bon, ben, il veut vraiment me donner un 3. J'ai pas le choix. Je suis pas fan des mécaniques de costumes. Ben, je trouve ça bon, là. Là, ça spice comme la game, mais je trouve que c'est comme. Ils sont tous un peu cassés. De quoi? Ouais. Moi aussi, je trouve. Les costumes. Ben, ça comme incite à comme essayer de s'évoler, puis on a comme pas catché vraiment comment. Ben, on a gagné, mais. Catch date, le gagne. À date, là, comme tous les derniers tours, moi, j'étais. Je pense, ça fait quoi, 5-6 tours que j'étais à Tokyo? Je n'ai pas eu aucune baffe pour vous attaquer. C'est... Bon, on peut l'enlever, là. C'était l'événement Halloween, ça. On n'est pas obligé de toujours rejouer avec. Donc, là, on peut essayer celui des cultistes, si vous voulez. Ouais, ça pourrait être cool. Pas de trouble. Ouais, il est activé. Cool. On essaye tout. Nous vous déconseillons de jouer ces maintenant. Hey, le jeu, il est stressé dans la vie, lui. Mais moi, je suis plus là. Il manque juste toi. Ouais, t'as juste à faire joindre la partie. Oh, fallait que je clique sur toi. Oui. Okay. Fait que là, j'ai activé... On dirait pas que c'est quelqu'un qui cogne à la porte, on dirait quelqu'un qui se bat avec une porte chambre en langue. J'ai activé Combat Divin partie 1 avec les cultistes. Est-ce que ça vous tente d'essayer les évolutions, tant qu'à y être? Oui. Power Up Évolution. Mais on veux-tu enlever l'autre affaire? Halloween est enlevé. On essaye-tu un autre côté? T'avais Orange Side, mais on peut-tu essayer genre l'autre? Tu parles... Côté de Even More Wicked? Encore plus méchant, ok. Tu veux mettre le côté vert? Ouais. Parce que côté vert, côté orange, méchant. Ou mix aléatoire. Ah ben on va essayer côté vert, vu qu'on a tout le temps vu le côté orange. C'est bon. Puis on a le Dark Edition qu'on a utilisé depuis tantôt. Côté rouge, puis lui aussi, on peut le changer à côté vert. On pourrait changer le côté vert, All right. Choisir. On a toujours les monstres bonus. Et voilà. On est bon. Devrait être pas pire. Oui. On va changer un petit peu. Les déguisements, c'est important. On change tout. Ouais, non, c'est parce qu'on a enlevé... l'option de déguisement, parce que c'est vrai qu'il y avait quelques cartes que c'était pas... Wow! Ça l'a enlevé, par exemple. Ok, c'est ça, les évolutions. Ok! Ah, on peut voir les évolutions là, de chacun. C'est important lequel tu choisis. Ça, je trouve ça cool aussi. Ouais. Écoute, moi, je prends quand même mon dragon. Je suis désolée. Ça, je vais garder le lapin pareil, puis je vais voir ce qu'il y a sinon après. Je suis d'accord. Caféine, l'autre, tu gardes-tu? Je le sais pas. Oh! Il y a des évolutions temporaires et des évolutions permanentes. Ok. Ah là, je les vois plus, par exemple, mes évolutions. Je peux-tu? Je vais prendre lui. Je vais essayer ça. L'aliénoïde. L'aliénoïde. Ok. Kraken. Vous devez choisir une carte évolution. Kraken. Mecha Dragon, souffle du destin, puis c'est deux évolutions permanentes. Gagner. Non, lorsque vous faites ça, à Tokyo, les monstres qui ne sont pas dans Tokyo perdent également. Sauf vous. Oh, c'est bon ça. On prend nuit. Oh boy. Évolution de cyberlapin. Évolution temporaire, le cœur du lapin. Quand un autre monstre finit de rouler, tu reroules un de ses dés. Reprends Heart of the Rabbit de ta discard card quand tu prends le contrôle de Tokyo. Ah, puis on reprend le contrôle quand je prends le contrôle de Tokyo, je peux reprendre la carte. Ok. Ou évolution permanente, Energy Sword. Energy Sword. Energy Sword. À date, ce que ça change. Oh, excuse. Je peux payer deux. Si you do so and you roll at least une baffe, j'ajoute une baffe à mon roll, je gagne un d'éclair pour chaque baffe que je roule ce tour-là.
avant de rouler les dés, je peux payer deux. Si je fais ça, puis que je roule une claque, j'ajoute une claque à mon jour. Je gagne un d'éclair pour chaque baffe que je roule. Il est cool. Ok, c'est beau, je vais faire ça. Ok, fait que moi, je peux... Ok. Ok, les cultistes, on est dans le combat divin partie 1 des cultistes. Après avoir résolu vos dés, si vous aviez obtenu 4 faces identiques, vous récupérez une tuile cultiste. À n'importe quel moment, vous pouvez défausser une tuile cultiste pour gagner au choix un cœur, une énergie ou un lancer supplémentaire. Ouh! J'ai pas écouté parce que là, je lis mes cartes. Ah! 2, 6, 4... Ok. Soit j'ai une vague dévastatrice. J'ai le choix entre une temporaire ou une permanente. Temporaire, tu la gagnes quand tu rentres dans Tokyo, ce qui est pas pire. Si. Fait que c'est pas une fois puis ça disparaît. Okay. Moi, tu vois, je fais une vague dévastatrice puis ça fait que tous les autres monstres perdent 2 quand je rentre dans Tokyo. Ou gagner un cœur chaque fois que vous prenez le contrôle de Tokyo, mais là, c'est permanent. Fait quoi, cultiste? Je vais juste checker c'est quoi. C'est quand même... Parce que c'est chaque fois que vous prenez le contrôle de Tokyo, fait que j'imagine que c'était déjà dans Tokyo. Ouais. Ça s'applique plus, ouais. Non. Ça s'applique plus, fait que je mute. Quand on roule 3 cœurs, on pige une autre carte évolution. Mais t'es-tu sûr que les temporaires sont temporaires? T'sais, Ben, moi, dans le fond, c'était un effet... pour ma carte temporaire, il y avait une mention que c'est un effet qui se produit à ce moment-là. Puis quand ça se produit, je discarte la carte, puis je vais la récupérer de ma discard pile quand je prends le contrôle de Tokyo. Puis c'était écrit dans sur ma carte. Ah, ouais, ok, c'est ça. Moi, c'est pas écrit, fait que c'est juste temporaire, d'après moi. Ça doit être une seule fois. Oui, à chaque fois, il joue une carte d'évolution. Si c'est permanent, elle reste comme une keep card. À d'autres moments, elle est discartée après être activée. Ah, ok. Fait que je vais prendre. Merci pour la précision, là, ça m'aide parce que l'autre était clairement meilleur. Pouvez activer une carte d'évolution. Il y en a une à 0. Ok. Ouais, mais tu perds, tout le monde perd 3 points. Ah, ouais, ok. Stupid. Pets. Wouh! Okay. Tu sais, si t'as pas de points de victoire, t'as gagné. Recommence, je veux faire des points. Tiens, je veux savoir ce que ça fait. Si on donne une baffe pis qu'il y a personne. Qu'est-ce que ça fait? On expérimente. Ben, c'est la baffe, ça te permet de... Ben, ça te permet de rentrer dans Tokyo. Ouais, mais je savais pas ce que ça faisait si je donnais une baffe pendant qu'il y avait personne. Vous pouvez activer une carte évolution. Oui, c'est vrai. Je vais skipper parce que j'ai pas l'énergie pour l'activer. Ça coûte de quoi? Oui, ben dans le fond, ma carte évolution, c'est si je dépense 2 d'énergie avant de rouler les dés, il va se passer quelque chose. Ok. Enfin, si je dépense 2 d'énergie, j'active mon lightsaber. Puis en ayant mon lightsaber activé, ben là, je vais comme faire plus de dégâts puis gagner plus d'énergie. Bonne nuit, Frank! Bonne soirée! Merci d'être passé! Bonne nuit! Bye, yes, bye. Ouais, moi, y aller avec ça. Ah. M'en profiter. Ah! Je dois choisir de fuir ou de rester dans Tokyo. C'est pas le dramatique. Fuir, Tokyo! Je devrais aller battre en retraite. Artemisia, puis Hugo, vous avez chacun un cultiste déjà? Non. Oui, j'ai pogné 4 éclairs. Oui! Ah, ben oui. Oui, Arte, elle a roulé genre 4-1. Fait que... Oh! Puis Hugo, t'as déjà une évolution. Comment t'as fait pour avoir la deuxième? Je pense que j'ai roulé 4-4 identiques. C'est-tu pour ça? Au début du tour, tu piges 2, une variante, evolution, whatever, roule 3 cœurs, non. This can also apply in Tokyo, player play an evolution card from his hand, je sais pas. C'est où tu vois que t'es évolué? Mais je regarde vos fiches à droite.
Ah, nombre de cartes évolution en main, t'en as deux. Ben oui. Quand vous obtenez 3 cœurs ou plus, vous pouvez choisir une nouvelle carte évolution. Ah, c'est avec 3 cœurs. Oui, c'est ça. Sauf que j'ai pas pogné de cœur, fait que je comprends pas pourquoi. Mais... Ah, ok, c'est pour ça. Oh! Je peux acheter une carte, je ne peux pas, genre... Ouais. Ok. Cool. Okay. Hey, il flash mon lightsaber. Bon. Tiens. Et voilà. Terminé le tour. C'est écrit ce joueur ne joue pas. Que faire? C'est chiant. Voyons. C'était pas bon pour ta cote, ça. C'était pas bon pour ta De quoi? Non, c'est pas ta faute, Hugo. Ben, c'est parce qu'on lisait toutes les règles, fait que là, ça disait... Bon, mais là, on est en c'est mode... C'est bien adapté pour les gens qui jouent en ligne, là. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que j'ai aussi mis le mode que c'est comme on est en mode réel, puis on n'est pas en classement. Ah, c'est à moi, ouais. Je peux activer une carte. Ouais, mais je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux à Tokyo. Chaque fois que vous prenez le contrôle de Tokyo, ben, c'est passif. Ok. Fait que. Non. C'est votre tour. Active-le! Je vais cliquer dessus. Ça change. OK, bon. Excusez, j'étais un peu en panique. Tu peux relancer. Gagnez un cœur chaque fois que vous prenez le contrôle de Tokyo. Ouais. Vous pouvez avoir jusqu'à 12 cœurs tant que vous possédez cette carte. Ah! Moi, j'ai l'évolution. Okay. Mecha Dragon. Fait que c'est vraiment le Mecha Dragon. Oui, absolument. C'est clair, là. C'est... De quoi? Ah oui, ok, c'est le nom de mon bonhomme. Ouais, tantôt, on n'arrivait pas à lire, mais là, c'est écrit carré sur la carte. Ok, bon. Toi, quand t'attaques le monstre à Tokyo, tu fais aussi perdre un cœur à tout le monde autour. Mm-hmm. À ceux qui ne sont pas Sauf dans Tokyo. Moi. Puis les cultistes, ça fait quoi à part nous donner des cœurs ou des éclairs? Tu peux... Il me semble que j'avais vu que tu pouvais rouler. Ouais, t'as un lacet supplémentaire. Mais je reviens dans 2 secondes. Oui. Allez, tiens. 1, 2, 3. Et donc? Excuse, j'en avais déjà 3, puis je vais avoir le 4, OK? Fait... Tiens. Non! Et je vais être sûr d'avoir une autre baffe d'abord. Yes! Lancer supplémentaire. Non, c'est correct, là. Je vais me garder. Tu veux 6 baffes? Tu veux me tuer au deuxième tour? Je vais garder une petite gêne. Tu veux te sortir? No what? Non. Non! Non! Tu vas rester là. Bon, ça vous apprendra tous. Aïe, aïe. Gagner... Non, je veux gagner un cœur. Tiens. Finir le tour. Ah, t'as utilisé tes cultistes pour regagner des cœurs. Énergétique! Bon, je vais y aller avec ça. Je vais y aller avec... Épée énergétique. Ben oui, c'est écrit tout croche en plus. Ça, ça. Épée énergétique! Regarde sur la carte. Oh, ça en fait des baffes, ça aussi! Là, ça, si tu fais ça, tu fais des baffes à tout le monde autour de toi. Oui, ça vous apprendra. Bon, ça y est. Checkez ça. Aïe, aïe. Bon. Ça va faire mal, ça. Ça donne plein de... Et je fais de l'énergie en plus. Bon. Okay. Donc là, ça nous fait... Tabarnouche! 5 de dégâts, c'est tout le monde est égal. Moi, c'était 6 de dégâts. Comment ça, moi, c'était 6? Gagner 1 pour chaque main obtenue. Fait que c'était... Attends, on s'est mangé... Donne des baffes aux monstres hors de Tokyo avec 5. Ouais. Ouais, je pense qu'on peut pas survivre à un autre tour comme ça. Faut qu'on se débarrasse de lui. Bon, ça y est. Ben écoute, on est tous égales d'un point, là. On est tous à égalité d'un point de vie. 4 pis 5, là. T'sais? Je suis à 5. Oh, tu peux placer 2 énergies sur ton laser insatiable. Non, mais ça se donnera pas. C'est quoi ton laser insatiable? Ah, oh, c'est ton évolution permanente.
Vous pouvez placer, si vous le faites et que vous obtenez au moins 3 baffes, vous récupérez vos 2 énergies et faites perdre 2 points de vie supplémentaires au monstre que vous blessez. Sinon, tu perds 2 énergies ainsi que 2 points de vie. Ça va être compliqué, ces cartes-là, sérieusement. Là. C'est pas que chacun connaît la sienne, là, mais il me semble que c'est genre... La mienne n'est pas trop compliquée pour tout de suite. Là. Je sais pas si ça, ben, ça va donner le reste. Artemisia qui a mangé un cultis. Moi, tout ce que ça fait, c'est genre... J'active mon épée, puis ça transforme les claques que je fais en énergie. Puis bon, ça me donne plus un claque, c'est tout. Moi, ouais, c'est pas si bon que ça, ce que j'ai. Mais j'avais pas compris que c'était ça. Caro, qu'est-ce que tu vas faire avec tes dés? Je pourrais aller me chercher des points. Puis, tu peux, ouais. C'est un gamble, ouais, la un petit peu de vie aussi. Ouais. Je sais pas, un très bon... J'ai pas un jeu très bien défini, on va dire, à ce moment-ci. Là. Bon, ben... On va prendre ça. 3 points de vie, puis 3 points. Quand même, tranquille. C'est pas mauvais. Oh, j'ai une carte évolution! Je sais pas pourquoi. GG? Parce que t'as pigé 3 cartes. Ah! Avant de lancer les dés... Ok, c'est pas mauvais. Puis là, je l'active. Puis je finis d'où? Évolution permanente, le temple englouti. Avant de lancer les dés, si vous n'êtes pas dans Tokyo, vous pouvez passer votre tour pour gagner 3 vies et 3 énergies. Nice. Okay. Ça m'a fait oublier pendant un tour. Ouais. C'est juste pas, c'est-tu? Je vais avoir roulé 3 cœurs, 3 éclairs. Je vais aller dormir puis attendre de me faire réveiller. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est littéralement ça, hein? Mm-hmm. Oui, exact. Ben, c'est Sunken Temple, hein? Fait que... Sunken Temple. C'est... On est rendu dans War, les copains. T'en vas dans Vous pouvez prendre une tuile méchanceté. Bon, ouh. Fait que les tuiles méchanceté ont changé. C'est vrai, on n'avait pas encore... Il y a juste Arte qui a monté en méchanceté, c'est vrai. Oui. Donnez un jeton poison à chaque monstre que vous blessez avec vos pattes. Chaque jeton fait perdre un cœur au monstre qu'il possède à la fin de son tour. Un jeton peut être défaussé en utilisant un cœur au lieu de gagner un cœur avec. Barbelez lorsque vous obtenez au moins 2 pattes. Ajoutez une patte de plus, une baffe. Quand vous blessez un monstre, si ce monstre a plus de points que vous, va lui un point. À date, on est pas mal tous pareils. Non, je pense que je vais y aller. Mais essayez ça, tiens. Le Poison Spit, il est... Ben oui, ouais. Il est méchant. Le crachat venimeux. Yep. Fait que là, j'ai un crachat venimeux. Il faut que je dépense un cœur, un roulé de cœur pour... C'est l'enlever. Ouais, pour l'enlever. C'est quoi? C'est à la fin de son tour. C'est toi qui lui as envoyé ça, quoi? Ah, c'est parce que là, je suis rendu avec le crachat venimeux à cause que je suis très méchant. Et c'est ça, fait que j'envoie du poison sur les gens que je tape dessus. Le méchant. Ah, je peux acheter une carte, désolé. J'en ai pas tant que ça d'énergie. Là, on se calme. Ça. Ça. Eh, pas joué, ça va être la baffe. Hein? On va enlever le poison token. Ah. Pour gagner de l'énergie. Tu peux me donner une couple de baffes au passage. Ah, si, je voulais pas rester là. Ah là, c'est toi qui es dans le milieu de Tokyo, là. Encore, oui. Ben oui. Qu'est-ce que tu vas acheter? 1, 2, 3, 4, 5. Je vais tomber sur une fabrique de monstres. C'est tellement drôle. Si tu fais pas mal à personne, tu gagnes des points de victoire. Yep. C'est-tu drôle? Wow.
C'est le fun, ça. J'ai rien de ça. J'ai rien de ça. Cool. You may activate an evolution card. GG. J'ai tu ça? Non. C'est... Rien. Caffeine, l'on peut placer deux énergies sur son laser insatiable. Non, c'est de la merde, ça. Ah ouais? Oh oui, hey oui, boy! C'est... Quadruple 1, direct en partant? Let's go! J'en fais une petite taf. Une petite taf pour le fun. Je sais pas. Mais... Une petite clacounette. Une clacounette, yeah. C'est ça. Oh non, là, c'est deux clacounettes. Deux clacounettes, ça commence à être une claque. C'est ça, ou ben donc, tu reroules. Puis trois c'est clacounettes, quoi, c'est une volée. Ouais, c'est ça. Ah, oh, fuck. J'ai été greedy. Voilà. Non. Voyons, il se passe rien. Ben, ça dit, les joueurs avec une carte spéciale peuvent relancer un dé. Ah, faut qu'en haut, tu fasses... Je sais pas, résoudre ou... C'est qui avec une carte spéciale? C'est toi? Hein? Tu veux me mettre un coup de lapin? No card allowing to throw a die from active player. Quoi? Comprends pas. You can reroll a die. Je comprends pas. Tu peux rerouler un des dés qu'elle a lancé. Oui, apparemment, mais... À cause du cerf. Tu peux cliquer sur le dé? Ouais, ça, clique sur le dé de baf pour le fun. C'est ça que je fais, mais ça dit sending move, puis no card allowing you to throw a die. Ok, mais c'est bien weird. Okay, moi, je peux rien faire de plus. C'est marqué, ça semble... Je vais mettre skip, c'est tout. Bon. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Je vais quitter Tokyo. Ouais? Oh non! Ben, ah, c'est pour ça que ça t'apprendra à m'avoir donné une baffe. Oh non! Non! Oh, non, non! Un de toi, vous gagnez 9 en plus des effets des tabarnak. C'est bon, mais c'est pas bon en même temps. Hein? Ouais, là, t'as besoin de cœur. Caro! Hey boy! Oh. Triple 1, triple 3. Et plein de points, ça. C'est monter de 2 dans la barre de méchanceté, plus 3 points pour tes 3. Tu montes comme level. Ok, non. Mais c'est parce que je suis pas dessus, fait que ça me donne rien. En même temps, tu gagnes genre 4 points de méchant. Tu gagnes 4 points de victoire aussi. Là. 3. Ouais, je pense. Je vois. Ah. J'ai un cheveu pogné dans le micro. Un cheveu dans le micro? Ouais, c'est pas bon ça. Une petite baffe. Une petite baffe encore. Une petite baffe pour moi. Je sacrifie-tu mon occultisme? Non. On va résoudre les deux. Comme ça? Ouch. Ouais, ouch. Ouais, c'est parce qu'en plus, on l'entend. Bon, là, c'est Caro qui est rendu dans le médule. Elle est rendue avec 11 points de vie. Oui, parce qu'à chaque fois qu'elle prend le contrôle de Tokyo, hein, elle regagne un point de vie. Ben ouais. Oui, excusez. Je pourrais acheter l'autre affaire qui est pas bonne. Okay. Qui est pas bonne. J'aime ça. Ah, c'est bon ça. Tiens. Non. Je veux des 1. Zut. Raison de m'aider. 2 énergies. 2 claques. Puis vous êtes. Pas tous. Non, c'est juste celui qui est dans Tokyo t'es empoisonné. Empoisonné? À chaque monstre que vous blessez, ouais, t'es empoisonné. Tu dois choisir de rester ou de fuir. Vous allez me passer sur le corps, me sortir de là. Littéralement. Ils allaient me le prendre, moi, destruction totale. Juste au cas. Ouh. Je ne peux pas jouer. Pourquoi qu'il me dit genre, hey, paye 2 comme j'ai pas 2. Oui, parce que si tu utilises occultiste, ça va t'en donner un deuxième. Oui, je pourrais, mais c'est ça. C'est cela. Ça. Donc, yes. J'ai pas un 2-3, moi. It is possible. Puis, tantôt, quelqu'un qui était au centre qui était aspergé là, du poison, puis tu peux utiliser les cœurs au centre pour ça. Oui, okay, tu peux utiliser un cœur pour te guérir du poison, oui.
Tu parles avec le cultiste? Non, non, mais avec... Avec les dés, oui. Genre, avec les dés, ouais. Ça t'en prend un. Ah, yeah! Oh boy, hein? Ça en fait une coupe d'énergie, ça? Ah non, il va s'acheter le cerveau. Le cerveau? Ouais, c'est soit le cerveau démesuré ou herbivore. Gigabrain. Gigabrain. Je suis un gigabrain. Ah, il a pris le cerveau. Bon, des ailes. Oh my god, je pourrais avoir des ailes. Des ailes. Ben tu dépenses 2 d'énergie, tu perds pas de cœur ce tour-là. C'est genre. I believe I can fly. Yes. Je peux acheter une carte. Non, j'ai pas d'énergie, fous-moi la paix. Caféine, là, on peut placer 2 énergies. Bon. Now. Qu'est-ce que je fais, là? Je prends dessus, je prends pas. Non, non. On tente le tout pour le tout. Le tout pour le tout. Ah, oh, Chris. Une baffe. Une petite baffe, c'est qui est là? Mais j'ai une baffe. Come to me, baby. celui qui est là en ce moment, c'est Kérosène avec 9 points de vie. Oh, 3 cœurs. C'est ça que tu voulais? Mais oui, c'est ça que je voulais. 3 cœurs, une énergie avec une claque. Hey, mais mon cultiste, là, comment je fais? Tu fais juste en haut, tu devrais avoir un bouton, tu sais, genre ajouter un point de vie, ajouter une énergie. Comment je fais? Ah, gagner 1, ok. Puis sinon, okay, je pense que tu pouvais relancer, si je trompe pas. Ouais, je peux relancer, ouais. 5, non, j'ai pas tant besoin de ça. Le cœur, peut-être. Puis... Ouais, là, t'es rendu à 3. Puis là, on y va. Résoudre les dés. Ouh! That's a lot of love. Si vous obtenez au moins 2, tous les autres monstres perdent 1. Je peux pas pire, ça. Sinon... C'est quoi ça, là, ce que vous achetez une carte? Ah, tu... Ok, ça, t'as claimé 3 cœurs, fait que tu peux évoluer encore. Et reprenez les marqueurs. Vous pouvez... Attendez, excusez, c'est assez compliqué. Mm-hmm. T'as pas choisi le meilleur pour pas avoir de quoi de compliqué. Moi, tu parles son habileté? Oui. Mais c'est son personnage. Son évolution, ouais. Oui. Le personnage a vraiment genre des évolutions funky. Là. Ouais. Un peu. Mais quoi que. Non, la batterie, la Anger Battery, c'est drôle, là. Tu gagnes d'énergie à chaque cœur que tu perds ce tour-là. Je sais pas quoi. Mothership qui fait que tu dépenses un d'énergie pour gagner un cœur. Les permanentes sont cool. Kérosène, est-ce que tu restes ou tu t'enfuis de Tokyo? J'essaie de voir si c'est juste dans Tokyo que je me guéris. Parce que là, je reste dans Tokyo, mais ça me donne absolument rien. Tu te guéris pas. Je sais pas si tu peux te guérir. Techniquement, ben, d'habitude, drôle. Les dés, ils peuvent pas, là. Ben, tu pourrais faire Sunken Temple puis te healer. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est si vous n'êtes pas dans Tokyo. Ouais. Ah, ok, c'était pas dans Tokyo, ouais. Ouais. Ça aurait été drôle. Sinon, là, c'est comme, bon, dans Tokyo, ok, je vais couler. Comme le monde est cool. Ça te dit que tu peux acheter une carte, mais t'as 4 énergies. Ben, elle peut acheter un reshuffle des cartes aussi. Ah, aussi. Shrink Ray! Bon. Tu peux relancer des dés ou résoudre tes dés. Ah, tu peux payer la moitié. Ouh. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pris. Ça me permettait de payer moins cher, mais juste... En tout cas, c'est pas tout le temps. Un petit, ouais, au début de ton tour, roule un dé pour chaque bitches. Que t'as. Tabarnouche, tu veux vraiment faire mal, toi? Ben, je viens d'exterminer 2 joueurs. Ben ouais, je vois ça. Adieu, monde cruel. Vous avez pas checké vos vies. Ouais, je pouvais rien faire. Si tu te guérissais pas, j'étais genre, bon, ben, je gagne au prochain tour si j'ai un bon lancer de dés. C'est terrible. Ben là, je suis pas morte, là. Non. Hugo, t'avais une carte pour te ramener? It has a child. Ah, c'est nice, c'est nice. J'étais genre, je regardais, ah, parce qu'on va...
on voit pas les cartes. Ça, c'en était une qu'on voyait pas, ben c'est cool. Excusez-moi. Vous ma méchanceté m'a rien fait. C'est comme si tout peut se passer dans ce jeu-là. C'est... Oh, ouais, c'est vraiment ça. Ouais. C'est cool, d'eau. Ne pas perdre. Oui. C'est pas coulé dans le béton. Ouais, mais attends un peu, j'avais un cœur. Puis ça m'a pas enlevé le crachat. Ouais, c'est encore ton tour. Mais non, ça te l'a pas enlevé parce que c'est dans Tokyo. Ben ouais, mais tantôt, on avait établi que ça le faisait. Use your... Ouais, c'est ça. C'est utilise ton cœur pour l'enlever. Mais ça a l'air que ça a pas fonctionné. Ta-ta-ta. Ok, c'est plate. Smash with your... At the end of their turn, monster lose un pour chaque token qu'ils ont dans la main. Un token peut être discarté en utilisant un cœur au lieu de gagner un. Au lieu de gagner. Fait que peut-être que... Ben, j'en avais un, là. J'en avais gardé un pour ça. En tout cas, c'est pas bien grave, là. Mais je vous le dis aussi pour que... Ouais. Je rentre en mode Jedi. Hé, tabarnouche! Tu veux-tu de l'énergie? Ouais, non, je veux des tapoches. Tu veux des tapoches? La chance terrible du go que j'ai encore été tué pour une deuxième fois. Je veux des tapoches. On passe mine de rien, il a perdu tous ses points, par exemple. Oui. Oui, il est revenu, mais... Parce que tous mes avantages... Je pensais que mes avantages étaient bons de rester dans Tokyo, puis je râlais. Ça me sert à rien de rester dans Tokyo, là. Je m'en vais de là. Oh, tabarnouche! Ah! Les tapoches! Voilà. Les tapoches sont arrivées. Ouais. Ça a fait bobo. 7. Comment t'as fait? J'ai-tu fait 7 de dégâts? 4 de dégâts. Je sais pas. 4? Ah, je t'avais. Ouais. Je suis à 7, ok. T'étais à 7 parce que t'avais perdu un point de vie à cause du poison? Ben oui, que je pensais t'enlever. T'as dit que je peux acheter des cartes, mais non. Je vais renouveler les cartes parce que c'est de la boîte. Tu pouvais, il y en avait une à 4. Camouflage. Oui, mais... Si vous devez perdre des cœurs, lancez un dé par cœur que vous devriez perdre. Chaque cœur obtenu annule la perte du cœur. Centrale nucléaire, ça te donne deux points de victoire et 3 cœurs. Puis sélection naturelle, jouez avec un dé supplémentaire. Si vous finissez votre tour avec au moins 3, vous perdez tous tes cœurs. Yes, c'est un gros gamble. Effectivement, un gros gamble. Ouais. Mais c'est s'il y a un 3 sur un TD pendant que tu roules, l'ordre d'évacuation. Tous les autres monstres perdent 5 points de victoire. Moi, je pense plus que c'est à coup de points de vie que le monde perde plus, mettons. Attendez, là, c'est quoi là que je peux faire, moi, là? Je comprends rien. Ben, t'es rendu au point de relancer tes dés. Tu peux choisir les dés que tu gardes, puis après ça, tu les reroules. Bon, parfait, ça. Ah, c'est cool. Fait que là, tu vas pouvoir prendre le contrôle de Tokyo, puis mourir. Vous gagnez la partie quand vous blessez un monstre si ce monstre a plus de blablabla que vous, volez lui un. Ça, c'est pas si pire. Bon, je vais sûrement mourir. Adieu! Oui, je vais lancer le dé. Ah, ça n'est pas un cœur. Je peux healer avant de manger un dégât. Non, je peux pas. Qui me dit ça? Non. Je vais quitter Tokyo. Non! Écoute, si tu y tiens, viens t'asseoir. Bon, que c'est rendu là, hein? YOLO! YOLO! J'ai manqué quelque chose là. Ah, c'est acheter la sélection naturelle. Ah! Fait que si elle finit avec un 3 dans un de ses dés, ben elle meurt.
Avec au moins 3, vous... ouais. T'es-tu morte? Faut pas que t'aies un 3. J'ai même pas checké! Je comprenais pas, je pensais que j'allais relancer les dés, moi. Moi, ça me dit mise à jour de la position de jeu. Oups! Fait que là, je vois pas ce qui se passe. Natural sélection, achète fire breathing. Ok, fait que finalement, Caffeine Low est morte, puis mon furteur a décidé qu'il. Bon, lève-la. Ça l'a tout fait bugger, là. Écoute, t'en as trop demandé. Tour avec 3. Ça va pas. Fallait pas t'acheter ça, je pense. Non, t'avais un 3 en quelque part, puis c'est mais, ça. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas. Je pensais pas que c'était ce tour-ci. Je pensais que c'était l'autre. L'autre tour d'après, ben oui. Non, c'est, ton tour était pas encore terminé. Ah, okay. Oh God, ça me met là. T'étais dans la phase d'achat de power et après ça, son tour se terminait. Puis dans ton set de dés choisi, il y avait un 3. Bon, mais là, c'est un duel. Que je le saurais pour la prochaine fois. C'est bien correct. C'est délicieux. J'aurais probablement fait la même erreur que toi. Qu'est-ce qui t'a peu. Là, c'est à... Ok, c'est à moi, là, c'est beau. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi juste 5 dés? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. En tout cas, ouais, c'est juste bizarre. C'est pas le rayon que t'avais fait? T'es je me suis fait shrink ray. Ouais. Ben oui. Tu t'es fait shrink ray. Ouais, c'est moi qui ai fait ça. Jetons tout petit. Je pense qu'avec un cœur, tu peux l'enlever. Ah oh, non! Oui. Ouais. Oui. Utilisez vos cœurs pour les enlever, ben oui. Oh, tu veux pas rester tout petit? C'est tout petit, Pipi TV! Il y a 5 dés au lieu de 6. Je vais... Oui, c'est ça. Je vais enlever un shrinkery. Je vais me healer. Je vois là. Et voilà. Shrinkery. 2 d'énergie. Oh! C'est quand même drôle parce que Karou, elle a comme 14. Puis toi, t'as 1. Ouais, pis c'est vraiment un duel à la mort là, en ce moment. Ouais. Dans le chat, qui vous pensez qui va gagner entre avec des points de vie. Hugo et Karazen, mesdames et messieurs, c'est un duel à la mort entre les deux. Tu joues pile de secours, qu'est-ce que c'est ça? Une pile de secours. On me donne poids d'énergie. Je suis le lapin énergisaire. On y trouve une à terre. Bon, ça y est. Hashtag not sponsored. Lol. Arc. Mais je passe de ça. Ah, bon. Quadruple 3. Faire des points puis gagner la game. Faire des points, ouais. Pouh! Et voilà. Bravo, hey, Caro. Personne gagne en faisant des points. Hein. Non, c'est arrivé quand même plusieurs fois. Bravo! Tu peux activer une carte évolution. Hugo? Oui, il faut oui, que tu dises si tu actives une carte ou pas. Non, mais moi, ça me dit que la game est finie. Ok. Ah, ok, lève-le. Le bug. Ouais, moi, ça m'a dit que c'était fini aussi. Ok, moi, ça vient de me le dire. C'est ça l'idée. Je peux vous proposer une revanche. Bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on garde le combat divin, partie 1, puis on active. Mais c'était quoi le combat divin? C'était juste le fait d'avoir des cultistes? Ouais. Ben, je trouve que c'est une petite mécanique de plus cool. Ouais, c'est le fun. Ça... Tu fais comme ah, je vais mourir là! Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, à date, ce que je préfère, c'est sans add-ons. Cultiste, c'est bien. Mais les autres, je trouve que. La première partie qu'on avait était plus. Peut-être parce que ça fait pas si longtemps qu'on joue, là. On avait les méchants. Ben, la encore Wicked plus méchant, on l'a toujours. Oui, Wicked Ness, c'était bon. Ouais, c'est ça. On est tout le temps comme monté un ou deux, là. Moi, en fait, personnellement, j'ai comme jamais monté à ce niveau-là. Est-ce que j'ai on comme garde... jamais gagné un. OK. Dans le fond, est-ce qu'on garde les cultistes pour commencer? Ça, c'est oui. Ensuite, encore plus méchant, est-ce qu'on garde le côté vert ou on le remet à orange? C'était quoi la différence? Moi, je préférais orange. Orange?
Ouais, moi, orange, c'était plus direct, oui. Ouais. Il y avait moins de... Vert, c'est comme... Il faut que tu fasses telle affaire pour faire telle ouais. affaire. C'est comme plus avancé, là, ouais. Puis c'était plus pour faire mal aux personnes, je pense. Après ça, ouais. Est-ce que vous voulez garder les évolutions ou on désactive les évolutions? Moi, je trouvais ça trop compliqué, là, je vais vous avouer, mais... Il y a même aussi. Une variante évolution. Je crois qu'on passait beaucoup de temps à lire les règles pour... C'est bon. Ouais. Puis le Dark Edition, ah, c'est lui, le côté vert ou le côté rouge? Je sais pas c'est quoi la différence. Le Dark Edition, c'était quoi? Parce que là, on était le côté vert, puis on était dans le côté rouge au début. Mmh. Je sais pas. Je sais pas. J'ai comme pas remarqué c'était quoi le Dark Edition. Non. Puis là, l'autre affaire qu'on peut activer, parce qu'il y a encore d'autres événements qu'on n'a pas essayé. On a Nature contre Machine partie 1. Non. On a Combat divin, la revanche qui ajoute des cartes malédiction. Nature contre Machine, le retour Berserk. Variante, évolution, mutante, carte transformation. C'est les quatre qu'on n'a pas activées encore. Mmh. Que souhaitez-vous? Nature, ça serait le fun. Nature contre ça serait... Machine, partie 1. Tour de Tokyo. On peut activer un puis voir que ça donne? Ouais. C'est bon, ça? Si vous êtes d'accord, je pèse sur le bouton. Allons-y. Allons-y. Ah! Bon, là, on est revenu avec les packs de monstres. Là. Pourquoi est-ce qu'on l'avait plus tantôt? J'avais pas activé l'expansion Halloween? Non, il est désactivé. OK, c'est événement Halloween, carte costume qui est désactivé. Ah, c'est parce que tantôt, à cause de l'affaire de power-up, tu sais, d'évolution, on pouvait pas avoir les autres. OK. Parce qu'il y avait pas d'évolution à cette... C'est ça, je pense. Tandis que là, on peut rechoisir les normales, là. Et les bonhommes, c'est ça, les personnages sont Dark Edition. Fait que si on mettait pas Dark Edition, ça serait différents monstres de base, je pense. Ben, c'est soit ça ou soit qu'on aurait juste le pack de monstres de base. Avec l'extension Halloween et compagnie. Prendre Jack. Ben, je pense que je vais prendre le bébé, moi, parce que... Oui. Prends le cul. Tiens, m'a changé ce coup-là. M'a y aller avec... Ah, Karazhan est retourné avec le Kraken. Yep. OK. Je suis retombée à mes amours. OK. Bon, là, on est rendu la tour de Tokyo. Joue, là? Caro pour récupérer un étage de la tour de Tokyo, un monstre doit être dans Tokyo et obtenir au moins 4-1. Les monstres qui possèdent un ou plusieurs étages bénéficient de leur bonus au début de la tour, un cœur pour le premier étage, un cœur et un énergie pour le second. Ces bonus sont cumulables et récupérer le dernier étage fait automatiquement gagner la partie. Damn, OK. Fait que si vous êtes dans le milieu de Tokyo et vous obtenez 4-1, vous allez monter dans la tour. On monte dans l'ascenseur. On monte dans l'ascenseur. Puis là, le but, c'est de forcer la personne à sortir de Tokyo pour qu'elle recommence, j'imagine, à zéro sa progression. J'ai aucune idée si tu sors, si ça reste ou si c'est... ça reste là. Bon, ça va peut-être à voir, je pense. Tour de Tokyo. On va essayer d'aller voir en bas en attendant. OK, je vais jouer mon tour pendant ce temps-là. Ça dit pas. Si on quitte Tokyo, si tu redescends. Ça va être à voir. Un petit tour tranquille. Ah non, ça me met là! Ben oui! Oh non! C'est toi qui commençais. C'est tout le temps à moi qui commence. Fait que là, on jouait-tu encore avec les cultistes ou plus? Ouais. Oui, on avait les cultistes encore. Ah, OK. Ah oui, on a les licornes. C'est bon. Fait que cultiste, tu sais qu'il faut... Ah, c'est le petit icône qui est là, c'est bon. Quatre faces identiques. Voyons donc. Ouais, c'est ça. Je pense que tu vas donner des baffes. Ah, Il va donner des baffes. Tu niaises. Une énergie. Aïe. Ça a fait mal, ça?
Je vais fuir Tokyo. Tu vas fuir Tokyo? Yep. Je Alors? Fuir C'est ainsi que je calisse mon camp. Oui, oui. C'est sur un ton d'annonciateur. Hein. Caro commence. Bon, ok, c'est tout après. Oui, 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 c'est quand même. Aïe, 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 aïe. Vite que ça se passe. Pac, pac, excusez. Oh! 4-2. Puis là, tu montes dans les grades de méchanceté. Il a gagné un cultiste aussi, hein? Oui, ouais. Cultiste. Elle s'est gagné un cultiste, un niveau de méchanceté. Allez. Mais c'était pas un quadruple. Alors. Moi, c'est comme ça. Et boboy. Ok, on va y aller avec des deux de bord. C'est bon, j'ai compris. C'est correct. Oh mon Dieu! C'est ça. Oh, ils ont décidé, God. C'est un quintuple 2. Avec une tape. Mais là. Très intense. Non, je peux pas acheter de carte. J'ai pas d'énergie. J'ai pas le niveau. C'est mon tour déjà? Yeah. Ouais, yep, c'est un petit peu plus rapide, mais non. Ben, à ce temps qu'on n'a pas besoin de lire la moitié d'un paragraphe pour savoir si notre power fonctionne. Ça se passe oui. bien. Oui, c'était vraiment long. Ça, c'était J'avais joué quelque à chose. Un jeu qui s'appelait... c'était-tu Smash? C'est comme des cartes... Smash Up, ça se passe? Smash Up, ouais, exact. Oui, oui, je c'était drôle, là, que ça. Tu passes la soirée à lire ce que c'était cartes, là. Je trouvais tellement que ça... J'ai pas aimé mon expérience. Oui, t'as un gros deck avec une thématique, puis c'est comme, OK, c'est beau, j'ai telle thématique, fait que mes extraterrestres, ils ont telle mécanique, puis j'utilise ça. C'est comme jouer à Magic, mais sur le crack, là. Boy. Je vois le fun pour ceux qui aiment ce genre d'affaires-là, mais moi, tu sais, quand tu dis « je vais jouer rien qu'une fois », là, tu sais, Ouais, ben, ouais. Disons que c'est pas comme King of Tokyo qu'on est rendu à quoi, 4-5 parties, puis qu'on a encore du plaisir, là. Mais c'est... Peu importe le personnage que tu joues, mettons, là, on s'amuse à essayer pour se mettre du spicy, tu sais, avec ouais, les règles. Expansions. Mais somme toute, une fois que tu maîtrises les règles, t'as pas comme... Tu sais, on l'a vu autour d'avant avec les évolutions, là, on lisait beaucoup plus, puis c'est là qu'on trouvait ça peut-être plus lourd, mais sinon, là, c'est super fluide. Ouais. Mais ça me faisait penser à ce jeu-là qui avait ce même défaut, là. Ben, techniquement, selon ce que je lisais, de base, le jeu est censé prendre 30 minutes par tour. Ben, pas par tour, mais par partie. Ouais. C'est game rapide, quand même. Ouais. Ouais. Mais avec les évolutions, c'est clair que c'était plus que 30 minutes à cause, justement, faut que tu lises chacune des évolutions, là. Sinon, c'est comme tes étudies avant, puis même encore, tu sais. Ouais. Mais Caro, je regarde le artwork de ton le artwork de ta carte là, puis c'est dans le fond le Dark Edition, ça change le look de la carte. Fait que les dessins sont pas les mêmes. Fait que c'est pour ça que comme tes points de victoire, c'est des petits ronds, des petites étoiles dans des ronds, puis les nôtres, c'est des petites étoiles bleues. Pour ça que ça comprenait pas. Puis le Dark Edition amène la traque de méchanceté. Ouais. Ah, ok. C'est juste que encore plus celui-ci, méchant donne encore plus d'effet. Ok. Oh, je vais m'en aller, ça me sert à rien. Il va s'en aller, et voilà. Là, c'est CAF. Yep. Là, c'est à mon tour. Bon, encore des deux. Il est bien tenant avec les deux, j'en veux pas. T'as bien de la chance! Oui, mais j'en veux pas des deux. Pourquoi je voudrais ça donne des points? Ça te donne des points de méchanceté puis plus de points de victoire. Ouais, c'est ça. Mais les 1 sont mieux. T'as pas besoin de me frapper. Non? J'ai pas besoin de vie non plus. Vas-y, non. Regarde, je veux pas, puis il me donne pareil, OK? Lancer supplémentaire. Mais let's attends, go. Pourquoi tu dis que les baby? Un... Oh mon Dieu! J'ai essayé, OK? J'ai essayé de l'enlever. Pourquoi tu dis que les 1, ils te donnent plus? Parce que regarde, triple 1 donne 2 de plus dans la barre des méchancetés, tandis que triple 2 donne juste plus 1. Mais ça donne plus de points. Ouais. Donne plus de points de victoire de même, mais moins de points dans la barre de méchanceté. Puis c'est parce que j'essayais de monter dans le tour de Tokyo aussi. Oui, ça mais prend pour monter dans le tour de Tokyo, dedans. Il faut que tu sois dans Tokyo. Écoute, j'ai essayé pareil, OK? Oui, oui, oui. On t'en veut pas. Correct. Yes. À date, j'ai pas été dans Tokyo pendant tout. Non, pas encore. Puis elle a pogné un cultiste qui a plein d'énergie. Non.
Tu peux acheter une carte. Mais là, tu viens de le faire. T'en as plus tant que ça d'énergie, là. Ça vient de s'acheter un rayon qui fait que tu me fais perdre l'HP, mais toi aussi, tiens. Ça, c'est un miroir. Ça. Je vais prendre de l'Energy aussi. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes 1? De l'Energy. Tu vas garder la Energy? Je vais essayer de... Tu peux rouler un. Oh, tannant, ce jeu-là. Je comprends pas le concept d'hibernation. Là, c'est que tu te reposes, puis tu deviens immunisé à tout. Ça, tu lâches pour te rattraper. Tu peux pas le lâcher pendant que t'es dans Tokyo, mais tu n'as plus de blessure. Tu peux pas te déplacer, même si Tokyo est vide. Tu peux pas acheter de carte. Points, tu fais juste... Puis... Si t'es écœuré, là, t'as jette. Fait que tu... Genre, c'est vraiment comme... Si t'es dans le trouble, puis qu'il te reste 3 HP, tu fais juste... OK, c'est beau. Je vais juste comme... Je vais aller faire dodo. Parlez-moi tantôt. Là, tu récupères tes points de vie. Les seuls résultats que tu peux utiliser sont ça. OK. C'est quelque chose, hein? Que les cœurs et que l'énergie. Fait que là, pendant ce temps-là, tu te ramasses d'énergie à côté, puis des cœurs, là. Si tu réussis à avoir ça, c'est aidé. Et voilà. Il n'y a personne qui va pouvoir acheter cette carte-là. Ah, bon. T'as changé les cartes. Yes. Centrale nucléaire, réacteur ou un tank. Tu gagnes 4 points de victoire, mais tu perds 3 cœurs. Oh, wow. 3 énergies, 3 Ils sont pas très bonnes, les 3 nouvelles cartes, par contre. Ah, je suis déjà là, moi. Ouais. Gagner 1 à chaque tour. Début de votre tour, gagner 1. Je sais pas. 1 lancé supplémentaire à chaque tour ou au début de votre tour, gagner 1 énergie. À date, j'ai utilisé éternel puis infatigable dans 2 parties différentes. Caféinlo peut acheter une carte. Ouais, plein d'énergie. Ah, j'ai combien? Wow, 6, c'est bon ça? Yeah. Fait que là, tu peux t'acheter une carte si tu veux. La centrale nucléaire, les réacteurs. La centrale nucléaire à heal aussi. Oh. Ou le tank, là, tu gagnes des points, mais tu perds de la vie. Ah là, j'hésite. Avant de résoudre vos dés, vous pouvez défausser cette carte pour changer la face d'un de vos dés. Pouvoir, on dirait que c'est des cartes one shot. Ça se peut. Oui. Ok, what do I do? Hey, j'ai pas grand chose, hein? Ah, fait que je viens vraiment d'acheter quelque chose qui est pas bon. Damn, pour 6, un one shot. On va voir, ben peut-être pas, je sais pas. Non, ben pas de 1. Reflected Life, non, c'est un keep ça. Un mais keep, tu le gardes. C'est ça que je me demandais. Fait que. Ouais. Mais c'est pas. Ben bon, oui, mais dans le fond, 6, c'est le coût de la carte qu'elle t'a coûté pour pouvoir l'équiper. Mais c'est tout. Non, mais je savais pas si le fait que ça soit action ou pouvoir changer quelque chose. C'est juste plot twist qui est comme. Qui a la mention de tu le discardes quand tu l'utilises. C'est le seul qui est comme ça. En tout cas, celui-là, il est comme ça. C'est juste qu'il y a personne qui t'a encore tapé dessus. Fait c'est ça. Parce qu'il y a personne qui a genre donné de baffe depuis les 2 derniers tours. Ouais! C'est full pacifique. Karozen, tu peux lancer tes dés ou résoudre tes dés. Oui. Moi, à date, ça reste quand même un jeu de chance quand même aussi, dépendant de ce que tu pognes sur tes dés, là. Ouais. Oui. Effectivement. Ah ouais. Pas le choix. J'ai pas le choix. Ça s'essaye. T'es obligé. Attention, non, là. Deux baffes. Hein. Quand on frappe un bébé. Ah, toi aussi, tu pognes une tuile méchanceté. Yes. Mais ça, on gagne des points de méchanceté quand on frappe un bébé. Yes. Oui, t'es maintenant. T'as passé le niveau 3 de la méchanceté. T'es maintenant très vilain. T'as infatigable, éternel ou furtif. Wow! 2 claques sur le bébé. Ow! Moi, ça va être free. Kate, oui. Tiens, c'est toi qui rentre. Bonne chance. Attaquez-moi pour voir.
Oh non! Oh non! C'est quoi ça? Oui. De quoi? Pourquoi c'est le début là? C'est le pouvoir. C'est le début de plusieurs tours tranquilles. Ben oui, ça fait une couple de tours qu'elle a acheté. C'est, si on lui fait perdre un, si on lui fait perdre au moins un, ben on perd un. Mais c'est un pouvoir, fait que c'est juste une fois, non? Non, c'est toujours. C'est un passif. Ouais. Ouais. Ah, excusez, j'ai pas fait finir le tour, pardon. Non, je vais avoir une mauvaise cote. Moi, non, parce que t'es en mode entraînement, fait que t'es correct. Qu'est-ce que tu fais avec ça, Hugo? Tu deviens méchant. C'est devenir méchant. Méchant. Oh! Yes! Oh! C'est bon, ça. Méchant. C'est un beau tour, ça. Ouais. Ah, je vais être la dernière à être méchante, semblerait. Mais je pogne rien sur mes dés, ça va pas. Oh. Ah! Bello. Je vais le prendre. Tu peux acheter une carte. Ok. Mais quoi que. On va faire ça à place. Ok. On va faire ça. Oh! C'est fort, non! Ça. De quoi non? Elle est obligée de m'attaquer. Non! Le jeu a dit, tu lui donnes une claque, compris? C'est ça. C'est, voilà. Mais là, toi, okay, que t'en as fait peur. Tu restes-tu là ou tu t'enfuis? Caro, elle doit être comme, mais non, je suis bien. Moi, à chaque fois qu'on me tape, je fais mal aussi. Tiens. Ouais. Elle est pas fine. Non, en fait, je suis en train de me dire, est-ce que je gagne le jeu des points not so much, puis est-ce que je gagne le jeu de la vie, on est toutes full. Ouais, en ce moment, ça monte tranquille. Tu vas te mettre à non, comme, non, attaquer tout le monde, là ça peut changer. Ouais, fait que je suis mieux de fuir Tokyo, parce que dans le fond, j'ai pas avantage à rester pour le moment. Bon, c'est ça. Là. L'affaire, c'est que Kaf a absolument genre la possibilité de gagner tout ça parce qu'elle roule plus de dés puis c'est elle qui a le plus de points de victoire. Pourquoi? Ah oui, elle lance plus. Ouais, c'est j'en ai 11, ouais. Mais ça veut rien dire. Ah, au moins. Résolve les dés. Ça veut rien dire, ça. Je peux pas gagner, moi. Vous pouvez prendre une seule méchanceté, ben la dernière. Écoute, moi, je suis là pour avoir du plaisir. Tu peux t'arriver, après tout, j'ai juste comme un lancé de dés de plus que tout le monde. Ouais, ben, ça, on non, l'a ça vu tantôt, moi, c'est ça. Moi, je bête bon, sur ça. Je bête sur le baby. Sur le baby? Le baby. All in sur le bébé. Le evil baby, il est quand même niveau 5. Ouais, le quand même. Ouais, bébé Gigazard. Plan B. Est-ce que c'est drôle? Le bébé qui gazon diabolique, ouais. Là. Oh! Finir, ouais. Deux petits points de victoire bah, parce que tu meurs d'un train. Un petit deux. Avec mon tramway, là, j'ai avancé un petit peu. Qu'est-ce que c'est tu veux c'est qui ça, Anubis? Anubis, ça sert à rien de sacré des claques. Anubis, c'est moi. Yes. Ouais, des avec deux, je pense que j'aurais des deux. Mais ouais. Aïe, avec une tape, une petite baffe, ah ouais. Une petite claque gratos. Ouais, puis un cultiste, parce qu'elle en a roulé quatre. Mais oui, c'est correct. Une petite elle claque en passant. Non, je vais rester là, c'est correct. Ça va bien. C'est tout. Ah, j'aurais pu faire ça! Non, c'est pas grave. J'aurais pu faire quoi? Je le dis pas. Ah, ok. Excusez, je vous le dis, c'est comme super teasing, tu sais, je vous le dis, mais dans le fond, je vous le dis pas vraiment. Uh-huh. Ah, toi, t'as gagné un point de vie avec Éternel. Tabarnouche, tu voulais de l'énergie? Ouais. Yes, I do. Ouais, puis t'as eu un cultiste en plus. Cultiste, ouais. Aïe. 3, 4, ça vaut la peine. Et moi, je veux pas retourner la moule. S'il vous plaît, là, laissez le bébé. Là. Pauvre baby. Ouais, le petit baby. Non, Caro. Non. Que c'est... Tu l'achèteras pas, le shrink ray.
Le shrinkery. C'est quoi? J'ai vu clair dans son jeu. Ben, moi, je suis dans un shopping spree, là. Ah bon, ça y est. C'est le temps de magasiner. Yes. Et voilà. C'est quoi ça fait, ça? L'origine extraterrestre. Oui, acheter des cartes me coûte un de moins. Ah. Damn. Un cultiste plein d'énergie. Allez. Ah, bon, bien. Je peux-tu acheter quelque chose une fois par tour? Va te. Quand même 6 d'énergie, donc. C'est pas pire. Bon, tabarnouche gourmet. Ok. Oui, gourmet. Non, c'est quoi, ça faisait 3 cœurs ou c'était tantôt ça? 3 cœurs, c'était les évolutions. Ah, ok. Ça donne plus rien. Ben, ça va donner un culte. Non, même pas. Non, ouais, c'est 4. Let's go. Je veux un 1. Ouais, j'ai eu un 1. Je peux prendre une tuile méchanceté. Ouais, qu'est-ce que je vais choisir? Jouer avec un dé supplémentaire. Le prix des cartes où je vous fais perdre 4 points à chaque. Non. Je veux un dé supplémentaire, s'il vous plaît. Merci. C'est très bon. Yes. Aye, aye. Une petite claque. J'aime bien le bruit de la claque. Je ne. Ouais. Oh, oui. Le bruit de la carte est quelque chose. Oh, le bruit de la claque, là. Que ça résonne tout. Ouais, ouais. C'est le genre de bruit que t'entends pas quand tu joues sur une table. T'sais. Mais non, c'est ça. Ouais, ah, à part si t'as... Ben, à moins que tu joues avec du monde vraiment violent. Ouais, c'est sûr que ça... Ah, oh. Moi, je les entends pas, les sons du jeu. T'entends pas les... Et en haut, à droite, haut, ici. Tu peux ouvrir le son, ouais. Désactiver ou activer le son, puis je fais exprès pour l'activer pour les viewers. Depuis le début, j'entendais rien. Ben là, okay. Fallait tu dis. J'écoutais pas le stream parce que je veux pas vous entendre en double. Ben non, mais okay. C'est normal. Mais, mais c'est pas le son du stream, c'est le son de la page web. Ouais. Oui, mais j'avais pas vu. Mais c'est un peu bizarre que par défaut, quand tu vas sur une page la première fois, tout est mieux. Ah, moi, tout était muté à première partie que j'ai joué aussi. Vas-y. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Ouh, de l'énergie! Very evil! Tu veux être vraiment evil? Ben, let's go! Oh, damn. Et voilà! Okay. Bon, bon, bon! C'est ça. She is evil! Ah mon dieu, les sons, hein? Ça en passe des choses. Ouais, ouais, il y a beaucoup. C'est très intense. Tu t'en rends pas compte quand t'as pas le son? Ah, ok, ils sont plus... Je peux pas choisir d'autres qu'une fois que vous en prenez un... Non, ouais, c'est ça. Exact. Là, ouais, c'est pas tout le monde qui peut faire genre bon, mais moi aussi je veux un deck plus. C'est comme non, le premier qui devient evil, le premier qui devient fâché le plus, c'est. Ouais. Ben oui, mais. Ben comme moi, quand je choisis d'avoir 12 HP à la place puis tank le stuff. T'sais. Comme j'ai été la dernière à la troisième cas, j'ai pas eu le choix de ma carte. Ça a été celle qui restait. Ouh! Crache l'acide maintenant. Yes. Un kraken qui crache l'acide. Ça. What are you gonna do when they come for you? What you gonna do when they come for you? Schnitt. Ah non, 2 cœurs! Eh well. T'as perdu 2 dés! Mais plein d'énergie! Eh oui. Est-ce que tu vas prendre une sonde psychique? C'est quand même pas pire! Merci beaucoup, Caro! J'étais comme en retard pour mettre d'autres sortes de sons. C'est correct! Mon dieu! Non, ça, faut que tu fasses ça quand tu te manges une baffe, tu comprends? Mais oui. Ouais.
Ah, tu t'as acheté quoi, là? J'ai acheté Super Saut. Super Saut. Bon fantastique. Ouais, je peux spender un d'énergie pour ne pas perdre un cœur. Bon, pourquoi est-ce que j'ai comme 8 points à Star? Il me semble que j'avais plus que ça. Oui, parce que Caro, quand elle est devenue méchante, elle a fait « Tout le monde perd des points de victoire! » Ah, d'accord. Mmh. Ça explique les choses. Quel... Vous allez jamais me laisser avoir un dé de plus. À Caf qui est genre « Ah, oh, wow, c'est tellement le fun! » Ah! Tu peux prendre une tuile, méchanceté. Laquelle choisiras-tu? Ben, tu peux te fully heal, ce qui est quand même pas pire. Ouais, mais non. Ça m'intéresse pas. C'est parce qu'on est déjà quand même pas mal plein en vie, c'est ça l'affaire? Ben, l'affaire, c'est que là, elle regagnait techniquement genre 4 HP. Ouais, j'ai regagné toute ma vie. Ouais. Non, puis tu m'aurais laissé avoir comme... M'a gagné de l'énergie, les copains. Que je voulais aussi. Je vous dis. Ouais. C'est ça. J'aurais préféré que tu me laisses le layer diabolique pour que toutes mes passes me coûtent 2 de moins. 5 énergie. Oh non! Aïe aïe! Gagner herbivore, nécrophage, gagner chaque fois qu'un monstre. Non. Ça, je veux l'essayer. Non. Celle-là. Il y a de l'air drôle. C'est quoi? Relancer. La sonde psychique. Ouais, ça a l'air le fun, j'avoue. Ah, c'est à moi. Attends, pas gagné. C'est juste pour le trip. Ouais, tu rerolles, puis si jamais c'est un cœur, ben, tu perds la carte. Ça. C'est bon, ça? Ok. Ben oui, tiens. Ok, excusez. Mm-hmm. C'est qui est au milieu? Mi. Is. Izmi Arte! C'est Nunubis. C'est Nunubis. Ouais, j'aimerais exact. Ça être méchant. Je pense que je vais vivre dangereusement, puis. Tout rerouler. Oh, what you gonna do when they come for you? Uh-oh. We're in trouble, trouble. Caca, coucou! Eva! Ça va être ça. Ah, je peux te faire... Vu que tu craches de l'acide, t'as une claque à toutes les fois aussi. My God. Ah, je vais manger une claque pareille. Bon. Ah, y'en a! Trois claques! Pourquoi trois? Parce qu'elle a des sons parce de claques. Qu'elle a craché d'acide. Elle a C'est des sons de claques qu'on disait depuis moi le début, Caro. Moi qui rajoutais des sons de claques. Mais oui. Parce que j'en avais besoin. Fait qu'on disait que c'est drôle, Caro, elle ajoute des sons de claques depuis tantôt. T'as trop de fun avec ton truc de son, toi. Ouais. Ouais, mais le jeu en fait. Je pourrais me tuer comme. Ouais, ben wow. De quoi tu pourrais te tuer? Je pourrais me tuer comme. comme CAF, là. Choisir la sélection, pis. Ok, excusez, j'arrête. C'est pas vrai. Pourquoi tu me rappelles ça? Parce que c'est très drôle. C'est quelle extension qui fait qu'on a les petites cartes rouges? Non, c'est juste parce qu'on est méchant. C'est ben l'extension là, méchant. Cool. Ouais. Ça fait-tu quelque chose quand t'as les 6? Ben, je donne 1, 2, 3. Dang, t'es obligé de reprendre un cœur. Ah non, j'ai perdu la carte parce que ça a pogné un cœur. Ben oui. C'est-tu pas drôle? J'ai gagné un point de moins, puis voilà, ça t'a coûté une carte de power. Ah ouais, j'ai une chance sur 6 que ça arrive. Et voilà. Et bon, that's my luck! Yes! Je suis rendu avec 12 HP en plus. Qu'est-ce que je fais, moi? 1, 2, 3, éclair, éclair, cœur. Mon Dieu, il me manque bien des points de vie, moi. C'est ça. Ah, qu'est-ce que je fais au milieu, moi, là? Ben, t'es rendu au milieu. Ben, tu m'as sacré des claques, fait que je suis parti. T'as tapé 3 fois sur Arte. T'as tapé 3 fois sur Arte, je pense? C'est pas une raison. Ben, c'est certainement une raison. Je tiens à spécifier que... Je vois pas de quoi vous parler. Je suis juste gentil que Toulou. Toulou qui crache de l'acide partout.
pas de quoi vous parler. Je vomis de l'acide en permanence. Attaque d'acide. Ah ouais, non, celui-là, c'est qu'elle ajoute une claque à son résultat. Oui, oui. Okay. Genre, à chaque fois qu'elle va rouler, elle va faire une claque. OK. C'est pas comme l'affaire tantôt que j'avais eu de poison, là. Non, pas en tout. Fait que, techniquement, genre herbivore puis acide d'attaque, ça marche pas ensemble. Non. Bon, c'est à mon tour. Hey, j'ai encore 3, 4, 2. Écoute, regarde, on va y aller avec les deux. Ils ont décidé que j'allais avec des deux. Non, mais moi, wow. C'est des 1 que je voulais. Ah, oh, ben, tabarnouche. Hey, regarde, c'est qui disait tantôt qu'il va jouer dangereusement? Let's go! Ouf. C'est moi, tabarnouche! Ok, c'est bon, j'ai compris. Je te conseille pas. Oui! Non, ben là, je joue plus dangereusement. Regarde, je viens de gagner des cœurs. YOLO, comme ils disent. Ouais, ouais. Tiens, je me refoule au complet. Une énergie. Ok, je t'ai tapé d'un coup, puis tu m'as fait mal aussi. Ben oui. Ouais. J'ai pas le choix. Aussitôt qu'elle se fait attaquer, on perd un de vie. Je vais fuir Tokyo. Je vais fuir Tokyo. Hey, pourquoi j'ai pas pu acheter de... Ok. T'as fui Tokyo. Là, c'est à ton tour d'acheter des cartes, ouais. Écoute, regarde, on va jouer dangereusement. Ah! Je voulais l'essayer parce que pour moi, c'était impossible de finir mon tour avec un 3. Fait que je voulais comme... En tout cas, je me demandais si ça pouvait être cassé à ce point-là. Mais j'avais pas vraiment besoin des cartes puis de la... C'est vrai. Écoute, garde, renouveler les cartes. Ouais. Bon. Nanobots. Yes! C'est bon, ça. Nanobots. Let's go. À la rescousse. Kérosine. Oh mon Dieu. Oh non. Ah ah. Elle s'enligne. Vous commencez déjà à me connaître? Elle va avoir la spike, la spike tail tout de suite. La queue à pique. Mais je pourrais être plus Yvonne. Elle aime les piquants, elle. Ah, on a toutes monté à méchanceté. You dead! Puis là, je vais être méchant. On a vraiment monté en méchanceté. Hein, C'est quoi de lancer 3 ninjas urbains? C'est quoi des ninjas urbains? Des ninjas urbains. Où tu vois ça? Je vois ça dans mon écran, là. Je sais pas. On n'a pas les mêmes sortes de choses. Ninja. Ah, mais oui, vous pouvez toujours relancer les 3 que vous obtenez. Background Dweller, c'est ça. C'est ninja urbain. Ah, le ninja urbain. Mon Dieu! Aïe aïe! Ça frappe fort. Fuir. Vas-y dans Tokyo, si tu y tiens. Oh, j'y tiens. Tu y tiens, ben vas-y. Elle va nous faire genre 8 à tous. Je vous fais 3 par défaut. Elle va genre je vous fais 2 par défaut. Là, touche pas au baby. Là. On touche au baby. Hey, j'ai rien, si tu veux me prendre ça. Touche le baby. Attends, ça sonne pas bien, ça. Touche le baby. C'est très louche. Ça sonnait mieux dans ma tête. De résoudre tes dés. Fait que là, techniquement, là. Si vous ajoutez. Ça marchera pas. Non, c'est correct. On va résoudre ça. Ça nous avait plusieurs tours que je passe à comme ne pas avoir de claque. Ouais. Ça va bien, c'est tranquille. Ça va bien. Ça va bien aller. T'as Cthulhu qui est juste comme me semble que je vais me ramasser toutes ces choses-là. Avec ses pics, là. Puis c'est craché ses pics d'acide sont éteints. Ah oui. Ça, je voulais. Qui est un tabarnouche, on en fait des 1. Bon, puis
3. Un destin. Oui, oui, le destin, ouais, est en train de se faire tranquillement. C'est tracé, ça, c'est pas. Caféine Lowe voit sa, sa jauge de méchanceté augmenter de 2 points. Oh my god, peut se faire zombifier en plus. Juste pour être sûr de comme tout nous tuer. Je veux pas de 3, j'ai dit. C'est à croire que ça fait exprès. Ben là, t'as des 3, là. Ouais, ouais, j'en veux pas de 3. Ils sont bien tannants avec ça. Tiens, regarde, boum. Je veux juste le 1, merci. Bon, on a des 2. Ben, écoute. Écoute. Regarde, on va y aller avec des 2. Tiens. Sais-tu, je pense que je vais y aller safe. Comme ça, j'ai pas de 3. Je suis safe. Il n'y a pas de danger. Voilà. Oui. C'est bon. On va gagner un point d'énergie. Écran de fumée. Non, c'était-tu bon, ça? Non, c'est zombifié qui c'est zombifié que ça te prendrait. Ouais, ça te protégerait contre toi. D'un coup que tu pognes un doigt, là, au moins, ça te ferait pas finir la game. Tiens. Merci pour le zombie. Écoute, on fait ce qu'on peut. Tiens, on finit le tour comme ça. Voilà. I got the power, got le carreau, il va faire 28 à tout le monde! Ah! Elle, okay, elle va faire mal. 28 encore! Non! Ouais, ouais. Non! Ne me touchez pas! Oh ne me touchez pas! God. Ah, ça allume tellement! Hey, Kaff est sur le bord de gagner ça, elle. Il en manque pas gros, tranquillement, là. Ben oui, elle passe en dessous du radar, là. Mm-hmm. Elle est après scellée, là. Ben oui, c'est ça. Chut. Hey, tantôt, là, c'est moi qui étais proche de ça, mais vous êtes toutes mis contre moi. Je m'en souviens. Hein? Non, mais on n'est pas obligé de faire la même chose avec moi. Oui, c'est que je peux... Je viens de voir, c'est que là, je peux relancer les 3, c'est ça. C'est que je peux toujours relancer les 3. Ouais, tu peux toujours relancer. Là, si t'as 4-1... Là, tu montes dans la tour de Tokyo, toi, là. Oh, regarde, t'as le bas de la tour. Je double mes dégâts. La basse nooch. Au! Tu fais moi au plus, Chris. Ça a pas d'allure. Oh, Lynn. Hugo, lui, peut réduire ta barnouche. Hey, okay. Elle va toutes nous tuer. C'est genre le pire. C'est quoi? Oui. Bon, ben, je vais prendre des dégâts, puis je vais être à taper. Si je pogne 4-1, je suis capable de doubler mes dégâts. Ben, tabarnouche, c'est-tu assez evil? C'est ben très evil. Ça fait mal. Et tu peux acheter une carte aussi. Ah, excusez. Que ça dit. Non, c'est assez, là. T'as assez d'armes démoniaques. J'ai rien d'autre au prochain tour que des griffes. C'est bon. Parce que je me disais que je pouvais pas vous tuer à un tour. Parce que mon maximum de dégâts que je pouvais faire, c'était 8. Mais là, ça va devenir 16. Pourquoi ça deviendrait 16? Parce que ça double mes dégâts. OK. Le quoi, ça, qui double? Je double mes griffes à cause que j'ai atteint le niveau 10 evil. OK. Tavarnouche, doublé. Ben, écoute, je pense que si Caféine, elle gagne pas... Ouais. C'est Karazhan qui nous éclate tout au prochain à son tour. Oui. Donc. Non, je pense que Caffeine va l'avoir. Ah, oh, c'est mon. What? Non, non, c'est pas mon tour. Non, c'est moi, je reste dans Tokyo, certain. Non, c'est sûr que tu veux rester dans. Moi? T'es sûr que tu veux rester dans Tokyo? Tu sais, tu peux sortir si tu veux. Je veux pas 10 points de dégâts, ça fait mal. Ben, c'est minimum. Minimum 4. Si j'en pige pas, là, si j'en pige aucun, c'est 4. Ouais, là, en ce moment, je mours. C'est simple comme ça. Alors là, c'est au tour à Kaff. Qu'est-ce que Kaff va faire? Deux points de victoire, là. Colin. Qu'est-ce qu'elle va faire, Iz? Ben là, là! Oh non! Puis en plus, ça s'est même pas idée. Ça n'a pas voulu, non. Oh my god. Oh wow. Yeah! Oh. Elle l'a eu! Elle l'a eu! Oh, je l'ai eu! C'était vraiment... Il faut que tu prennes une tuile méchanceté avant. Ben ah oui, avant de gagner. Ben oui, c'est ça. Mais j'aurais quand même voulu voir combien que je pouvais faire. Ah, Kaff a fait nope. Là, il faut que tu décides si tu quittes aussi. Le tour n'est pas fini.
Je reste dans Tokyo. GG! Bien joué, le bébé dragon a gagné. Yes. Bon. Je peux tout ça y est, j'ai note. Gagné un nouveau trophée. Oui. Hey, c'était quoi finalement? Ah oui! C'était ça, le tour de Tokyo. On pourrait le laisser avec les cultistes. Ça changeait pas trop de trucs. Indeed. Hey, j'ai envie d'essayer Berserk. Berserk, ça a l'air étrange. Hein. Est-ce que mes deux miss sont d'accord pour une revanche? Moi, oui. Oui. Je vais juste aller aux toilettes si ça vous dérange pas. Ah, ok. Bien sûr. Tu veux rentrer? Oui. Ok, je reviens. C'est bon. Tu vois pas, votre cote monte quand même petit peu pareil. Oui, oui. Ben, j'ai l'air de rien. Je pense que je suis rendu à 86. 83. 83, hein, pas ouais. Bien. Berserk. Il rajoute un dé. Ok. Le dé de Berserk, que tu utilises le dé de Berserk dans tes jeux, même si tu joues sans l'Evolution Card, ou que tu joues pas Cybertooth. Cybertooth. Oh, ok, c'est lui, dans le fond, t'as Anubis, puis t'avais dans la carte d'Anubis, là, l'espèce de dos de chat, là, c'est Cybertooth. Le gars, il se transforme. Tabarnouche. Ah, oh, ok. Carte de... Oh, wait, attends un peu. Il y a aussi carte transformation, que je sais pas ce que c'est. Even if you play without evolution card, or are not playing with Cybertooth. Ok. Ou que tu joues sans Cybertooth et évolution. Okay. Ok, on peut jouer avec le Berserk Mode sans ça. Fait que vous êtes d'accord pour utiliser Berserk, ça vous tente-tu? On avait dit oui, je pense, hein? Oui. Ok. Ouais, quand tu roules 4... Claque ou plus, tu mets un Berserk token sur ton monstre. T'es maintenant en mode Berserk. Ça va être drôle. Si t'es en mode Berserk, roule le dé de Berserk de la manière normale. Tu peux reroll puis le set aside comme n'importe quel dé. Si tu joues King of Tokyo puis tu roules Berserk, tu perds un cœur. Si t'es en train de jouer à King of New York, tu fais les effets comme il faut. Puis quand tu te heal, le Berserk mode arrête. Eh ben. Ok. Bon, on a encore les mêmes petits bonhommes. Yeah. On choisit un monstre. Écoute, je pense que. Hey, c'est à mon tour de choisir. Oui, c'est toi qui le pique. Mm-hmm. Choisis le bibi de Goldie Jolie. Ta moto. J'accepte. C'est bon. Je sais pas c'est quoi ça, mais je vais prendre ça. C'était... Ah oui, t'étais parti aux toilettes quand j'ai dit c'était qui. C'est Cybertooth, c'est un monstre qui est supposé se transformer, qui a deux formes. Okay. Je vais retourner à mes cas. Ah, oh, je pourrais essayer. Qu'est-ce que tu veux? Regardez mes cas bonnies. Bon. Cyber Bonnie. Tu vas reprendre ton bonnet. Oui, mais t'es plus un bonnet, t'es rendu une licorne. Ouais, mais. Dans mon cœur, je suis encore un bonnie. Bon. Dans ton cœur. Caro qui a vraiment Cthulhu cette fois-ci. Ben oui. Le vrai de vrai. Encore... Avant, elle n'était qu'une pâle imitation. Ah. Oh. Oh non! Le baby. Le bébé est dans Tokyo. Eh, tabarnouche, ça fait des 1, ça? Ah oui. Mais ça me donne plus de points si j'en mets plus, hein. Oui, puis si t'en as 4, ça te donne un cultiste. Oh, fait que là, techniquement, ça donnerait 5 points. Non, 1, 2, 3, excuse. 3. C'est ça. Ça me donne rien d'autre, ok, c'est beau. Ouais, ok, c'est mon tour. 3 points. Ouais, ça t'a donné 3 points, avec les D1. Oui. Mais t'as vu aussi ta gauche de méchanceté augmenter de 2. Ouais, puis elle a pas monté la tour. Non, parce qu'elle est pas dans Tokyo. Ah oui, ah, c'est parce que je... dans ma tête, Caf. Caro a l'œil tantôt. Ouais, non, c'est moi qui ai rendu. C'est moi qui ai rendu bébé. C'est bébé Arte. Okay, le Berserk, c'est que tu montes la tour, c'est ça? Non, pas pantoute. On va retourner le nez, moi aussi. Non, j'ai dit de la merde. Oui, absolument. Oui. Fais plus ça, Caf.
Bon, ça y est. Ah, mais la tour de Tokyo, on l'a pas mis tantôt, puis on l'a pas faite, tu vois. Oh, wow. Je dois... Non, je reste pas dans Tokyo, moi. On m'a obligé à aller dedans. Alors, bon. Quand tu rentres en... Le Berserk Mode, c'est 4D de dégâts. Quand tu rentres en Berserk Mode, tu roules le dé de Berserk aussi, puis tu sors du Berserk Mode quand tu te heal. OK. Puis la tour de Tokyo, c'est 4-1? La tour de Tokyo, 4-1, c'est 4-1. Quand t'es dans Tokyo. Ouais. Parfait. Okay. C'est fun comme jeu, j'aime ça. Oui, il est le fun, le jeu, pour vrai. Ouais. Avec les petites expansions, ça ajoute du petit piquant de plus. Pas trop, tu sais, avec les évolutions, c'était too much. Mm. Mais ces petites expansions-là, c'est juste correct, je trouve. Ouais, mettons les évolutions, moi, je mettrais pas d'autres expansions. Juste les évolutions. Ouais. Ouais, les évolutions sont assez lourdes comme ça, là. Ouais. Ouais. Les joueurs de Tokyo doivent choisir de rester ou de fuir à Tokyo. Carozine. Excusez-le, mon chat qui me demande attention. Damn. Je veux pas de cœur. Pourquoi est-ce que tu me donnes des cœurs? Des cœurs. Ben oui, il me donne des cœurs. Là, tu pourrais évoluer. Eu les cartes évolution. Mais ben quatre cœurs, c'est un cultiste. Aussi. Ouais, ben là, trop tard, là. Je voulais pas de cultiste. J'aurais perdu tous les cœurs dans le vide. Oui. Ben, t'en aurais utilisé au moins un. Non, bon, j'ai eu de l'énergie au moins. 3 énergies. Là, je suis rendu avec une baffe. Une baffe. Hey. Petite baffe. Je voulais pas aller dedans. Ben, pourquoi tu m'attaquais de bord? Parce que c'est le dé qui a décidé. Elle dit, c'est pas du ça. Ah ouais, c'est ça, c'est toi. Oui, 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 je te le dis. Moi aussi, c'était pas de ma faute tantôt, ça vous attaquait tout seul. Ouais, c'est ça. Des calls de même, c'est là, pis des... Mais là, c'est ce que mon personnage aurait fait, là. Oh my god! Voilà. Je suis rendue... Il a tendance à se mettre dans les roues de ma chaise. Fait que si j'ai le malheur d'éternuer, je vais y rouler sa queue. Ben là, il va apprendre à se tasser. Non, il apprend pas. Ah oh non, j'aime c'est pas tu, ça. C'est-tu des roues comme des roues de patins à roues alignées que t'as après ta chaise? Oui. Ouais, moi aussi. Ouais. Ça roule sur un méchant temps, ça. Ça part bien, là. J'ai changé mes roues pour ça, là, pis c'est moi, je capote, là. Ouais, c'est l'idéal pour les planchers, en plus, dans ma tête, là. Oui. Caféine, tu peux te prendre une tuile méchanceté. Mm-hmm. Ah ben, ça, c'est bon. Ah, oh, ça, c'est bon. Ah, oh, ça, là. Un lacet bon. Supplémentaire. Hey, c'est un dé de plus. C'est un dé de plus ou c'est un... Oui. Un lacet. Ouais. Un dé de plus. Et... Ouais, il est pratique celle-là. Très, très pratique. J'approuve. Ouais, j'aime beaucoup ça. J'approuve. Que, sur moi, je pense. Ah, ouais, t'es herbivore, God. Ah, c'est ça que je voulais. Carozine, tu peux relancer tes dés ou résoudre tes dés. Je suis en grande réflexion sur quelle grande orientation je C'est bon. C'est baby. Ah non, ok. Quel choix de vie, là. Je pense qu'il veut que tu prennes des trois. Je dis ça. On dit rien. Ouais. Je dis rien. Non, mais moi, j'aimerais ça avoir des 1. Ouais, mais lui, il veut que t'aies des 3, obviously. Tu peux pas te t'avoir dans la vie, là. Non, non. Hey, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est des 3. J'ai pas le choix. He said 3. Not other. Moi, écoute, je veux gagner la game, puis ça marche pas. Non. T'as des 1 et des 3. Yes. On va y aller avec ça, bon. Que choisiras-tu? Mm. Ah, tu me niaises, là. Wesh. Oui. Mm-hmm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, je reste dans Tokyo. Là, c'est qui a Baby Rage comme commande dans ses affaires? T'en fais une direct de même. Il y a moi pis moi pis l'os. Ah ouais? Un, deux. Non, j'en veux pas de tes cœurs. Mais t'avais un, c'est correct. Ah oui, c'est là, elle va monter à tour à Tokyo, elle. Yes! J'ai un bout de tour! Wouhou! Hein?
Mais si on l'enlève de Tokyo, elle perd tout son goût? Je le sais pas. Ça, on l'a pas vécu encore. On va voir. C'est cela. Il m'a même fait exprès, si tu me tapes dessus, je sors, puis on va checker. J'ai okay. aucun problème avec ça. Ok, ok. Je te tape dessus. Bah, si tu veux me taper dessus. Hein. Je sais pas. Écoute, les dés, eux autres, ils veulent très fortement que tu me tapes dessus. Ça fait deux fois qu'ils tournent des pattes, là. Ok. Il a enlevé les... Ah, je le fais-tu, je le fais pas. J'ai peur! Ah ouais, il y a un 1. On fait-tu? Ah ouais, il y a un 1! Ah, yeah! Tu l'as eu! Ok, c'est parce que tu as utilisé tes cultistes. Ouais. Ok. Faut acheter une carte? Mm-hmm. Non, je peux pas acheter de carte. Bon. Allez. Carozen. Si t'as mis un 4 dans ton nom sur Board Game Arena, ça veut-tu dire qu'il y a déjà quelqu'un qui s'appelait Carozen? Ouais. Ah! C'est le fun, ça. Pas tellement. T'es pas la seule Carozen. Ben non. Ouais. Tu sais qu'il faut taper Arte, hein? Ben là, à date, les dés ont décidé que non. Ah, je vais être Evil! Tu veux être evil? C'est tout ce que je veux. Ah, c'est vrai, faut pas qu'elle ait les trois étages. Ouais, ben là, je suis pas rendu là. Je suis pas rendu, j'ai pas pris le deuxième étage encore. Mais elle a juste trois à faire. Hein. Ouais. J'aurais dû te battre. Faut que les dés soient de mon bord aussi. Ouais, bon, souffle de feu. Je l'aime, sa petite carte-là. C'est correct. PPTV, tu peux lancer tes dés. Bon, là, tu veux m'envoyer une claque, là? Ben, au moins. Mais là, je suis plus sûr que ça me tente de sortir de la ville, là. C'est rendu à mon tour. Ah, juste pour le chose... non, je le garde. OK. OK. Ah oui, fait qu'elle a... C'est, ça reste là. Gagne le bonus, fait que... Au début de ton tour, tu gagnes un cœur. Triple 3, quadruple 3, ça faisait quoi déjà? Quadruple 3? Ben attends, Gamma Résume, ça va donner 3 points. Ça va donner 4 points parce qu'elle en a 4, ouais. C'est bon. J'ai un cultiste. T'es un cultiste, oui. Au moins 2-2-2, ajouter une tape, deux tapes à ton résultat. Oh! Ouais. Des dards empoisonnés, écoute. Je pense que I'm gonna try it out. Des dards. Des avions de chasse. Ça te donne 5 points de 5 points de victoire, mais ça t'enlève 4 cœurs. Ben, c'est quand, tu sais, à la limite, toi, quand t'es à 15, ben, tu prends ça, puis the end of the game. Je donne-tu des tapes? Ça me sert à rien, je pense, de donner des tapes. On relance tout. Ah, des petites tapes d'amour. Bon, j'aurais dû reprendre ça finalement. Mais là! C'est drôle, on a le. on a genre l'expansion Berserk qui est supposée comme augmenter le nombre de claques. Les choses par rapport au. Le nombre d'actions par rapport aux claques, puis personne est comme genre. C'est classique, hein, ouais. On joue pacifiquement. Ouais, on joue vraiment toujours de même. Moi, je veux juste comme partir avec des morceaux de tour puis devenir méchant. Moi, je veux donner des claques. Triple 1, dread de même pour commencer, là. C'est bon, ça. Bon. C'est ce que je voulais. Fallait pas être sûr. Ah. Ben oui, Mitten, non. Mitten, je parle, pis les gens. Ouais. En tout cas, à date, je suis pas très très méchante, par exemple, me semble. Je sais même pas si mon pion est sur la barre de méchanceté. Oui, je suis à 2. Bon. Ok, ouais, on est en même place, mais je le suis accidentellement. Ouais. Ben, toi, tu l'es parce que ça te prenait ça pour que, dans le fond, en gagnant Tokyo, ça t'a donné ça. Mmh. Et donc! Qui s'est mangé une claque, là? Moi, parce que c'est moi qui étais à Tokyo. Un peu tout le monde. Un peu tout le monde. Aïe aïe!
Ah, mais oui, moi aussi j'ai une claque, c'est bien horrible. Et on donc? Triple R, tu voulais pas le triple R? Mais ben non, je veux plein de claques. Ouais, mais si t'aurais eu un quadruple R, t'aurais eu un bout de tour. Ben oui, mais j'aurais préféré mais avoir un quadruple claque puis avoir le dé de Berserk pour voir à quoi ça ressemble cette expansion-là. Bon, là tu vas être mon cobaye, fait que I'm sorry. Je teste ma carte. Oui. Lancer supplémentaire cultiste. Non. Résous l'idée. Ça va faire 3. Oui, ça joue 2. 3 claques sur moi. Je peux prendre une tuile de méchanceté. Ok. Ah, oui. Celle-là. Ben oui, c'est 3 claques. C'est fait que, du moment que je. Ok, j'avais obtenu un triple 2, fait que t'avais 2 claques de plus. Ouais. D'accord. Bon, Kat va pouvoir entrer en Berserk. Moi, si elle veut essayer. C'est quoi les conditions pour être en Berserk? C'est 4 dés d'attaque. 4 claques. Ça fait quoi, on sait pas? J'ai le goût d'avoir l'autre. Ça va faire mal si elle m'attaque. Je pense que je vais regagner un peu de points de vie. Attends, même si j'ai pas King of Tokyo, je peux rentrer en Berserk? Oui. Merci pour le follow. Mizumir, que Berserk, quand tu. Oh, t'en as 4. Quand tu roules 4 dégâts ou plus, tu rentres en Berserk mode. Quand t'es en Berserk mode, tu roules aussi le dé Berserk. Tu veux ma peau? C'est beau, gars, je m'en vais. Voilà, t'as maintenant le Berserk token. Là, ça fait quoi ça? Je comprends pas. Dans le fond, t'as un dé de plus qui est le dé Berserk. Puis ça va arrêter quand tu vas te healer. My God. OK. Capote. C'est bon. Ah ouais. Est-ce capote? Ça va me healer. Attends, je vais le relire. Pour arrêter, tu vas te. Dans le fond, tu t'en sors. Je pense que tu fais juste hover dessus, puis il va te le dire. Hey, until you heal yourself. Mais là, je veux me healer, moi. C'est pas bon que je sois pas healer. Ben, ça dépend, là. Tout le monde est à comme 4 HP. Pis t'es à Tokyo. Ouh, triple 2. Tout le monde fait genre, je veux rouler des 1 pis des 2. Ils veulent même pas rouler des tapes. Fait que. C'est ça. Tu vas nous tuer, genre, au prochain tour. Le Berserk. Oh, shite. Ben, je sais pas. Est-ce que ça fait du dégât à tout le monde? Ah oui, ok. Parce que là, il est dans le milieu. Ben oui, ouais, il est à Tokyo. Ouais, mais si on tape dessus, elle peut s'en aller. Mais sur ce dé-là, il y a quoi dessus? Oui, mais pour ça, faudrait qu'on roule des tapes. Ouais. Mais vous roulez pas de tapes parce que vous voulez pas. On va essayer, OK? Moi, j'essaye activement de rouler des tapes, puis non, deux, moi, rien savoir. Non, moi, je roule pas des... quand vous avez des tapes, fait comme, non, moi, je veux des 1 puis des 2. Ouais, mais moi, je veux des 2 parce que si je roule 3, 2, je donne des tapes pareilles. C'est ça, l'affaire. Oui, oui, ça, toi, c'est comprenable, cool, là. Mais... Caro qui est comme, non, je veux des 2, donnez-moi des 2. Ben, ah, ça a pas marché. Oui, je sais, on va. Ouais. C'est qu'à un moment donné, un débloque le reste, tu sais, parce que. C'est ça. Mais là, si je fuis Tokyo, j'ai-tu encore le Berserk? Oui. Ah, mais là. T'es en mode Berserk tant et aussi longtemps que tu te heal pas. Je sais pas quoi faire, c'est difficile. Ben, au prochain tour, c'est toi qui joues. Ah, là, c'est moi qui étais obligé d'être là. Fait que tu feras pas de dégâts, tu vas juste faire des dégâts à Arte. Aou! Caféine, vas-y! 2 éclairs. Ah, oui. Le D-Berserk, c'est qu'il double tout. Ça se peut-tu? Ben, peut-être. Ça, ou ben genre 2 claques ou 2 éclairs, je sais pas qu'est-ce qu'il y a sur ce dé-là. Ouais, c'est le fun de voir tout le monde. Je veux m'en aller. Ben, c'est le dé de Berserk. Mais oui. C'est ça, là? Ouais, oui, ça, c'est le dé Berserk supplémentaire qui est là. Il est assez clairement identifié. Oui. Ouais. Là, faut-tu que je le refasse? Ben là, t'es, c'est comme t'es comme d'habitude. Je l'aime de même. OK, ben garde-les ben, comme oui, ça. Ben, amuse-toi, c'est beau, continue. Fais non, juste comme pas garder des cœurs pour te healer, là. Hey! C'est quoi ça? Ouais, y a pas... Ah, pas le choix? Ils t'ont obligé de le retirer ou ils t'ont juste donné le même résultat de toute façon?
Qu'est-ce que ça fait? Bon, là, tu te prends une tulle méchanceté. Ok, oui, c'est vrai. Panique, tous les autres monstres perdent 4. C'est le fun, ça. J'ai le fun. Ok. Sinon, vous pouvez avoir blablabla, les prix des cartes, blablabla. Considérant Carté et genre Urbavore et, clair, et à gagner, Tokyo. Parce qu'on s'entend que, ouais, c'est ça, si elle achète un avion de chasse, elle gagnait. Aïe! Ah non, là, come on! Je peux acheter une carte, c'est bien le fun. Dépenser blablabla pour ne pas perdre de blablabla. Ben, ok. Dépenser 2 énergies pour pas perdre de cœur. Ou rage! Oui! Même si ça est cœur Hugo. Mais là, je vais mourir, au moins. Non? Non. Ah. Tu mourras pas, je suis le seul qui veut activement te taper dessus. Qu'est-ce que tu comprends pas? Mais là, j'ai essayé. Après celui-ci, hein. Ça dit pas de le défausser après? Non, je pense que c'est un one shot. C'est une carte discard. Ouais. C'est pas marqué keep dessus, là. C'est garde, le type de la carte, là. Tu vois, genre, c'est écrit comme garde ou pouvoir ou je sais pas trop en français qu'est-ce que ça peut être, là. Action. Action. Action, c'est ça. Une carte action, okay. C'est que tu la discardes automatiquement. C'est okay. One shot. Le fire breathing, c'est quoi le nom de la chose? Pouvoir. Fait que ça veut dire que ça a une importance. Les actions sont instantanées puis les pouvoirs se gardent. Bon, exactement. En anglais, c'est keep et discard. Fait qu'on s'entend que c'est comme. On veut des tapes. Bon, ça y est. Mario, il nous a clippé ça, lui. On veut des tapes. Yes. Oh mon dieu, j'ai goûté le pont. Hugo veut des claques. Une petite claque. Non. Non, mais non, mais tapez-moi pas! Tu peux te soigner avant d'appliquer les dommages. Je suis pas mad, hein? Ouais, c'est ça, Kaf. Tu peux te soigner, Kaf. Tu peux me soigner? Ouais, c'est parce que ouais, là, Kaf, ça te dit tu peux te soigner avant d'appliquer tes dommages. Ça termine ton buzzer. Mais non, mais je peux pas me soigner, j'ai pas deux. Non, c'est parce que t'avais encore un cultiste. Ouais, t'as un cultiste, fait que t'aurais non, pu. Je veux fuir Tokyo, là. Ouais. Non, mais je veux pas de cultiste. Mais si tu te soignes, tu perds ton berserk. Je veux juste te rappeler ça. Hugo! Ok! C'est pas grave, ça! J'aimerais ça qu'on respecte. On veut des claques! Mon nom de berserk. Bon, ok, oui. Oh, ok, la gueule, je vais prendre ça. Je peux-tu des tapes? Je veux des tapes! Non, il veut pas t'en donner de tapes, lui. Il veut des tapes. Oh. Non, il te donne des cœurs pis de l'énergie. Oh, de la l'énergie. Y'a donc bien rien de bon. Mm-mm. Ah, encore drôle. Pourquoi? La fameuse hibernation. Comment ça, j'ai des tapes? Pourquoi quelqu'un me tape? J'ai looté lance-flamme pour que le monde perde 3 de vie, 2 de vie tout le monde. Ok. Bon, Zouel, il me reste pas gros de vie. À défaut hein? D'avoir comme des. À défaut de pouvoir infliger des tapoches. Tu infliges. Ouais, c'est ça. Tu infliges un lance-flamme. Merci lance-flamme. Pour le follow. Quack, quack, Nick. Allô, Nico. Quack, quack, Nick. Quack, quack. Allô, quack, quack. Nick. Non, mais ça va être encore des deux. Tiens, des deux pis des cœurs. Voilà. Là, ça m'a donné un petit bonhomme de plus. Quelques claques. Ow. Ben là. Ow. Ce que je. J'arrête pas de manger des tapes, c'est à mon tour, là. C'est à ton tour d'en manger. Ouais, mais j'en veux mais pas, là. C'est à ton là, tour mais... de gagner un game. Ouais, non, je pense pas que ça va arriver, ça. Mais t'as 15 points de victoire, pareil. Hein? Oui, mais il me reste 6 points de vie. Ouais. Ça passe si vite avec un dé berserk. C'est hein, ça. Oui, possiblement. Exactement ce que je me dis.
Ça donne plein. Je sais pas, on dirait que ça a juste l'air d'avoir de l'énergie. J'aimerais ça comme pouvoir voir le dé et savoir c'est quoi qu'il y a comme. Il y a d'autres choses, on le voit, mais. Il y a éclair, deux éclairs, je pense. J'ai vu un 3. Une coupe de cœur. Oh, je pense qu'elle veut se soigner. Hein. Oui, hein. Pas sûr, là, mais elle veut se soigner. Je pense. Ouais. Ah, une coupe de cœur, puis de l'énergie. Quatre cœurs. Quatre énergies, fait que ça t'a donné aussi deux cultistes de plus. Pas pire, ça. C'est très bon. Juste un, techniquement, parce que c'était deux affaires, c'était pas deux des pareils. Ouais. Ah, t'es plus en mode berserk, mais oui, t'as gagné un cultiste avec tes quatre cœurs, puis un cultiste avec tes quatre zigzags. C'est avec tes quatre énergies. J'aime ça. Ben oui, gagnons ça. Si on lit dans le côté à droite, là. Avec quatre éclairs... C'est cool, ça. Gagner un c'est point. C'est le fun. Ouais. Chaque fois que vous achetez une carte énergie. Gagner un point de victoire à chaque fois que tu achètes une carte énergie. OK. Mais c'est quoi une carte énergie? Je comprends pas. Les cartes ici. Merci pour le follow du pack Lupus. Come on! Les power cards, c'est les cartes de pouvoir. Les cartes actions ou pouvoir. Ça va. Genre ce qu'on achète depuis tantôt avec les cartes énergie. Ouais, c'est ça, les cartes énergie. Ceux que t'achètes avec de l'énergie, littéralement. Je suis pas acheté recherche. Mais là, Arte, là, il me semble que t'as beaucoup de points. Regarde, elles attaquent. Non, j'en ai-tu gagné une à date depuis le début? Oui, t'as gagné la première. J'en ai gagné une. T'sais, j'essaye un peu, moi aussi. Je fais mon possible. Bien. Je fais ce que je peux, pas ce que je veux. C'est ça qu'ils disent. Ah, un peu d'énergie, quelques claques. Non, c'est bon, c'est correct. Petite claque. Je crois que j'aurais pu rester. Ça va. Des petites claques. Okay. Est-ce que tu achètes une card? Une néon. Néon. Une petite auto, là. Hey, ça va plus vite, là, j'aime ça, c'est rapide, t'sais. J'ai l'impression de pas voir le jeu tourner. Je capote. Même j'aime ça les board games qui ont des rythmes assez rapides, t'sais, que le temps entre les tours est relativement bas. Ouais, je trouve que c'est la force de ce jeu-là. Quand il n'y a pas de mutation. C'est ça, quand il n'y a pas de mutation, ça va. Là. C'est dynamique, là. Quand t'as pas... Ouais, c'est ça, quand t'es pas occupé à lire... À tout lire. Ton demi-paragraphe de bon, ok, qu'est-ce que ça fait à cette heure? Ouais, c'est à toi. Is it your turn? Berserk, c'est intéressant, ça alourdit pas le jeu non plus. Non, ça fait juste rajouter un petit dé une fois de temps en temps, puis. C'est pas si mal. Tu dois résoudre les dés. Mais ça se résout tout seul. Le jeu qui processe tranquillement. Ah ouais. Tu peux acheter une carte. Est-ce que tu veux aller hiberner? Va dodo. Je peux juste acheter 3 puis ça me donne ça, genre. C'est bien niaiseux. Ben, tu peux... voyons, reshuffler aussi. Everything is shuffling. Tu peux shuffler. Non, je vais l'acheter, la carte! Ah, nice! C'est quoi, t'as acheté? Une carte qui donne juste plus 1. De... Ok. À chaque fois, t'achètes une carte énergie? Ah non, ok, celui qui donnait des points. Ouais. Mais c'est juste que quand j'en achète une, ben, ça m'en donne 1. Fait que là, j'étais comme. Ah! T'inquiète. T'as donné 2 points? Ouais. Oh, Caro, est-ce qu'elle va donner des claques? Non. Je suis gentille, hein? Elle veut pas donner de claque. On s'en va en donner deux pareils. Oh. Ben, j'en donne un petit peu à tout le monde, c'est tout le temps ça. Est-ce que une question d'amour. Hugo, est-ce que tu restes? Oui. Tu restes. Je le fais juste parce que je sais où d'acheter les cartes. Hey! Qu'est-ce qui est arrivé là? Qu'est-ce qui est arrivé? Raffinerie de gaz.
Oui, elle a fait, exploser une raffinerie. Fait que ça lui donnait des points, puis ça a fait perdre la vie à tout le monde. Ça fait mal, ça! Un petit peu, oui. Fais pas ça! Je veux pas mourir! Pauvre bébé s'est fait exploser une raffinerie dans le front. Elle a rien fait! Baby Gigazo vous a rien fait! Ouais. C'est pas ça que je voulais faire. Uh-oh. Bon ben, adieu mon duel. Hey, c'est terrible. J'ai fini par perdre finalement. Ah, hein, vous disiez là, 15 points, ben oui. Ok. Il m'a sacré 3 claques de plus, c'est terminé. Ah, j'ai manqué d'énergie. Le lapin. Je pensais qu'il me restait un reroll. J'ai mangé mon cultiste à la place. Ah, je vais utiliser mon cultiste. Attendez, là, c'est qui nous a tué de même? Là, je suis toute perdue. Là, c'est Hugo. Il y a personne, ben, t'es pas morte. Qui a sacré des claques. Non, non, mais j'ai fait en sorte de pas me mourir. C'est ouais. Okay. Je voulais prendre de l'énergie. Ouais. Je mange un cultiste. Tu l'as mangé au lieu de prendre de l'énergie. Ouais, je voulais le transformer en énergie, mais okay. À la place, je l'ai mangé en rerollant parce que je pensais qu'il me restait un reroll. Ok. Café, nous, on okay. peut prendre une tuile de méchanceté. Non! De quoi, non? je veux te... Mon nouvel objectif, c'est de doubler mes dégâts, puis après ça, de vous exploser. Ah non! c'est... ouais... Et sinon, l'autre, c'est gagner une j'ai énergie supplémentaire. J'ai pas mon truc de tantôt. Ah si, il essaye de faire... Ah oui, mais c'est niveau 10, hein. Tu le vis pas longtemps, cette affaire-là, d'habitude. c'est vrai. Non. Kérosène peut relancer les dés ou résoudre les dés. Comment est-ce que la partie va se terminer, mesdames et messieurs? Est-ce que ça va être Hugo qui va terminer avec son lapin? son lapin à 2 points de vie, ça devrait pas, non. Victoire. Oh my god! D'après moi, c'est Kaf qui va les avoir, hein? Comme ça... Moi! Bye Hugo, je suis désolée. He's in trouble. J'ai invité ton livre Tokyo ici, c'est quoi? Ah non. non, tu peux pas. Ah non, j'ai pas de cultus à tuer. Oui, qu'est-ce qui... Ok, c'est beau. J'étais comme, wait, j'ai-tu cliqué sur quelque chose dans le browser que j'aurais pas dû? Non, c'est beau, ça a Bye Hugo. C'est le temps que ça load. Tu viens me rejoindre. Yes, on est mouru. On est mouru. Là, maintenant, mesdames et messieurs, qui est-ce qui va gagner entre Caféino ou Kérosène? Les paris sont ouverts. Est-ce qu'on fait un poll? Hein, Hugo, on fait-tu un poll? On va faire interagir le chat un petit peu. On va mettre des prédictions que le monde spend 2 points de chaîne. Prédiction! Le monde, il met... Non, vous dépensez tous vos points, là. Kérosène! On bête sur Caf ou sur Caro? Ou Caféine Lou! Autorisez-les votre supplémentaire! Tiens, les amis, amusez-vous! Ah, shit! Qui pensez-vous entre Kérosène et Caféine Lou va gagner cette partie? Ah non! Ah, t'as fait un pôle et tu l'as appelé prédiction, ok? Oui, je l'ai appelé prédiction! Je parlais de faire une prédiction pour voter, mais... Pourquoi voter tout pour Caro? Qu'est-ce moi, j'ai voté fait? Pour toi. Je pense que tu vas gagner. OK. Donc là, t'as 7 points de vie. Tu touches pas à mes points de vie. je suis là pour ça. Il y a du monde qui s'amuse à Titi à mettre des points de plus. Écoutez, avec les habitués de la chaîne, on sûrement... plusieurs points à dépenser. Aïe! Mais c'est une partie serrée, mesdames et messieurs. Ouais. Kérosène est rendu avec un 61 de vote et Caféine avec 34. C'est qui pensait... Caro est encore obsédé par ses... son grinding de 1. Je l'ai, là, ça en prend des points de vie, puis c'est ça. Est-ce que Kérosène... J'ai plein de stratégies en tête. Oui, c'est la seule qui se ressemble à moi. Oh mon Dieu! C'est ça! Anyway, c'est pas mes... Oui, c'est stressant. Pas mes stratégies,
Je suis définitivement pas un fin travail de ce jeu-là, sinon je n'aurais gagné une ever. T'étais à 11. Qui est-ce qui va gagner? Je pense qu'elle a comme tout mangé ses cultistes. Ou bien ouais. Elle a mangé son cultiste pour comme dodger les dégâts parce qu'elle a des ailes. Ok. C'est quoi qu'il faut que je fasse là? Toc. Mais là, je suis en hibernation, fait que ça fait rien quand je te bats, non? Ah, ben mais ça oui, dure pas juste un tour, l'hibernation? C'est pas fini? Ça te... Ah, c'est... tu peux sortir. Non, c'est toi qui décides de sortir. Mesdames et messieurs, il vous reste que peu de temps pour faire vos votes. Karozin est en tête avec 99%, 99 votes versus 34 votes pour Miss Caffinlo. C'est pas à 100? Non, elle est à 99. Oh non, elle va gagner! Elle va gagner! Ah, c'est horrible. Qui va gagner? Ah, elle a gagné! J'ai gagné. Mais j'ai acheté la carte plus 2 points. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'elle ne se rend pas compte que j'ai 18 non, points de victoire. Ah, elle a gagné avec les points elle de victoire! Ah, hey, go, nice. Tu t'y attendais pas? Il faut que tu relances les dés ou que tu les résous. Pour terminer la partie, je pense. Je t'imaginais la tapocher, mais j'imaginais aussi Kaf qui était en hibernation à ce moment-là, à grinder les points d'énergie, puis juste s'acheter des cartes, juste pour acheter des cartes, puis faire des prix de victoire de même. Non, mais non. Ok, on résout les deux. Mais j'avoue que, j'aurais pu. Non, ben, si j'avais pas les points, tabarnak! 9 dommages! Hey, c'est une bonne fin de game. Et yes, c'est effectivement Karozin qui a gagné, mesdames et messieurs. Merci de toi. Vos votes. C'était très quelque chose. All right, messieurs, dames, je pense que tout le monde disait que c'était la dernière. Vous êtes pas mal tous fatigués, I guess. Gigi, merci. Mais Gigi, oui, c'était super plaisant. Il est très fun. Je le connaissais pas, puis il est très, très agréable. Fait, j'espère que vous avez eu du plaisir. Avant de quitter, d'habitude, je demande à mes invités qui est-ce que vous voulez qu'on aille raider. Fait que si vous avez une personne en particulier que vous voudriez qu'on aille raider, d'un commun accord ou pas, c'est à votre choix. Faut qu'on se batte, c'est la fin de King of Tokyo. Ben ouais, là vous vous battez. Caro peut choisir vu qu'elle a gagné. Ouais, Caro a gagné. Tout le monde ici connaît Pigeon. Hein. Oui. Oh, il est en train de jouer à Terraria. Oui, il est en train de jouer à Terraria. Sinon, j'essaie de voir c'est qui comme les nouvelles personnes que j'ai découvertes. On attend ton show. Non, mais à propos de ça, là, sinon, moi, là, écoutez, je suis comme... Mais moi, non, je pense qu'on va y aller pour Lost. Je pense que c'est un win. C'est un amour. Voilà. Ouais. Enfin, on va aller le voir. Un de pigeon. Fait, n'oubliez pas, ce dimanche, première partie de la gang... des légendes de Dracossia avec les pirates. Fait que manquez pas ça. Oui. C'est la toute première partie. Et ce lundi, on ne fera pas de stream parce que c'est l'Halloween pour tout le monde et on a des cocos qui veulent aller passer l'Halloween. Fait que je vous souhaite tous très bonne fin de semaine, un bel Halloween. Gros love à tout le monde. Merci d'avoir été là. Exactement. Merci à mes invités d'avoir accepté de venir jouer. Ben, ça fait plaisir. Oui, ce fut une soirée fantastique. C'est n'importe quoi. Merveilleux. Yes. Fait que je vous dis à très bientôt. Ouais, méchante claque. Ouais. Bye tout le monde. Bye bye. Bye bye.